Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette deuxième journée des championnats d'Europe de course d'orientation sur 8 Mont-Blanc et 100% Outdoor en présence de Mathieu Puech. Bonjour à tous. Salut Mathieu, comment Salut. vas-tu? Ça va bien, merci. Tout va bien aujourd'hui pour cette deuxième journée? Oui. On Deuxième a journée officielle, deuxième journée troisième officielle. course. Troisième course, effectivement, on va revenir là-dessus, c'est important de le préciser. Une première journée de compétition avec une longue distance que vous avez pu vivre jeudi dans la journée. Mathieu, quels sont les enseignements qu'on peut sortir de cette longue distance si on fait un rapide retour? Qu'on a eu une course qui était quand même bien intéressante, hein. On s'est régalé à la suivre, j'espère que vous aussi. On avait une course qui était assez ouverte, où en fait la spécificité des terrains, qui sont des terrains vraiment difficiles à gérer, même pour les meilleurs mondiaux, hein, des terrains qui sont verts, qui sont diffus. On a vu des erreurs, on a vu pas mal d'erreurs. On peut même dire qu'on a vu beaucoup d'erreurs, et notamment des favoris, Tove Alexandersson notamment chez les filles, qui était quand même l'ultra favorite et qu'on a vu faire beaucoup d'erreurs. Elle a du mal à maîtriser ces terrains un peu plats, diffus, avec la visibilité, une mauvaise visibilité. Et du coup, elle a fait plus d'erreurs que d'habitude, et en tout cas des erreurs qui lui ont pas permis de revenir jouer. La médaille d'or, même si on a vu qu'elle a fini quand même très très près, elle a fini à 17 secondes malgré ses erreurs. Donc bon, ça a mis quand même pas mal de suspense sur la fin de course. On s'était presque un peu emballé, on a presque failli effectivement se faire avoir par Tove Alexandersson, mais en tout cas, la championne d'Europe, c'est bien la Finlandaise Venla Harju chez les femmes. On va revenir, Mathieu, justement sur cette technique, et en tout cas ce qu'on avait annoncé comme un élément clé, c'est-à-dire le terrain. Ouais. Parlons avant de ça peut-être des Français sur le résultat. Ou juste pour terminer Oui. sur, on a quand même eu droit à une petite polémique. Alors c'est toujours dommage sur des courses de ce niveau-là, avec cette rivière infranchissable. Donc marquée infranchissable, mais il faut savoir que dans la règle, infranchissable ne veut pas dire interdit à franchir. Et donc c'est le coureur qui décide, est-ce que je prends le risque de traverser un élément que le cartographe a noté comme infranchissable, ou est-ce que je vais chercher les points de passage que le traceur a noté. Le traceur pensait que les coureurs allaient chercher les points de passage, donc il avait fait ses choix d'itinéraire, tracé sa course en fonction de ça. Et en fait, les coureurs, ils se sont dit, bon, moi je suis malin, je vais pas aller faire un long détour pour aller chercher un pont, je vais essayer de traverser la rivière. Et il se trouve que la rivière, en fait, ça passait pas si mal. Et du coup, on a quand même, alors pas chez les garçons, mais au moins chez les filles, un résultat final qui s'est joué notamment sur cet élément-là, et ça c'est un petit peu dommage en course d'orientation. On aime bien que les meilleurs, ceux qui gagnent, sont ceux qui ont fait les meilleurs choix, qui ont maîtrisé tous les éléments, mais ça c'est un petit peu de la chance. On peut pas savoir à l'avance si la rivière, comment va passer la rivière ou pas. Et voilà, on a notamment Sarah Hagström qui n'a encore jamais fait de médaille individuelle, qui avait hier les jambes pour aller chercher une victoire, et elle n'a pas voulu prendre le risque de passer la rivière. Elle a fait un long détour et au final, elle se retrouve derrière, quatrième, la médaille en chocolat, alors qu'elle avait le titre dans les jambes hier. Effectivement, et cette polémique qui avait été reprise tout de suite après la course par Marie-Violaine Palco, notre directrice technique nationale. Parlons, Mathieu, juste rapidement des Français quand même, avec une super performance côté homme avec Quentin Moulay. Oui, l'entraîneur national, Charlie Boishu, n'avait pas mis vraiment de critères en termes de place. Il attendait de voir ce que ça pouvait donner. Il voulait surtout que les coureurs soient contents de leur course. Puis montre le fighting spirit, donc l'esprit combattant qu'on attend des coureurs sur une longue distance. On sait qu'il faut rien lâcher jusqu'au bout. Et ça a été le cas. Chez les filles, elles se sont toutes battues avec leurs moyens du jour. Et chez les hommes, on a eu quand même la surprise d'avoir un top 20 qu'on n'attendait pas forcément de Quentin Moulay, qui est quand même le petit jeune de l'équipe, enfin un des petits jeunes de l'équipe, et qui a fait une super course. Il s'était bien préparé pour ses championnats. Enfin, il s'est bien préparé pour ses championnats. C'est pas sa dernière course, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Et il nous a sorti quand même une course vraiment solide, avec je crois, une toute petite erreur à un moment, mais sinon le reste c'était vraiment en maîtrise. Il a réussi à tenir le tempo, donc ça c'était vraiment impressionnant. Et puis, donc, 17e place pour lui, et premier top 20 en compétition internationale. Et ensuite, on a Mathieu Perrin, dont on attendait beaucoup, qui a fait une très bonne première partie de course. Il était 9e à mi-course, donc il était là où on l'attendait. Et il a fait une erreur, notamment aussi après être allé chercher un des ponts. Donc, on reparle de ce petit fait de course. Il est allé chercher un point de passage pour traverser la rivière au lieu de passer tout droit. Derrière, il était décalé, il a fait une erreur de parallèle. Et derrière, il a eu du mal à se remettre dans sa course. Il a eu du mal un petit peu à finir, ça lui a un peu coupé les jambes.
et il termine à une 26e place, qui est une place honorable, hein. Il est encore en apprentissage de ce genre de course. Mais voilà, on aurait pu espérer un petit coup d'éclat de vie. Et voilà, on le retrouvera aujourd'hui, Mathieu Perrin. Notamment aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il est plus à l'aise sur le format moyenne distance. On va parler donc de la course du jour, la moyenne distance maintenant, avec Mathieu, tu voulais nous parler du terrain, puisqu'on en parle. On l'a dit, c'est un vrai élément clé que l'on a vécu jeudi. On va le revivre, bien sûr, aujourd'hui. Alors là, vous avez justement... On a une petite présentation à vous proposer. Parle-nous un petit peu de ce qu'on voit, Mathieu. Alors ça, c'était la course de qualification, moyenne distance. C'était la première course de la semaine. Et on sait que le terrain aujourd'hui est assez proche de ce terrain-là. Le terrain de la course d'aujourd'hui est au sud de cette zone. Donc avec des caractéristiques assez similaires. C'est un terrain qui est un peu moins plat donc, que ce qu'on a eu sur la longue distance. On voit qu'il y a moins de marécages, il y a moins de rivières. Donc il n'y aura pas ce problème-là de rivière à traverser. Par contre, il y a beaucoup de végétation et ça va être vraiment une des données du jour. Comment les coureurs vont arriver à naviguer en étant offensifs. Souvent, sur une moyenne distance, ils aiment bien être assez proches du trait pour ne pas trop faire de distance. Mais on a cette problématique de la végétation avec des zones assez denses, notamment sur ce qu'on appelle le vert 2. Donc c'est le vert de couleur... La deuxième teinte de couleur la plus foncée, donc pas le vert 3, là oui c'est sûr il faudra pas y aller, mais le vert 2 est annoncé comme très dense, et donc c'est techniquement difficile, il faut vraiment être concentré pour traverser ces zones-là, voire essayer de les éviter si possible, et donc on va voir qu'aujourd'hui le traceur a joué avec ses végétations denses pour essayer de piéger un peu les coureurs. On vous a rejoué là la qualification donc, qui s'est déroulée mercredi, la qualification dames qui s'est déroulée mercredi. On le rappelle, le fonctionnement, trois poules avec les 20 premières de chaque poule qui sont qualifiées pour la finale d'aujourd'hui. Exactement, donc on aura 60 filles au départ, puis 60 garçons. On a sélectionné tout simplement les 20 premières de chaque série et, pour avoir 60 filles aujourd'hui. Une densité importante, on l'a dit, sur ces championnats d'Europe. Il nous reste quelques minutes pour aborder ce sujet-là. Et ensuite, on basculera, bien sûr, sur la course. Ce qu'on peut dire déjà sur la qualification, c'est que les meilleurs, généralement, arrivent à s'en sortir. Hein, mais sur un championnat d'Europe, on sait qu'il y a une grosse densité, puisque chaque nation peut aligner plus de coureurs. Donc, si plus de coureurs forts sur les nations fortes, forcément, on a une densité plus grande. On a quand même eu quelques surprises, et notamment on peut dire Martin Rijkborn et Elias Kuka, on rappelle qu'ils ont gagné médaille d'or et médaille de bronze hier, en fait ne sont pas passés en finale aujourd'hui, ils ont raté leur qualification. Alors il y en a pour le premier, Martin Rijkborn, il a sauté un poste, hein, c'est pas autorisé, et le deuxième a fait trop d'erreurs pour se qualifier dans les 20 premiers, il était 21e au final, donc ça c'était quand même une petite surprise de voir que ces deux très bons coureurs ne sont pas passés en finale. Et chez les filles, on a aussi Caroline Olsson, une Suédoise qui est généralement habituée des finales, voire de la course au petit podium, voire aux médailles, et qui elle aussi a fait trop de fautes. Donc c'est un terrain qui occasionne beaucoup de fautes, même chez les meilleurs, et encore plus sur une moyenne distance, hein, où l'accent est mis particulièrement sur la technique. Donc aujourd'hui, ça devrait être vraiment passionnant à suivre, avec probablement beaucoup d'erreurs et de rebondissements. Vous l'avez compris, c'est aujourd'hui qu'il faut suivre ce championnat d'Europe avec la course moyenne distance. On va rentrer dans le vif du sujet dans quelques minutes. On tourne une petite page de pub promotionnelle pour les courses de cet été. On se retrouve avec notre partenaire Ideri pour échanger avec lui. You up.
De retour en plateau pour ces championnats d'Europe de course d'orientation sur 8 Mont-Blanc et 100% Outdoor, vous nous suivez. Nous avons notre invité du jour qui est présent avec nous, Vincent Cali. Bon, salut Vincent. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. En pleine forme. Très bien. Vincent Cali, donc représentant de la société Idéry, que vous commencez maintenant à bien connaître sur nos réseaux et la chaîne 8 Mont-Blanc. Idéry, notre partenaire principal de ces retransmissions tout au long de la saison de course d'orientation. La dernière fois qu'on s'est croisés, tu nous as présenté, on va dire dans la globalité Idéry, les valeurs et ce partenariat que l'on a ensemble avec Outdoor Sport Media. Ça fait maintenant quelques semaines qu'on voit les spots tournés de publicité Idéry. Qu'est-ce qu'on veut faire passer à travers ce message? Ce qu'on a voulu faire passer à travers ces messages un peu choc, c'est la situation de l'immobilier aujourd'hui en France. Avec une spéculation et une situation haussière du foncier et du logement qui pour nous est néfaste et ne peut plus durer. Donc on a voulu au travers ces spots attirer vos auditeurs vers notre site ou nos réseaux pour leur faire part de notre vision. On pense que les choses peuvent se faire autrement. Et c'est ce qu'on explique sur le site et au travers de la société Idéry. Avec différents espaces de discussion, différentes choses qui sont proposées. Évidemment, le sujet aujourd'hui, c'est que l'hypermédiatisation de l'immobilier a fait passer l'agent immobilier d'une profession réglementée à une profession de représentation sans qualification, au détriment du particulier et au détriment du marché et de la qualité du parc locatif, du parc de logement en France. Donc vos projets concrètement, comment il va se passer? Concrètement, nous avons développé une plateforme qui permet aux particuliers de gérer de A à Z son parcours immobilier, quel que soit son projet, que ce soit un projet de vente, un projet d'achat, un projet de louer. On comprend bien la plateforme, ça c'est bon. Alors du coup, si je prends un exemple très concret, je suis propriétaire, je veux vendre ma résidence principale région lyonnaise et je viens m'installer ici à Annecy où il fait bon vivre. Que fait Idéry pour moi? Bah c'est un des cas les plus courants. Tu vas te connecter et créer ton espace personnel qui va te permettre de rentrer en contact avec un agent spécialisé qui t'aidera à faire ton estimation et toutes les démarches nécessaires à la mise en vente de ton bien sur Lyon. En parallèle de ça, tu seras en contact avec un autre agent immobilier sur Annecy, spécialisé du secteur, qui t'accompagnera après une découverte, qui t'accompagnera dans la recherche de biens jusqu'à la réussite de la transaction. Mais plus encore, ton accès personnel va te permettre de gérer ton bien et toute ta transaction de A à Z. Tu pourras retrouver tous tes documents, tous tes espaces, que ce soit sur le bien vendu ou le bien acquis, sans aucun démarchage commercial, puisque tu seras le seul maître de tes informations et de tes documents que tu pourras disposer à volonté. Sur une plateforme sécurisée, j'imagine. Sur une plateforme sécurisée, évidemment. Oui. Qui met en confiance aussi Qui met en confiance, et dont l'objectif à terme, c'est d'aider le particulier à entretenir, à valoriser son patrimoine. On pense qu'aujourd'hui, on a un défaut sérieux de qualité du logement en France. La rénovation énergétique qui est programmée par le,
par les pouvoirs publics le démontre. Et la tâche est immense. Et on pense que les outils ne sont pas adaptés aujourd'hui pour pouvoir assister le particulier. Je pense qu'on a bien compris. En tout cas, c'est très clair comme tu nous expliques l'intérêt de cette plateforme IDERI. Nous, pour nous, en tout cas, c'était important qu'on puisse expliquer en détail et notamment pour les utilisateurs et particuliers. Concrètement, c'est quoi vos prochaines échéances? Où en est l'avancement du projet aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la plateforme, elle en est à sa V1, sa première version, c'est-à-dire que des agents immobiliers et des promoteurs l'utilisent déjà. Dès la rentrée, les particuliers vont pouvoir commencer à en mesurer l'intérêt pour eux-mêmes. Et des développements sont prévus pour la fin d'année. Évidemment, c'est le genre d'outil qui est tout le temps en mouvement. Et d'ailleurs, on invite vos auditeurs à nous rejoindre sur les réseaux ou sur le site pour nous faire part de leur de leurs idées ou même de leurs remarques parce que chez nous on pense que la communauté doit participer à faire évoluer les outils. Alors justement pour finir cette interview, vous parlez beaucoup de communauté au sein de IDERI. Quel est le principe de cette communauté? Alors, on parle beaucoup de communauté parce qu'on pense qu'on est rentré dans une mercantilisation à outrance du marché de l'immobilier et que c'est néfaste. Nous, on pense que dans une communauté, on est capable d'apporter à chacun les éléments nécessaires, l'intérêt, pour que tout le monde s'y retrouve, professionnel et particulier. La communauté, elle permet d'améliorer les fonctionnalités et aujourd'hui de partager le travail et de sortir de cette hypermédiatisation qui n'apporte absolument rien au marché, à part la hausse des prix. Mais vas-y, j'ai répondu à ta question. Tu as complètement répondu à ma question, et du coup, c'est peut-être le moment de rappeler votre slogan qu'on aime bien voir. Chez IDERI, on pense autrement. On pense autrement, exactement. Je trouve que ça amène beaucoup de valeur, et en tout cas, pour nous, avec Outdoor Sport Media, c'est une vraie satisfaction de pouvoir entretenir ce partenariat avec vous. Je pense qu'on a beaucoup à s'apporter mutuellement, et surtout, la communauté des orienteurs est sensible à ce genre de discours, à ce genre d'action, et voilà, on espère en tout cas que ce partenariat pourra aussi vous amener de la visibilité pour IDERI. Ben, si je peux conclure, je pense que la société n'est pas prête, mais les utilisateurs de la plateforme se demanderont, une fois qu'ils l'auront pratiqué, comment ils faisaient avant, sans. Eh bien écoute, on espère en tout cas. Merci Vincent de nous avoir accordé un peu de ton temps et d'être venu sur ce plateau télé pour nous parler d'IDERI. Je le rappelle, voilà, vous êtes engagé avec nous sur toute la saison et pour nous c'est vraiment super important de vous avoir à nos côtés. On se retrouvera en octobre pour la dernière manche de la Coupe du Monde. En attendant, longue vie à la plateforme IDERI et puis on se dit à bientôt. Merci. Et on Merci se quitte sur la vidéo d'IDERI qui soutient bien sûr le sport outdoor. Parfait.
De nouveau en direct sur le plateau de 8 Mont Blanc et 100% Outdoor avec Mathieu. Eh bien, on va rentrer dans la course du jour, le vif du sujet de cette course du jour. On le rappelle, championnat d'Europe format moyenne distance en Estonie. On se connectera d'ici un gros quart d'heure environ avec notre envoyé spécial Christophe que vous avez rencontré jeudi et qui est à fond, on peut vous le dire, qui a envie d'interviewer tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. En attendant, Mathieu, parlons un petit peu peut-être des Français du jour. On n'a pas fait encore de retour sur justement la qualification dont on a parlé de mercredi dernier. Parle-nous déjà qui se représente aujourd'hui à la finale et surtout qu'est-ce qu'on peut attendre de nos Français. Alors oui, les Français ont couru donc la qualification. Ça s'est plutôt bien passé chez les garçons. Hein. On rappelle 9 candidats. On va dire 9 coureurs. Oui, 9 coureurs français chez les garçons, 6 chez les filles. Donc les garçons, ça s'est plutôt bien passé avec notamment Raphaël Maslia, qui est un nouveau venu dans l'équipe. Il n'est pas tout jeune, mais en tout cas, il n'avait jamais été sélectionné dans l'équipe et il a fait une super qualif. Il se retrouve donc plutôt bien classé. Il a fait 7e donc sur la série C, donc il était vraiment pas loin des meilleurs. C'est lui qui a terminé au meilleur classement chez les garçons, avec une bonne qualif aussi chez Mathieu Perrin, donc il fait 9e de sa série, avec en plus une course pas complètement maîtrisée. Il a fait une petite faute à un moment, il a dû remettre du gaz derrière, et on a vu que quand il a remis du gaz, ça se passait plutôt bien. Donc c'est des courses qui sont quand même assez encourageantes pour aujourd'hui. Et après on a Loïc Cabern et Nico Rio dans la série B, eux qui ont fait aussi une course solide, ils ont fait 10e et 11e, donc en milieu, on rappelle, on prend les 20 meilleurs, donc c'était une qualification maîtrisée pour eux, donc ça fait quand même autant de coureurs qui peuvent aspirer aujourd'hui à faire une bonne performance. Après, chez les filles, ça a été un peu plus compliqué. On l'a vu, hein, c'est des terrains qui sont difficiles, l'équipe est assez jeune, il manque la leader, hein, Izia Bassé, on rappelle, qui est clairement sur ce format moyenne distance la meilleure française à l'heure actuelle. Et on rappelle notre seul médaillé finalement en 2018 sur des terrains presque similaires, et ça nous rappelle de bons souvenirs avec sa médaille au championnat du monde 2018. Oui, tout à fait, donc on lui fait un petit coucou, j'imagine qu'elle nous regarde, même si je sais qu'elle aurait bien aimé être là-bas, mais bon, elle a eu des pépins physiques après les championnats du monde. Une Française qui s'est qualifiée. Voilà, du côté des Françaises, c'est Céline Calandry, Cécile qui est je vais pas dire petite jeune parce que maintenant on en parle à chaque fois, mais en tout cas elle continue à surfer un peu sur cette jeunesse, sur cette fraîcheur. Voilà, on sait qu'elle a franchi un palier sur les courses en milieu urbain. On l'a vu très performante déjà sur au moins les deux derniers championnats du monde de sprint qu'il y a eu. Et là, elle a montré aussi qu'en forêt, elle sait faire aussi. Et elle a fait une très bonne qualif. Elle finit en 5e position de sa qualification, pas très loin des meilleurs de cette poule-là. Donc c'est aussi assez encourageant. Elle a fait du coup le choix de ne pas courir la longue distance pour garder la fraîcheur aussi pour cette course d'aujourd'hui. On va voir ce que ça peut donner. Alors on n'attend pas non plus Monts et Merveilles. Hein, jeune. Voilà, elle est très jeune, elle est toujours en phase d'apprentissage. En forêt, ça prend un peu plus de temps que sur les formats urbains qu'elle maîtrise mieux. Mais tout est permis pour elle aujourd'hui. Donc Cécile Calandry qui sera notre représentante sur cette finale A, qu'on aura certainement la chance d'ailleurs de voir tout à l'heure sur la retransmission, puisqu'elle s'est plutôt bien qualifiée et qu'elle est dans le créneau horaire de la télévision, donc ça c'est super. Si elle fait un bon début de course, il y a de grandes chances qu'on la voit. Quoi qu'il arrive, on essaiera de la voir en interview. Et après pour les autres filles, il y a de l'expérience, je dirais, à engranger avec une finale B, qui est évidemment pas la finale phare, mais n'empêche que c'est beaucoup d'expérience à engranger pour la plupart d'entre elles. Oui, elles sont toutes motivées. Alors, on pourrait se dire, c'est un championnat d'Europe quand même, c'est la moindre des choses. Mais elles ont montré sur la longue qu'elles ne voulaient rien lâcher, elles se sont battues jusqu'au bout. Là, elles sont en finale B, on pourrait dire, mais elles sont toutes hyper motivées pour courir cette finale à fond, pour jouer le jeu. Et c'est un championnat d'Europe, c'est-à-dire que même le niveau d'une finale B est très relevé, et pour elles, ce sera sans doute très intéressant
de courir cette course et d'engranger de l'expérience. Alors, vous avez rencontré en interview jeudi dernier Florence Hanauer, Juliette Basset et Maëlle Beauvire, que l'on a eu en direct grâce à Christophe sur place. En avant-course, il y a quelques jours, on a rencontré une des revenantes, si je dirais, en tout cas une fille qui a fini, qui a presque fini ses études et du coup qui va se consacrer vraiment à 100% sur cette année de course d'orientation. C'est Chloé Dudoignon de Valence Sport Orientation. Je vous propose qu'on l'écoute et puis on revient après sur justement cette équipe de France féminine. Oui, alors cette sélection de dernière minute, c'est sûr que bon, bah voilà, c'est un petit chambardement. Ça fait plusieurs compètes déjà que Charlie met en place ce qu'on appelle des remplaçants, donc des gens qui doivent se tenir prêts au cas où il y ait des désistements. Forcément, pour moi, c'était aussi un peu une surprise parce que moi, j'étais déjà partie sur OK, le programme de la suite, quoi. Mais bon, je m'étais quand même forcément préparée pour les sélections des EOC. Et là, depuis que j'ai appris ma sélection, j'ai ajusté justement ma préparation pour ces deux dernières semaines. Là, je viens de sortir d'un stage qu'on a fait dans les Chères à Clermont-Ferrand avec quelques gars de l'équipe pour aller essayer de s'entraîner sur des terrains similaires. Donc voilà, j'ai basculé en prépa EOC focus. À quoi on s'attend? C'est sûr que ça va être un peu dantesque, il paraît, hein, que c'est des terrains assez atypiques, avec une végétation à laquelle on ne s'attend pas, dont on n'a pas l'habitude. Beaucoup de végétation, en fait, des terrains très verts, avec un micro-relief très technique, donc ça va être sûrement très dur d'orienter. C'est pour ça que le stage dans les Chères, ce n'était pas forcément une mauvaise idée. Moi, où j'en suis, ben, forcément, après l'année que j'ai eue, là, qui était une année surtout focus sur le côté académique, scolaire, avec l'agrégation, ben, j'arrive pas forcément au top de ma forme. Bon, par contre, j'arrive au top de la motivation, du coup, parce que ça fait vraiment plaisir de pouvoir reprendre la CO. Mais donc, je vais pas me fixer d'objectifs trop hauts, quoi. Le but, ce sera vraiment, voilà, de nouveau un départ, et donc vraiment d'essayer de faire des courses propres en se concentrant peut-être sur le challenge technique véritablement de ces terrains qui finalement va peut-être pouvoir ouvrir des portes. Ouais, l'année prochaine, j'ai vraiment l'intention de me focus à 100% sur la CO et donc 2023, ouais, c'est vraiment mon objectif. Donc cette sélection-là, elle me fait d'autant plus plaisir qu'en effet, ça me permet de déjà prendre le départ pour cette longue année de préparation en vue de l'année prochaine et des formats forêt. Chloé Dudoignon, que vous venez d'entendre, du coup, qui participera à cette finale B. Toujours très sympa d'avoir Chloé en interview. Et donc, du coup, demain, vous découvrirez les autres filles qu'on n'a pas encore rencontrées. Il s'agira donc de Cécile Calandry, de Florence Hanauer et du relais qui sera composé avec Maëlle Beauvire, certainement. Un petit mot donc sur cette course homme derrière qui nous attend. Avec, tu nous as dit, Mathieu Perrin, Nicolas Rio, qui sont certainement nos leaders aujourd'hui pour cette équipe de France. Oui, ils ont l'expérience. On rappelle Nicolas Rio qui a participé au championnat du monde en 2017 en Estonie. Oui. Il a eu des pépins physiques ces derniers temps, il a galéré un peu, mais c'est le genre de terrain typiquement où il peut tirer son épingle du jeu. C'est un vrai sanglier, il adore aller à la bagarre dans la végète. Donc alors c'est sûr, il n'a pas le gaz qu'il aimerait avoir en ce moment, donc ça limite un peu au niveau des ambitions. Mais il peut tirer son épingle du jeu, comme j'ai dit, et ça va être intéressant à suivre. Ouais. Alors, on a mis aussi en avant le petit jeune que vous avez rencontré du club d'orientation Team Besançon, que vous avez rencontré jeudi, meilleure performance en longue distance. C'était important pour nous de le rencontrer en avant-course pour qu'il nous parle justement aussi de ces championnats d'Europe. Il s'agit donc de Quentin Moulet avec une petite interview. S'est plutôt bien passé. On a fait vraiment des entraînements bien, bien techniques. On sait qu'on aura sûrement un peu plus facile au championnat d'Europe.
Et la préparation s'est plutôt bien passée, avec aussi un stage en Estonie au mois de juin, qui a permis de prendre des marques sur les terrains et revenir techniquement en forêt après un début de saison en sprint. Ouais, il y a eu le wok en 2017 un peu à un autre endroit, mais je pense que les terrains sont très similaires. C'est des terrains qui sont vraiment denses en végétation. C'est assez impressionnant, même si sur la carte, ça ressort pas tant que ça. Il y a du blanc, sauf qu'en fait, le blanc, il court vraiment pas. Le vert, c'est un peu la guerre. Et surtout, en fait, la visibilité est vraiment réduite. Après, il y a beaucoup d'éléments de relief, des petites collines, voilà, de 10, 20, 30 mètres. Qui sont les points d'appui majeurs sur ce terrain. N'y a pas non plus énormément de points d'appui et pas énormément de chemin. Voilà, c'est quelques marais. C'est un terrain où faut se battre et qui est challenging tout le temps du fait de la faible visibilité. Il faut jamais se relâcher. Voilà, depuis on va dire février, de février à fin mai, j'ai fait vraiment beaucoup de sprints. J'ai fait la Coupe du Monde en Suède. Et du coup, donc après la Coupe du Monde fin mai de sprint, là j'ai vraiment basculé totalement sur la forêt. Voilà, j'ai pas fait de sprint depuis 2 mois, 3 mois. Et donc là, j'ai mis un gros bloc de volume en forêt pour. Voilà, se remettre en route techniquement, c'est assez difficile quand on sort de plusieurs mois de sprint. Et puis voilà, pour être prêt pour les hocs et le physio. Du coup, moi, mon objectif de l'année, mon objectif numéro un, ce sera quand même le physio. Et c'était hoc juste avant. Voilà, je vais viser un top 30, ça va vraiment. Un bon résultat pour moi. C'est pour les équipes de relais, ce sera un beau, ouais, ce sera des belles courses aussi. Bon, j'espère être dans la meilleure team possible. Quentin Moulet, donc, que vous venez d'écouter, Mathieu, avec des objectifs très élevés pour lui aujourd'hui, hein, qui s'est fixé. Oui, alors il annonçait vouloir faire un top 30, il a déjà fait mieux, il a fait top 20. Mais on sait qu'il est jeune, normalement la longue distance c'est plutôt pour un peu un format de vieux roublard, il a fait déjà sa performance sur ce format-là, mais c'est un format qui lui convient un peu mieux que la moyenne distance, je pense. Donc il faudra pas s'attendre non plus à ce qu'il fasse des top 20 tous les jours, et notamment aujourd'hui on va pas trop lui en demander, on va attendre de voir, mais c'est déjà extraordinaire avec ce qu'il a fait il y a 2 jours sur la longue distance. Le point donc sur l'équipe de France féminine et masculine que l'on a fait, et on retrouvera les dames avec, je vous le rappelle, Cécile Calandry qui court la finale A dans quelques instants. On va parler, avant de basculer en Estonie, des favoris du jour chez les étrangers, avec là un énorme plateau. Mathieu, on va pouvoir avoir en même temps que tu parles une petite image de ce qui s'était passé au championnat du monde l'année dernière en République tchèque que vous aviez déjà suivi sur 8 Mont-Blanc. Parle-nous un petit peu déjà chez les féminines, qui on attend aujourd'hui. Ouais, alors chez les féminines, le plateau est sensiblement le même que sur la longue distance, avec un petit peu les mêmes favorites. Il se trouve que la plupart des filles qui ont bien tourné sur la longue, on peut s'attendre à les retrouver aujourd'hui. On a seulement peut-être Lina Strand qui s'est pas très très bien qualifiée, Elena Ross aussi, mais on sait qu'il y a des petits problèmes chez les Suisses en ce moment. Ils sont pas tous au top de leur forme. On verra aussi chez les garçons si c'est le cas. Mais du coup, en fait, il va suffire pour les filles de prendre un petit peu la liste de départ, sachant que celles qui se sont le mieux qualifiées sur la course de qualification vont partir tout en fin de start list, donc de liste de départ. Et ben, ça va être facile, hein. Il suffit de prendre celles qui sont à la fin et on aura les favorites parmi celles-là. Avec la petite surprise de voir Tove qui était passée un petit peu au travers de sa qualif, c'est-à-dire là encore on sent qu'elle ne maîtrise pas complètement le terrain parce qu'elle a fait des fautes sur cette qualification, et bon, ce qui n'empêche pas de se qualifier, de passer en finale et avec une place correcte, mais voilà, elle ne partira pas dans les toutes dernières. On aura notamment Andrine Benjaminsen, la Norvégienne, Marika Teini,
Donc la toute récente championne d'Europe et Simona Bersolt, qui elle a bien passé à côté de la longue distance il y a deux jours. Mais ces trois filles-là ont remporté leur qualification et partiront les trois dernières aujourd'hui. Alors justement, juste après cette présentation des dames, on va avoir la présentation, tu vas nous faire la présentation des hommes avec les favoris du jour. Et du coup, en parallèle, pour évoquer cette course homme, on va avoir le replay du GPS de ce qui s'est passé à la qualification. Donc là, ça va être intéressant pour un petit peu voir et se rendre compte de qui sont plutôt les favoris du jour. Alors chez les garçons, c'est beaucoup plus compliqué. On a un plateau très très dense, notamment parce que on n'avait pas tous les meilleurs sur la longue distance. Certains parce qu'ils avaient fait le choix de garder un peu des forces pour cette moyenne distance, et d'autres parce que en fait, on ne sait pas s'il n'y a pas une petite épidémie chez les Suisses, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de Suisses qui n'étaient pas bien, qui ont réussi à courir la qualif, mais en étant vraiment limite. Hein, et du coup, ils n'ont pas pu s'aligner sur la longue, parce que ça leur aurait demandé trop de forces, des forces qu'ils n'avaient pas à ce moment-là. Et ben, on va voir s'ils ont suffisamment récupéré pour cette finale. Et on parle quand même de gars comme Mathias Kiburtz, hein, qui sont des prétendants aux médailles à chaque fois. Et donc, voilà là, d'ailleurs un Mathias Kiburtz petite, qui était un petit peu Alors il a fait, une course quasiment sans faute. Mais il est arrivé, il était blanc comme un linge. Voilà, on sentait qu'il était vraiment pas bien. Ils ont tous un peu des problèmes gastriques. Mathias, c'est en particulier. En plus, il a couru, il revenait des États-Unis avec le World Games. Il a eu aussi le Covid. Donc, il n'était pas à 100%. Bon, il nous a rassuré un peu hier sur les réseaux en mettant un post en disant que voilà, il reprenait du poil de la bête et qu'il serait là aujourd'hui. Face à un taureau, comme un taureau. Ouais, qui est le logo de cette course-là, de ces championnats. Parle-nous peut-être aussi voilà. De Casper Harlem-Fosser, puisqu'on voit là qu'il est pareil, hein, en dessous sur la qualification. Et du coup, d'ailleurs, on le verra certainement même pas à la télé, puisqu'ils partent très très tôt. Oui, effectivement. Pour finir aussi, j'avais aussi les Estoniens, dont c'est une surprise, alors qu'on a les deux frères Sild, là, on en voit un en vert. Qui sont vraiment très très costauds sur leur terrain. Ensuite, oui, on a deux coureurs qui sont un peu passés au travers de leur qualif, mais en passant quand même. C'est Emil Svensk, qu'on a vu très actif en début de longue distance il y a deux jours, et Casper Fosser, qui est lui aussi qui a bagarré pour la médaille jusqu'au bout en longue distance, mais qui a dit qu'en longue distance, il pensait qu'il allait être un peu court physiquement, parce qu'il n'a pas pu vraiment bien s'entraîner depuis les championnats du monde. Par contre, il disait « je serai là sur la moyenne distance, j'ai l'impression que ma technique se met en place, donc il faudra compter sur moi ». Et il cherche clairement une médaille d'or sur ce format-là, mais sur la qualification, il est passé un peu au travers. On le voit là, on le voit, puisque, alors pour bien préciser à tout le monde, hein, ça c'est le replay de ce qui s'est passé mercredi en qualification, et donc eh ben, vous le voyez, c'est si tous les coureurs étaient partis ensemble, vous voyez à quelle place se trouve Harlem Fosser, avec un sacré écart par rapport à Bergman ou Hildefeld. Ouais, il est clairement. Il n'était pas en son assiette. Il pense que sa technique petit à petit se mettait suffisamment en place, mais il ne nous l'a pas montré sur la qualif, et c'est un petit peu inquiétant. Hier, on a vu qu'il n'avait pas les jambes qu'il espérait avoir sur la longue, ça, il nous l'avait annoncé. Par contre, il a aussi fait des petites fautes sur la longue distance. Il a fait des fautes sur la qualification. Alors, est-ce qu'il va arriver à mettre tout ça en place aujourd'hui pour aller chercher une médaille, sachant que, voilà, en temps normal, c'est quand même un des ultra favoris de la course. Mais là, il ne nous a pas envoyé des signaux complètement positifs. Parlons peut-être, avant de finir, sur les favoris du jour, de Bergman et Rindefeld, qui sont devant sur cette qualif. Hein. On n'a pas encore évoqué, mais bien sûr, des vrais prétendants. Ouais, Martin Rijkborn, qui était très, très en forme, pendant tout l'été, qui a été médaillé, donc a pris le titre il y a deux jours, lui, il ne sera pas là. Donc, comme on a dit, il a raté sa qualif, il a sauté un poste. Mais les Suédois, eux, ils seront là. On a Gustav Bergman, qui est quand même numéro un mondial, qui est un des coureurs les plus techniques. Logiquement, il devrait tirer son épingle du jeu sur ce genre de course. On l'attend, en tout cas, très fort. On sait qu'il cherche un premier grand titre qu'il a pour le moment pas encore réussi à avoir sur les compétitions internationales. Et puis, on a Albin Rijkveld, qui est un coureur lui aussi assez technique, enfin principalement technique même, et souvent il se consacre
sur ces formats courts et techniques de la moyenne distance. Et on attend toujours de lui un coup d'éclat. Il est souvent là. Est-ce que ça va être son jour? C'est pas impossible. On verra. En tout cas, il a fait une très bonne qualif. Merci Mathieu pour ce tour des favoris hommes et dames pour cette moyenne distance qui, on vous l'a dit, on vous l'a annoncé. On s'attend à un vrai grand spectacle. Il y a plus de favoris que ça. Alors, on en reparlera pas tout à l'heure. Voilà, on les verra en course, mais c'est vraiment une course très ouverte. Il y en a beaucoup. On va essayer de se connecter avec l'Estonie avant de voir la course. Alors apparemment, il pleut hein, en Estonie avec Christophe Roturier que vous reconnaissez bien sûr. Christophe, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Salut Christophe. Parle-nous un petit peu de l'état d'esprit et de la course du jour. Alors la course du jour, elle va se dérouler sous la pluie, voire même sous le tonnerre. Tout à l'heure, on a entendu le tonnerre, on a vu les éclairs. La pluie, elle est par moments pluie fine, et puis par moments, c'est la grosse drache qui trempe jusqu'aux os. Donc ça va être un élément qui va probablement introduire une petite différence entre les concurrents. Le temps varie beaucoup. Ça n'empêche pas les spectateurs d'être au rendez-vous. Alors vous avez déjà deux membres de l'équipe de France qui sont là pour supporter... Lucille pour supporter leurs collègues. Et Antoine, Lucille, merci. Et Antoine, voilà, tout à fait. Et puis, vous voyez, le long de la ligne d'arrivée, bah, les drapeaux sont là. Et vous entendrez sûrement les cloches à l'arrivée d'un des concurrents. Ce n'est pas parce qu'il pleut que les supporters vont laisser tomber leur équipe. Une des caractéristiques de la CO, c'est que c'est un sport de pleine nature. Donc, même quand il fait mauvais, on est là, on est à fond et on fait sa course. Christophe, voilà, précise-nous, c'est bien la même aire d'arrivée que l'on a connue jeudi. Alors, hein. Voilà, on est exactement sur la même aire d'arrivée. Donc, le pont est toujours là, il n'a pas bougé, il sert toujours au couloir d'arrivée. Et puis, au départ, on passe sous le pont. Mais cette fois-ci, je vais peut-être pouvoir vous le montrer au loin, les coureurs s'enfoncent dans la forêt directement. Donc, ils ne font pas la petite boucle qui les faisait repasser derrière le pont. Voilà, donc on va dire qu'ils sont plus directement aux affaires. Moi, je dirais aussi que j'aime bien ces ambiances de middle distance parce que c'est animé sur l'aréna dès le départ. Donc là, on a entendu plusieurs arrivées tout à l'heure. Les cloches, vous les entendez, là, elles recommencent à sonner. Voilà, tout simplement parce qu'il y a une Suissesse qui est en train de terminer sa course. Voilà, et donc forcément, les cloches sonnent pour l'encourager. Merci Christophe. Est-ce que tu as un petit mot à nous faire avec Antoine, peut-être, qui est en face de toi? Antoine et Lucie, ils sont repartis, non? Ah si, ils sont là. Non, ils sont toujours là. Alors, je leur avais dit, c'est pas pour une interview, mais... Demande-leur l'état d'esprit un petit peu de l'équipe de France, s'il te plaît, et ce qui est les dernières nouvelles après cette journée de repos. État d'esprit de l'équipe, les dernières nouvelles après cette journée de repos. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut partager? Globalement, le moral est bon quand même. Voilà, les terrains, ils sont ce qu'ils sont, hein, ils sont usants. Donc, ma foi, on savait que ça allait être la même chose aujourd'hui. Du coup, de ce qu'on voit de la carte, c'est pas cadeau, quoi. Il y a certains choix qui sont quand même qui vont être importants et ça va être dur à courir encore. Je pense à tracer quand même assez vite, notamment pour les hommes, peut-être sur certains, sur le bon choix. Sur le bon choix 5-6, ouais. Okay. Donc je pense que dans le jaune, ça aura déjà bien tracé, ce sera important. Et sinon, comment ça se passe une journée de repos? Qu'est-ce que vous avez fait là pour bien récupérer, vous mettre dans les meilleures conditions? Ça dépend des personnes. Moi, personnellement, je suis allé marcher une fois le matin, une fois l'après-midi, pour une heure, histoire de faire tourner les jambes. Il y en a certains qui vont courir. Puis après, on ne monte pas chez le kiné. Le kiné est à fond. De 9h à 20h le soir. Merci. Donc là, on est une équipe qui est prête pour affronter cette middle distance. C'est ce qui ressort de... Merci Christophe. Merci Christophe. Merci Antoine Becker. Merci Lucille Clouard pour leurs impressions. C'est vraiment super de pouvoir vivre ça. En direct, on te retrouve tout à l'heure, Christophe. N'hésite pas avec notre féminine, Cécile, si tu l'as en interview. Et puis, on se retrouve dès que tu as du temps. Ok. C'est parti, Mathieu, pour ce direct depuis l'Estonie. Vous l'avez vécu. On va voir la carte. C'est plus vieux, hein. On va voir la carte. On va voir la carte, parce que là, les parcours. Voilà, on commençait un peu à parler de certains choix, mais nous, on n'a pas encore vu la carte, vous non plus. Enfin, nous on l'a vu, on peut le dire. Mais voilà, vous, ça va être pour bientôt. Et effectivement, on a des terrains, une course pas cadeau, hein, comme disait Antoine, exactement. Et vous allez voir ça avec des itinéraires qui traversent des zones de verre et
le choix, est-ce qu'on traverse, est-ce qu'on ose traverser ces zones ou est-ce qu'on fait le tour, enfin, on va voir tout ça. On vous laisse en même temps qu'on parle apprécier hein, les images de l'Estonie. Alors juste pour bien préciser, hein, ces championnats d'Europe sont sponsorisés en grande partie par l'association ou en tout cas l'entreprise Visit to Estonia. Du coup, c'est pour ça que vous avez accès à ces images de promotion. Mais en tout cas, on est dans un pays où il fait bon vivre. En tout cas, on nous vend le bon vivre en Estonie. Avec, je vous le rappelle, des championnats du monde qui avaient eu lieu en 2017 et les championnats du monde en 2018 étaient juste à côté en Lettonie. Il fait bon vivre, il fait bon orienter, même si les forêts sont parfois assez inhospitalières. On se retrouve donc sur cette arena où Christophe nous a introduit un petit peu le temps. Voilà, donc nous allons suivre, pour commencer, on vous l'a dit, la finale moyenne distance chez les dames à Rakvere en Estonie. On va donc nous proposer dans quelques instants les images et les paramètres de course avec la longueur, etc., les distances et bien sûr la carte. On peut le dire, Mathieu, est-ce que ça change des choses avec ce temps finalement voilà, une 19 degrés, un peu de vent, ce temps qui peut changer quelque chose pour les orienteurs ? Pas forcément. Alors, ça peut changer parce que le terrain trace beaucoup. Alors, quand il pleut, ça a tendance des fois à tracer même encore plus. Ça peut désavantager ceux qui courent avec des lunettes. On l'a vu, Lucille, là, sur l'air d'arena. Bon, forcément, ça pose problème. Donc, on sait que dans ce cas-là, il faut qu'elle se débrouille souvent avec des lentilles. Mais... Donc, voilà. Alors, 20 balises. Distance, mais voilà, on ne vous a pas vraiment expliqué ce que c'était, la moyenne distance. C'est un format de course donc, qui se court aux alentours de 32 à 35 minutes. Et donc là, on a les caractéristiques de la course féminine avec 5,3 km, 90 mètres de dénivelé. Ça, c'est pas beaucoup, donc c'est pas énorme. C'est des terrains qui sont relativement plats, hein, comme on l'a expliqué, avec un peu ce qu'on appelle du micro-relief. Ce ne sont pas des gros mouvements de terrain, ce sont des mouvements, des petites dépressions, des petites collines entre lesquelles il faut naviguer. Donc, et 20 postes, on a donc le traceur estime. Une course qui devrait se gagner aux alentours de 34 minutes, ce qui paraît un peu plus cohérent par rapport à ce que le traceur de la longue distance avait fait. On se rappelle qu'il était assez loin du temps de gain estimé. Les voilà, ces 20 postes et cette carte avec on trouve un terrain donc, qui ressemble au terrain de la qualif moyenne distance qu'on a montré tout à l'heure. Le traceur nous annonce un terrain qui est plus courant, avec une meilleure visibilité que sur la qualif. Ce qui ne se voit pas du tout à l'écran. On a quand même un terrain qui est très vert, notamment sur ce choix 4-5, où clairement, là, on a une grosse zone de vert 2 au milieu de l'itinéraire. Et le vert 2, c'est un vert qui est très, très dense, qui n'avance pas, visibilité très réduite, il faut se bagarrer tout du long. Donc, est-ce que les coureurs n'auront pas intérêt à aller faire le détour pour aller chercher le chemin ? C'est ce qu'on verra. Mais probablement que c'est un choix qui peut être intéressant. Ensuite, les coureurs arrivent dans cette zone 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, on a une forêt qui est plus ouverte. Vous voyez que la carte est plus blanche avec un peu du micro-relief. Donc, c'est une partie qui va être technique. Il va falloir bien gérer sa navigation hein, à la boussole en s'appuyant sur les différents éléments de micro-relief. Et ensuite, là, un retour 15, 16, 17 en quasi ligne droite à travers des zones de végétation qui sont vraiment pas cadeaux. Alors, on m'a repris un peu en disant qu'il fallait pas dire que la forêt était sale. Alors, bien sûr, sale, c'est pas sale au sens où on se fait des taches. C'est sale, c'est une expression dans le jargon qui veut dire il faut se battre. Il y a des branches au sol, il y a de la végétation. Voilà, on a tendance à dire que la forêt, dans ce cas-là, est sale. Et on va avoir un aperçu. Et ben voilà, un vrai aperçu. Alors, vous allez voir justement ce fameux jaune rayé vert. Hein, Mathieu, tu me le disais en avant-course, qui est vraiment compliqué à passer. Voilà. On le voit. Alors on va le voir, ouais, voilà, là dans un petit marécage, vous voyez le point rouge, hein, le trait rouge. Voilà, ça vous donne bien l'exemple de où on est. Voilà, vous voyez, quand les coureurs parlent de guerre, alors bon, c'est un peu exagéré évidemment, là aussi c'est un jargon sportif, mais c'est pour dire qu'il faut se bagarrer, il faut se battre avec le terrain, regardez, il faut passer les troncs d'arbres. Là elle passe vraiment dans la tache verte, hein, vous le donc voyez. Donc là c'est intéressant de voir ça, parce que sur la longue distance on avait eu des images surtout de la forêt blanche qui était vraiment jolie, agréable à courir. Mais voilà, ce terrain estonien, la caractéristique principale, c'est surtout ce qu'on est en train de voir là, c'est-à-dire des zones vraiment très denses, des anciennes coupes qui ont repoussé. Et là, d'un coup, hop, on sort dans le blanc. Et vous voyez que du coup, la visibilité est bien meilleure, la courabilité aussi. Et donc, c'est pour ça que les coureurs essayent de privilégier, évidemment, ces zones de blanc. Donc là, on a le choix 4-5 qui nous est proposé avec deux alternatives. Une un peu plus directe qui va s'appuyer sur la limite de végétation
plus proche du trait rouge, et une qui fait tout le tour par le chemin. Ils n'ont pas proposé le choix de passer tout droit, parce qu'eux, ils connaissent bien la végétation, mais certains coureurs vont être tentés quand même d'essayer de passer tout droit pour faire moins de distance. Sauf que quand c'est tout droit, on l'a dit, hein, c'est du vert, ce qu'on appelle le vert 2, qui est très très dense, et là, c'est une sacrée bagarre pour arriver à tenir la direction et à sortir de cet enfer vert au plus vite. À nouveau des images de la forêt avec là, sous le trait rouge, hein, vous voyez ce poste à poste 7-8 qui nous est proposé en démonstration. Voilà, avec on était dans du blanc, voilà, et l'entrée du dans le vert. Alors on voit que c'est la végétation là est quand même plus ouverte, on a une meilleure visibilité. Il faut un peu se battre dans les branches, mais c'est quand même bien plus facile, non seulement à orienter, parce qu'on voit les éléments plus loin, mais surtout à courir. Et donc c'est pour ça que les coureurs doivent en priorité privilégier les zones qui passent par là. Par ces zones de blanc, évidemment, c'est pas toujours le cas. De blanc ou de vérin, ils n'auront pas toujours le choix. On va voir sur le tracé que le traceur s'est amusé, entre guillemets, pour pimenter son tracé en mettant les postes vraiment dans les zones de vert, même de vert 2, qui sont très très denses, où forcément les coureurs vont être en difficulté. La liste de départ donc, qui nous est proposée avec le premier départ, vous avez vu, à midi 02, hein, qui était donné midi 02, heure locale. Hein, je vous rappelle qu'il y a une heure de décalage avec l'Estonie. Et donc, actuellement, 13h36, ça sera donc l'horaire actuel de départ. On va voir, puisque oui, c'est Cécile Calandry vient juste oui, de s'élancer notre française. Il y a plein de filles qu'on ne va pas voir, parce qu'elles sont déjà en train de courir, voire déjà arrivées. Et c'est des filles qui quand même sont parfois très fortes, comme Lina Strand en ce moment, qui court déjà. Elle est partie à 13h25, heure locale. Et on a vu Cécile Calandry aussi. Donc Cécile qui, elle, part à 12h33, heure française. Donc elle s'est élancée il y a 4 minutes seulement. Et on espère pouvoir la voir au premier TV. Ça veut dire qu'elle aurait fait un bon début de course. Donc on va croiser les doigts. Meilleur temps actuel, Mila Nintinen. Donc ouais, ça, c'est ce qui nous est proposé. Hein. C'est le replay du meilleur temps actuel en voilà. 41 minutes et 10 secondes de la Finlandaise Mila Nintinen que vous avez à l'écran et qui vient à l'instant quasiment de signer le meilleur temps. Pour l'instant, en 41-10, donc forcément, ça ouais, descendra un petit peu. Visiblement, elle a repris Elena Ross qui, d'habitude, fait partie des favorites. Qu'on voit là, elles ont 2 minutes d'écart parce qu'on rappelle sur la moyenne distance l'écart, l'intervalle entre deux départs est de 2 minutes. Donc là, Mia Nitinen visiblement avait repris, enfin c'est pas visiblement, elle a repris Elena Ross et malheureusement Elena n'est pas dans son assiette sur ces championnats, à l'image de nombreux Suisses qui sont un peu sur le flanc avec des problèmes gastriques notamment. Donc ça c'est un coup dur pour les Suisses qui venaient quand même avec de grosses ambitions sur ce championnat et qui pour le moment ne sont pas du tout présents. Si vous nous rejoignez, nous sommes donc sur ce championnat d'Europe format moyenne distance de course d'orientation en direct d'Estonie. Le meilleur temps provisoire qui est détenu par Mia Nintinen, vous le voyez, la Finlandaise. On le rappelle, départ toutes les 2 minutes. Et donc la dernière à partir, ça sera Simona Abersold. Quid de son état, hein, puisque tu le dis, il y a une vraie épidémie de gastro en ce moment chez les Suisses. Alors oui, qu'à l'écran, c'est étonné. Bergaud, ouais, et on ne sait pas trop. Alors, son niveau de forme, elle avait l'air d'être pas si mal sur la longue distance, mais elle a fait beaucoup de fautes. On l'a vu, hein, pour ceux qui ont regardé la longue distance avec nous. Si elle oriente comme elle orientait il y a 2 jours, c'est sûr que ça va pas le faire. Il semblerait que ce soit pas forcément des problèmes physiques pour Simona sur ces championnats. Donc c'est peut-être bien pour le moment la Suissesse et même l'athlète suisse en général qui a montré le meilleur état de forme. On va voir ce que les garçons vont faire parce qu'on les a pas beaucoup vus. Et est-ce qu'ils seront suffisamment d'attaque aujourd'hui? Ça ce sera pour la suite de la compétition, parce qu'on va attaquer évidemment avec la course des filles. Donc là on va un replay avec la fille qui est partie le plus fort pour le moment, c'est la Suédoise Sanna Fast. Alors qu'à l'écran on a sa compatriote Josefine Sherlund. On a une équipe suédoise qui a été un peu rajeunie aussi, parce qu'on a quand même pas mal de filles qui sont d'habitude dans l'équipe qui n'ont pas pu être sélectionnées parce qu'elles sont blessées ou malades. Oui, une équipe suédoise qui a été remaniée, hein, finalement, Mathieu, avec je dirais pas des surprises, mais quand même ils ont emmené 9 athlètes féminines pour ces championnats d'Europe, et finalement les 8e et 9e, c'est pas forcément l'habitude, c'est pas forcément des Suédoises qu'on voit habituellement sur ces championnats. Oui, là aussi, hein, c'est des nations qui ont beaucoup de densité et c'est difficile d'emmener les coureurs se frotter au gratin mondial. Et pourtant, on sait que les coureurs ont besoin de faire des courses comme ça pour progresser.
Donc c'est l'occasion là sur un championnat d'Europe d'amener un groupe élargi par rapport à ce qu'il peut y avoir sur un championnat du monde. Et donc on retrouve des noms dont on, enfin qu'on connaît moins clairement et notamment aussi donc j'ai je l'ai dit parce qu'on a Emma Biesme par exemple qui s'est blessée à l'entraînement. On a Anna Lundberg, une jeune qu'on connaît bien notamment pour ses résultats en sprint. Tout à fait. Qui est blessée depuis le début de l'été. Elle a un problème sur un tendon du gros orteil. Et là actuellement, on est avec une suédoise pour le coup plus attendue, ouais, hein, qu'il s'agit de Lina Strunt, beaucoup plus expérimentée. Parle-nous un petit peu d'elle, qui est un petit peu passée, qui est en retard hein, déjà, qui est un peu passée à travers sur sa qualif, donc elle est partie plus tôt que les autres favorites. Elle a fait une longue solide il y a deux jours, mais sans être extraordinaire. Elle n'avait pas forcément la vitesse pour aller chercher une médaille. Elle a fait cinquième, alors c'est quand même un très bon résultat, mais voilà, typiquement, c'est du Lina Strunt, c'est toujours solide, elle est toujours là. Après, voilà, au premier pointage intermédiaire, une 26 de retard sur sa compatriote Sana Fast, qui elle, est jeune et, comme l'indique son nom, a l'habitude de partir très vite. La comparaison entre les deux, hein, on voit bien la différence. Donc, je vous le rappelle, hein, le replay, cela permet à faire comme si les coureuses étaient parties en même temps, de comparer à quel moment, au même moment de la course, où elles en sont. Et là, vous voyez bien plus d'une minute d'écart, puisque le trait rouge de le trait correspond à une minute. Entre Fast et Lina Strunt. C'est ce qu'on appelle le replay synchronisé, c'est-à-dire qu'on regarde la course de Lina Strunt, qui est passée en live, c'est-à-dire en ce moment dans la course, elle vient de quitter son poste 6, et on regarde à ce moment-là où en était Sana Fast quand elle a couru plus tôt, parce que Sana Fast s'est lancée avant. Et sauf que là, on voit que, Mathieu, Sana Fast, elle est en train de faire une petite erreur. Ouais, elle fait une, donc, à voir. Ouais. À l'arrivée, Marion. Des petites erreurs comme ça, on va en voir beaucoup. Hein. Ce sont des. Comme on l'a vu, la visibilité est assez basse sur les approches de postes techniques comme ça. On va avoir des erreurs de parallèle. C'est-à-dire quand on a du mal à tenir la direction, on va se retrouver dans une dépression. On pense être sous le trait, on est sous la dépression d'à côté. Et là, c'est des erreurs qui relativement classiques sur ce type de terrain. Et je pense qu'on devrait en avoir beaucoup. Et finalement, ça va forcément créer des écarts. À l'image là de Marion Eibi, que vous voyez, qui en termine à plus de 14 minutes 42. C'est quand même assez important. Voilà, quand on parle de Suissesse en général, on parle quand même souvent... bonne performance, mais là pour Marion Eibi, compliqué. C'est à l'image des Suédois, ils ont emmené aussi une équipe large, avec des, évidemment ils ont toujours des filles qui peuvent prétendre aux médailles, mais ils ont aussi des jeunes qui sont là pour prendre de l'expérience. Hein. Vous découvrez maintenant le deuxième pointage intermédiaire avec Sarina Kiburtz, la Suissesse qui a repris. Est-ce que c'est Megan Carter qui est partie juste devant elle? En tout cas, vous voyez que Sarina Kiburtz fait plutôt une bonne deuxième partie de course, puisqu'elle va être à quelques secondes de Nitinen, la Finlandaise, qui a le meilleur temps provisoire au deuxième intermédiaire. Je vous rappelle le meilleur temps sur la ligne d'arrivée actuellement, 41 minutes et 10 secondes, détenue par Mia Nitinen, la Finlandaise. Ouais, avec Vendula Orshishkova aussi devant elle. Alors non, c'est pas Megan Carter. Non, c'est Grace Molloy. C'est Grace Molloy. Mais voilà, Sarina, typiquement, on la connaît bien. Hein. Ça fait un moment qu'elle est sur le circuit. Elle n'a pas une vitesse extraordinaire qui peut lui permettre d'aller chercher des médailles ou de vraiment matcher les toutes meilleures. Mais elle est solide sur des courses comme ça. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Et quand elle ne fait pas de faute, bon, elle fait des courses solides, mais... ce serait quand même une énorme surprise. C'est quand même intéressant, notamment face à une fille comme ça. Alors, attends, on parlera de Sarina Kiburtz, mais en tout cas, en attendant, effectivement, vous avez la fiche championne d'Europe 2018, la championne du monde 2019 et championne du monde 2021. Ça vous dit, je vous rappelle, Tove Alexanderson, que vous connaissez bien sûr sur la chaîne 8 Mont Blanc 100% outdoor, vous la suivez l'hiver en ski alpi. Le départ donc de Tove Alexanderson. À l'arrivée, Ingrid Lundanes, dont Ingrid on a déjà Lundanes. Parlé, qui fait des... Loin derrière. Hein. Ouais, qui fait des courses solides de temps en temps, notamment au World Games. Hein, elle avait pris la troisième place. Et je pense qu'elle a dû prendre une branche dans l'œil. Là, on voit qu'elle court avec un œil fermé. Ouais, ça, c'est quand même pas l'idéal. Mais voilà, Ingrid, elle fait de temps en temps des bonnes courses, mais au niveau sur les toutes meilleures courses au niveau international, elle a encore du mal. Oui, ça fait mal. Hein. Ouais, notamment si elle doit le faire avec un seul œil, c'est sûr que c'est... Ça complique encore. Alors on rappelle quand même que c'est la petite sœur de Olaf Lundanes, hein, qui a été un des meilleurs orienteurs au monde pendant des années. Donc elle a quand même des bons gènes, a priori. Alors là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, Mathieu, parce que Evli Kaasiku, donc l'Estonienne, manifestement, qui fait un très très bon départ. Qui tamponne le caméraman. Qui était même en tête au premier intermédiaire, hein, balise 4. Ouais. Et vous le voyez.
à ce premier intermédiaire, eh bien, manifestement, elle serait légèrement en avance sur le temps de Fast, la Suédoise. On va voir si elle a pu maintenir. Oui, tout à fait. Kaasiku. Ah, ça donne un peu des ailes. Elle a perdu à peine quelques secondes. Bah, ça donne des ailes, oui. Et puis surtout, comme on en parlait pour la longue distance il y a deux jours, il y a quand même la connaissance du terrain qui joue pleinement. Hein. D'un terrain à l'autre, d'un pays à l'autre, les terrains, les caractéristiques des terrains changent quand même parfois de manière vraiment importante. Et évidemment, le fait qu'elle court à domicile, ça lui donne évidemment un avantage. La comparaison avec Fast, hein, ben voilà, vous voyez bien, hein, qui a fait cette erreur justement à la 9 et qui permet à Sarina Kiburtz et à Niitinen de passer devant. Juste pour revenir sur Kaasiku, meilleure performance, c'était chez elle en 2017 avec une 16e place sur les championnats du monde. Oui, donc, c'est pas inhabitué non plus des podiums, hein, donc c'est juste un petit clin d'œil de l'avoir là. Mais c'est ça nous permet, intéressant. Oui, oui, un bon départ. Un bon départ pour elle. On rappelle, toutes les meilleures s'élanceront à la fin. Donc c'est sûr que si on veut être bien classé sur le résultat final, il faut vraiment faire une. Parmi les filles qu'on voit maintenant à l'écran, il faudrait vraiment qu'il y en ait une qui soit très très bien placée par rapport aux autres pour qu'on puisse se dire, ah, attention, là, peut-être elle peut jouer même avec les meilleurs qui vont s'élancer derrière. Ce qui, pour le moment, n'est pas forcément le cas. Victoria Hagstad-Brøndstad, la Norvégienne, qui a l'air d'être plutôt dans les temps de Niitinen, la Finlandaise. On va voir son passage au deuxième contrôle intermédiaire, là, nous sommes. Elle devrait arriver sur ce poste. La voilà. Eh bien, elle est en tête. Vous le voyez, 30 minutes 08, 9 secondes d'avance sur le temps de Niitinen. Et on a vu Sanna Fast partir très très fort, mais sur des postes qui étaient où il fallait être à la bagarre, mais qui semblaient relativement plus faciles techniquement. Et là, on la voit arriver dans une zone où il faut être un peu plus en contrôle et elle a enchaîné des fautes. Donc ça va être un peu la difficulté aujourd'hui. De voir quand est-ce qu'on peut mettre du gaz et quand est-ce qu'il faut savoir avoir dosé un petit peu la main sur le frein à main pour faire des approches de poste vraiment en maîtrise. On peut pas se lancer dans ces zones-là seulement avec la poignée de gaz ouverte à fond et en espérant tomber sur tous les postes. Il y a quand même il va falloir une maîtrise technique et donc des variations d'allure en fonction des zones. Celui qui va tirer son épingle du jeu sera probablement celui qui gère ça le mieux aujourd'hui. Allez, on espère pouvoir voir dans quelques minutes Cécile Calandry, ça serait top, ça veut dire qu'elle fait un bon début de course, elle qui en est maintenant à un quart d'heure hein, de course. On va voir si on aperçoit bientôt Cécile Calandry. On nous propose le classement provisoire à l'arrivée. Exactement, Mia Niitinen, Elena Ross que vous voyez donc plus de quasiment 2 minutes hein, d'écart. Et je vous rappelle qu'au deuxième intermédiaire, c'est la Norvégienne Victoria Hagstad qui a le meilleur temps. Bon, pour l'instant. Ça nous permet quand même de rappeler que les Finlandais ont montré un niveau global sur la longue distance qui était au-delà des expériences même de leur entraîneur. On a vu, ils ont placé vraiment beaucoup de filles et de garçons dans les top 10 de cette longue distance. Donc là, on voit Mia Niitinen qui a quand même 2 minutes d'avance sur Elena Ross, même si je pense qu'Elena n'est pas dans sa meilleure forme en ce moment. C'est quand même intéressant et ça nous permet de rappeler qu'il faudra probablement compter une nouvelle fois sur les Finlandais et sur les Finlandaises. On a vu qu'il y en avait quand même deux sur le podium sur la longue distance, alors qu'on les attendait plutôt sur la moyenne. Donc, intéressant ce que tu dis, Mathieu. Hein, on a pu échanger, bien sûr. Vous l'avez vu en interview jeudi. On espère pouvoir, pourquoi pas, le retrouver aujourd'hui. L'entraîneur Thierry Giorgiou, hein, évidemment, qui a pris depuis moins d'un an hein, maintenant ce poste d'entraîneur général de l'équipe finlandaise. En tout cas, pour sa deuxième compétition internationale, puisqu'on était, il y avait les championnats du monde il y a un mois, mais en tout cas sur la première compétition forêt. Alors évidemment, c'est pas lui qui court, mais on peut dire quand même qu'il y est sûrement pour quelque chose à l'image des performances de jeudi. Oui et non, je pense qu'il a l'honnêteté de dire lui-même que c'est encore un peu tôt pour qu'il ait un vrai impact sur la performance des coureurs. Mais bon, effectivement, il a déjà mis en place certaines choses qui font que ça va dans le bon sens, à mon avis, pour cette équipe finlandaise qui a quand même un gros potentiel, notamment avec beaucoup de jeunes. Et donc, ça, je pense que c'est intéressant pour lui de travailler avec cette équipe sur le long terme. On rappelle, il y aura les championnats du monde en forêt en Finlande qui vont arriver et qui sont clairement un gros objectif pour lui et pour toute l'équipe.
Vous avez vu partir le départ de Lisa Risbu, la Suédoise. Maintenant, on attend Sabine Hauswirth. En parlant d'entraînement et de préparation, ça me permet de vous annoncer déjà que demain, la prise d'antenne est à 8h20 pour le relais de ces championnats d'Europe. Et on abordera un super sujet. On a rencontré le préparateur mental de Loïc Capberne et de Isia Basset. Et voilà, on a une belle interview à vous proposer pour vraiment parler préparation mentale et vous montrer à quel point, en course d'orientation, c'est une évidence. Il faut être plus que préparé mentalement et de nombreuses équipes mettent l'accent là-dessus. Donc demain, rendez-vous 8h20 pour le relais, on vous le redira. On attend donc Sabine Hauswirth au premier pointage intermédiaire pour vous dire que Sabine Hauswirth a repris Cécile Calandry, Cécile qui partait juste devant elle. Donc on va attendre de voir un petit peu son temps. Est-ce que c'est elle? Oui, okay, on va voir si Cécile est toujours avec, exactement. Avec Sabine, ce qui n'a pas Sabine l'air d'être le cas. Et on ne voit pas Cécile Calandry, ça c'est dommage. Effectivement, Cécile Calandry qui a fait une grosse erreur sur la balise 3, on peut vous le dire. Tout Annecy nous regarde, tout le club d'Annecy qu'on salue nous regarde. Et pour Cécile, ce n'est pas le meilleur des départs. On va voir si derrière, elle peut moins perdre, en tout cas ne plus perdre de temps. Sabine Hauswirth, on va voir son temps intermédiaire à la prochaine caméra. Voilà, nous sommes maintenant avec elle. Alors, vous voyez un homme, un Danois en l'occurrence, puisque la course homme a déjà commencé et on basculera tout à l'heure sur la course homme. Voilà, la caméra. J'ai pas envie de passer à la caméra. Demandé. Sabine Hauswirth, c'est déjà loin. Hein. Elle est déjà loin par rapport au temps, au meilleur temps, au provisoire, au premier intermédiaire de Eveli Kasikou, l'Estonienne, que vous avez vu tout à l'heure. 14:44, c'est le meilleur temps à battre à ce premier intermédiaire. C'était intéressant de voir l'enchaînement. On voit, on l'attendait dans une zone de coupe. Donc c'est vraiment la caractéristique de ces terrains avec des zones de végétation qui changent du tout au tout sur un même itinéraire. On voit qu'elle était dans une zone de coupe, maintenant elle se retrouve dans une forêt qui était relativement ouverte, puis à nouveau on voit que le rideau se referme un petit peu, la visibilité baisse, donc on a comme ça en permanence des changements de végétation et de visibilité et qui oblige les coureurs à s'adapter. Elle est loin, elle est déjà loin, 2 minutes 47 de retard sur le temps de Kasikou, l'Estonienne. Ouais, elle est quand même plus connue pour ses capacités à se battre sur une longue distance difficile, et donc ce n'est pas une surprise de l'avoir un peu en difficulté sur ce genre de moyenne distance. Il reste 5 départs, à commencer par Johanna Åberg, la Suédoise, que vous suivez maintenant. Derrière, ça sera la championne d'Europe longue distance, Venla Harju. On aura ensuite Andrin Banjaminsen, Marika Teini et Simona Abersold à 13h01, le dernier départ. Là, donc voilà, on rentre presque déjà dans la fin de course, dans le money time, comme on dit. Voilà, on a vu Tove s'est lancé déjà depuis un petit moment, donc on espère qu'on va avoir de ses nouvelles. Alors que là, l'image, c'est sa compatriote Lina Strand qui visiblement a quelques difficultés. Grosse erreur sur la 8. Sur la 8, elle tourne autour, elle n'arrive pas à se recaler. Et vous voyez la différence avec le meilleur temps de Victoria Hallstatt. Lina Strand qui s'est repartie de la 7. Ouais. Oui, j'ai pas fait attention au début si c'était la 7 ou la 8 qu'elle cherchait, mais en tout cas, oui, là c'est vraiment une grosse faute dont elle aura du mal à se remettre. Mais oui, voilà, avec le départ de Johanna Åberg, là on attaque vraiment les toutes meilleures et Johanna. C'est intéressant ce qu'elle a montré déjà sur une longue distance. Elle a fait 6e il y a 2 jours, alors qu'elle aussi, elle est plutôt quand même à l'aise sur des formats de moyenne distance. Donc il faudra garder un œil sur elle. Ouais. Début de course difficile pour Cécile Calandry, la française, pour vous dire un 5,58 de retard au premier intermédiaire. On est maintenant avec la Danoise. Tac, il s'agit. Caroline Jutrup, peut-être ou... On va voir. J'ai du mal à. On est loin. On est loin. Oui, Caroline Jutrup, bravo Mathieu. Oui. On connaît ton sens. Oui. Pour reconnaître les coureurs. C'est pas une. C'est pas une des Top Gun. Alors, Sarina Kibbers, intéressant, qui va finir à 24 secondes. 24 secondes, nouveau meilleur, deuxième temps, le nouveau deuxième meilleur temps provisoire plutôt. Sarina Kibbers à 24 secondes seulement de Niitinen, bon, la Finlandaise. Hein, elle regarde souvent en arrivant, on se replonge direct dans la carte. Et, celle-là, qu'est-ce que j'ai fait là, qu'est-ce que je suis bête. Et on rumine un peu, voire on demande à la copine ou au copain à côté, alors que Venla, alors ça Venla Harju, qui est partie, la championne d'Europe de jeudi que vous avez suivi sur les antennes. Ouais, c'était une surprise de l'avoir gagné la longue distance il y a 2 jours, alors qu'en plus elle a fait des fautes, mais elle nous a montré qu'elle avait un sacré gaz en ce moment.
Vraiment, elle avait sur les parties où elle faisait pas de faute, elle était vraiment impressionnante. C'était une des rares à pouvoir soutenir le tempo de Tove. Donc attention à elle. Pour elle, même si on a vu qu'elle avait quand même fait aussi des fautes. Ce qu'a pas forcément fait sa compatriote Marika Taini, hein, qui a aussi fait une très bonne longue distance, mais qu'on attend vraiment sur la moyenne. Allez, donc, Mathieu, là ça va être intéressant avec Sana Fast qui va en terminer et qui est, vous le voyez, dans les mêmes temps, hein, que Niitinen. Est-ce qu'elle va venir améliorer de quelques secondes? Elle était au coude à coude au dernier pointage intermédiaire. Sana Fast, la Suédoise, pour un nouveau meilleur temps provisoire. Oui, ça devrait faire. Il lui reste 15 secondes pour la fin du couloir. Ça devrait être jouable. Et la Suède qui va prendre le meilleur. Ah, ça va, oui, si, ça va être faire. Ça va le faire. Oui, Sana Fast. On l'a vu faire des fautes. Hein. Avec quelques secondes, effectivement, on l'a vu. 41,05. Voilà, vraiment pas contente. En tout cas, le nouveau meilleur temps. Pour ceux qui ont regardé la longue distance il y a deux jours, bon, elle avait fait la même chose. Donc visiblement elle est à nouveau frustrée de sa course. Oui, on l'a vu faire des fautes, hein, au GPS, mais c'est une toute jeune, hein, à chaud évidemment on est énervé, mais voilà, elle va en tout cas beaucoup apprendre de cette course, mais c'est sûr que on l'a vu faire des fautes et que du coup elle devrait assez vite reculer dans le classement. Sana Fast qui en termine et donc vraiment pas contente. Je vous donc donne le nouveau temps à l'arrivée, 41,05. On passe maintenant avec Andrin Benjaminsson, la Norvégienne. Ça va être intéressant parce que tu me disais, hein, Mathieu, finalement on l'a pas beaucoup suivi jeudi, et en fait elle a fait plutôt une bonne course, et il y en a loupé un peu, il y en a manqué un peu, mais voilà, elle nous a montré qu'elle était quand même en forme apparemment. Alors il faut savoir qu'avec cette longue distance qui était un peu avec pas mal de rebondissements, à un moment Andrine s'est retrouvée en tête, alors que ce qu'on n'avait pas forcément vu sur le coup, mais bon, ça montre qu'elle est, elle est quand même là. Le problème c'est que elle n'est pas complètement sûre de son physique en ce moment, du coup ça l'amène aussi à faire des petites erreurs techniques, et elle en a fait un peu trop sur la longue distance, mais elle a fait une super qualif, et clairement il faut la compter parmi les médaillables aujourd'hui. Allez, vous avez vu, hein, la petite comparaison, alors que Evlika Asikou, qui a le meilleur temps au premier intermédiaire, est maintenant attendue, et elle a toujours amélioré, hein, vous le voyez, quasiment 2 minutes d'avance, très très gros départ pour Evlika Asikou, l'Estonienne, la locale donc de l'étape. On va voir au deuxième pointage intermédiaire son temps. Je vous rappelle, le meilleur temps pour l'instant au pointage intermédiaire, c'est le temps de Victoria Hedstadt, Blomstadt, la Norvégienne. Vous le voyez, elle a plus de 3 minutes pour l'instant encore pour arriver à ce deuxième pointage. Alors, est-ce qu'elle va réussir à garder un petit peu la tête froide à cette en approche de course? C'est intéressant, hein. Gros départ de Kassikou. Ouais, elle est là, hein. Elle est là et elle va venir prendre ce deuxième temps avec, vous voyez, hein, plus de 2 minutes d'avance, 2 minutes 52. Le meilleur temps, le nouveau meilleur temps au deuxième pointage intermédiaire, 27 minutes 16. Kassikou, l'Estonienne, qui est en train de taper un grand coup. On va attendre dans quelques minutes. Alors, maintenant, on pense que ce terrain va quand même faire des écarts, hein, entre les tout meilleurs et les autres. Donc, Mathieu, la championne d'Europe en titre. Pour ceux qui s'en rappellent, ça avait été une course de folie dont elle avait su tirer les marrons du feu, comme on dit. Elle avait profité des erreurs de Tove, hein, qui était complètement passée au travers ce jour-là. Et son format, c'est plutôt la moyenne distance. Elle a du mal à s'entraîner, elle a souvent des problèmes, notamment au pied ces dernières années. Donc, elle a du mal à s'entraîner autant qu'elle aimerait. Donc on l'avait dit, sur la longue distance, on ne l'attendait pas forcément, et pourtant elle était là. Donc aujourd'hui on l'attend, on va voir si elle saura répondre présente. Intéressant ce comparatif, Marika Taini vient de partir. La comparaison de la vitesse entre Kassikou et Tove Alexandersson. Vous voyez que Tove Alexandersson est en direct maintenant. Donc elle a légèrement du retard sur Kassikou en comparaison immédiate, on va dire. Il y a une différence énorme entre courir sur un chemin ou courir en forêt. Hein, vous avez bien compris avec les caméras qui suivaient les coureurs. Et Kassikou le sait. Voilà, Kassikou, elle le sait, c'est sûr. Et Tove, elle n'aime pas bien aller chercher des choix bien loin du trait rouge. Elle a tenté le coup en étant un peu plus direct sur sa trajectoire. Mais c'est beaucoup plus lent avec cette végétation. Et clairement, sur ce choix, le choix tout droit risque quand même de faire perdre pas mal de temps. Là voilà, Tove Alexandersson qui va passer sur l'intermédiaire 5-6, c'est la première, le premier poste télé. On l'a vu tout à l'heure, c'est la zone de coupe, ensuite elle va rentrer dans la forêt et arriver au premier
Post TV. Donc elle a encore un petit bout de chemin avant d'arriver là. On voit le caméra, alors, Mathieu, caméraman on, qui... On disait, hein, les traces voilà. peuvent se faire dans la forêt, mais en fait, comme je dirais, il n'y a que 60 dames, est-ce que quand même il va y avoir des traces ou forcément un petit peu moins qu'à la longue distance? Moins qu'à la longue distance, forcément, parce qu'il y a moins de coureurs. Mais c'est un terrain qui trace quand même beaucoup et qui a tendance à... Alors, selon les zones, hein, là, par exemple, dans cette partie-là de forêt, là, on voit que ça ne fera pas de différence. Mais c'est un terrain qui a tendance à tracer assez rapidement. Donc, avec relativement peu de coureurs, il suffit que peu de coureurs passent au même endroit pour qu'une trace se fasse. Et forcément, une fois qu'on est sur cette trace, c'est comme un petit sentier, ça va beaucoup plus vite que pour les premiers coureurs qui ont dû coucher les herbes, toute la végétation et perdre du temps en faisant ça. Il peut y avoir des différences parfois assez importantes, même sur seulement 30 minutes de course. Ça peut se compter en une, voire deux minutes selon certains terrains. Tobé Alexanderson avec 57 secondes donc de retard sur Evely Kaasikou, vous avez vu, au premier pointage intermédiaire. Rien d'inquiétant pour Tove Alexanderson, mais encore une fois, gros départ de Kaasikou, puisque ben voilà, elle a déjà quasiment une minute d'avance. Il va falloir que Tove mette les gaz si elle veut reprendre cette minute. Je vous rappelle le meilleur temps à l'arrivée, Sana Fast, que vous avez vu sur cet écran, Sana Fast en 41.05. La dernière à partir, Simona Abersol, c'est le dernier départ. C'est-à-dire que dans moins de 40 minutes maintenant, on sera fixé sur ce championnat d'Europe moyenne distance. Simona Abersol, quel est son état de forme? On le disait, malade, la grande question. Non, malade, non. En tout cas, c'est pas ce qu'elle nous a montré jusque-là. Par contre, maîtrise du terrain ou pas, ça c'est la vraie question. Elle était très en forme sur l'été. Elle a fait des très bons World Games aux États-Unis un peu plus tôt en juillet. Donc la forme était plutôt bonne. Mais jusque-là, elle n'a pas réussi à sortir une course propre. Est-ce que ça va être pour aujourd'hui? Si c'est le cas, elle devrait évidemment, et comme à son habitude, les bons jours. Grosse faute de Banyaminson sur la balise 1, vous le voyez, Andrin Banyaminson qui est en direct maintenant, et vous voyez la comparaison avec Kaasikou, et ben d'entrée elle perd quasiment 30 secondes. Hein. Ah, c'est des terrains, faut être dedans d'entrée de jeu. Hein. On a vu sur la longue distance aussi le poste 1 qui avait fait beaucoup de dégâts. Là ça laisse pas la place à l'approximation, il faut être prêt mentalement, hein, tu parlais de l'importance du mental chez les orienteurs, là dès le triangle il faut être dedans, hein. On peut pas se permettre de rentrer dans sa course déjà au poste 1, ça peut déjà être trop tard, donc là on voit une petite faute, bon c'est pas rédhibitoire pour elle, mais c'est sûr que c'est toujours compliqué d'attaquer la course comme ça. Toutes les filles sont parties, Simona Abersold en dernière, et maintenant on attend un petit peu de voir Lisa Risby, la Suédoise que vous découvrez à l'écran, on va voir un petit peu son temps, elle a manifestement du retard sur le temps d'Evely Kaasikou, l'Estonienne, pour vous dire que Evely Kaasikou dans moins de 5 minutes devrait arriver si elle veut maintenir son avance sur le temps de Sana Fast. La Suédoise à l'arrivée, 41.05, je vous rappelle, le meilleur temps à battre. Pour le moment, on ne voit pas beaucoup de replay GPS, donc on a du mal à comprendre ce qui se passe en forêt. Pourquoi est-ce qu'elle est capable de faire une bonne course par rapport aux autres? Donc est-ce qu'il y a des fautes? Est-ce que on a vu un moment sur l'arrivée, tu as vu l'erreur de Niitinen à la 17. C'est là où manifestement Kaasikou aurait repris du temps. On va voir effectivement quand nous serons proposés. Pour le moment, probablement que sur la fin, on aura le droit à un peu plus de GPS et de comparaison entre les filles. Lisa Risby qui arrive avec seulement, je dirais, 24 secondes de retard sur le temps d'Evely Kaasikou. Plutôt un bon départ, 24 secondes évidemment. On est encore bien sûr dans le temps. On est à... C'est une fille qui aime bien se battre, qui aime bien la bagarre. Ah ben regarde, tu mets du GPS Mathieu, en voilà. Comparaison entre Alexanderson et Kaasikou, bien Tove Alexanderson fait une faute sur la 8, vous le voyez, elle tourne et donc elle repère encore du temps. Je vous rappelle le trait, une minute ça correspond à une minute. Et bien voilà, actuellement il y a 1:32 d'écart entre Kaasikou et Alexanderson. Pour que Tove Alexanderson reprenne la tête, il va falloir mettre du gaz, mais pas trop, hein, puisqu'on voit qu'on part vite au casse-pipe. Bah rebelote. Alors qu'Adela Finstrolova en termine maintenant, bien escortée, hein, on a Magne Deli chez les garçons. Oui, rebelote pour Tove, hein,
Visiblement, elle n'arrive pas à faire des courses propres en ce moment sur ce type de terrain. Mathieu, parce que c'est quand même, on la connaît et reconnaît, Tove Alexandersson. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas dans un super état d'esprit? Ou alors là, on la connaît habituée à être très très forte physiquement, et là le challenge, on peut pas dire que le challenge est trop élevé pour elle, parce que c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude, donc c'est quand même incroyable de la voir faire des erreurs comme ça entre jeudi et aujourd'hui. Mais là on s'en rend bien compte en suivant Sabineu, c'est un terrain voilà, où on peut pas s'appuyer sur des éléments au loin et mettre la poignée de gaz, et Tove elle aime bien faire ça, elle est souvent peu à l'aise sur des terrains où on a peu d'éléments pour s'appuyer et où la visibilité est basse. C'est en tout cas là qu'elle a fait ses plus mauvaises courses, hein. On rappelle que le au dernier championnat d'Europe, donc qui commence à remonter, mais c'était en 2018, elle avait fait une course catastrophique, j'avais jamais vu ça de sa part. Et c'était des terrains, l'air de rien, qui ressemblaient un petit peu à ça. Elle fait pas forcément les bons choix, elle est pas en confiance. Et bon, là par exemple, c'est sûr que le choix du tout droit à travers le verre est sans doute pas payant. Alors qu'on voit, alors là, c'est intéressant, on voit Van Lariou, elle, qui décide de faire le tour du verre. Voilà, le tour du verre, mais quitte à faire le tour. Du coup, c'est une bonne idée de partir plus à droite alors qu'on a un chemin sur la gauche? On va voir ce que ça donne au chrono, mais pour l'instant vous le voyez, le meilleur temps sur cet interposte 4-6, hein, donc de 4 à 6 vous avez vu, c'était voilà, Sana Fast. Elle va probablement redescendre vers la 7 dans la dépression avec un peu du blanc et venir s'appuyer sur la limite de végétation, les petits points noirs pour remonter vers le poste 5 dans du blanc là, qui devrait être très rapide. Peut-être qu'elle a pensé que la limite de végétation que Evelina Kaasikou s'apprête à suivre maintenant, en tout cas sur le GPS, on rappelle qu'elle est déjà passée là, peut-être qu'elle pensait que ça n'allait pas courir suffisamment bien. Mais bon, souvent on sait que les limites comme ça d'anciennes zones de coupe qui repoussent, il y a souvent quand même des petites traces, notamment des traces d'animaux qui se font... et donc souvent ça court pas si mal, en tout cas ça court mieux vous voyez la différence, que dans la coupe. Kaasikou à 10 km/h en même temps que Van Lariou et Tove étaient à 4-5 km/h. La voilà, Evie Kaasikou qui va être... Elle est derrière, hein, la première, donc on a une Norvégienne. Voilà, vous l'avez tout au fond là-bas. Tout au fond, c'est la troisième. La troisième, blanche, en blanc. Evla Kaasikou qui va certainement venir, oui, améliorer le meilleur temps. Je vous rappelle pour l'instant, 41-01, c'est le temps à battre. 41-05. C'est le temps, et regardez l'avance, énorme course de Evli Kaasikou, l'Estonienne, qui va venir prendre le meilleur temps provisoire en dessous des 40 minutes, évidemment. Evli Kaasikou, ça c'est une belle surprise, son meilleur temps, sa meilleure performance, c'est 16e à un championnat du monde, c'est pas rien, mais quand même, c'est pas tous les jours que ça arrive pour elle. 37-07, le nouveau temps d'Evli Kaasikou, c'est très intéressant. Très intéressant. Déjà, elle risque d'améliorer sa meilleure perf. Ça c'est sûr. Enfin, sûr, non. Mais on peut dire qu'elle fera largement dans le top 15. Notamment parce que les meilleurs qui partent derrière vont pas toutes faire une course propre. Et il y a des chances que ce soit une course intéressante. Hein, 37 minutes, on rappelle, le temps de gagne espéré par le traceur de 34 minutes. Je vous rappelle, elle commence à s'en rapprocher. Ouais. Et en même temps, vous avez vu Anne Dyckhorn, la Norvégienne, qui donc, elle, a pris le deuxième meilleur temps provisoire. Anne Dyckhorn. En 38-57. Donc pour l'instant, le podium provisoire a été chamboulé. Evli Kaasikou, 37-07. 38-57 pour Anne Dyckhorn. Et troisième temps pour Sana Fast. Le podium, là, il ne veut pas dire grand-chose. Hein. Provisoire. Il va bouger tout le temps. Par contre, là, on a un replay qui nous montre que Simona Bersol... Gros départ pour Simona Bersol, effectivement. Et Marie Cateini dans le coup aussi. Ouais, alors Simona, on s'attend à la trouver revancharde après son début de championnat un peu raté. On est en direct avec Simona Bersol. On était en direct, en tout cas. Johanna Auberg qui est visiblement... un peu perdue. Ah, pas facile. Et pas super propre en approche. Là, on sait qu'il y a un poste qui est dans la coupe. Et si ces zones de coupe, vous voyez, la visibilité est quand même pas dingue. On a la végétation qui a déjà bien bien repoussé. Probablement que assez vite, là, le cartographe passera cette zone en vert, hein, même, parce que on voit que c'est pas seulement de la végétation basse. Hein, la végétation maintenant est plus haute que les coureurs. Et du coup, on voit pas du tout le poste. Il faut vraiment être précis en approche.
Et là, alors comment on l'est justement précis, Mathieu, parce que ça c'est on a beau le dire, mais concrètement qu'est-ce qu'il faut faire? On voit qu'elle tourne, elle tourne. Qu'est-ce qu'elle cherche? Alors ce qui est important, c'est vraiment à quel endroit on rentre dans cette zone de coupe. Et là il faut être exactement sûr de l'endroit où on est. Et ensuite ça joue à la direction. Donc là vous voyez, elle était pas loin, mais il suffit que, en fait, si on revoit la carte, il y a une limite de végétation. Et si on se jette dans cette zone où on a une moins bonne visibilité, sans savoir exactement à quel endroit on rentre dans la zone, ben, il y a des chances qu'on passe à côté et qu'on commence à tourner. Par contre, voilà, si on a un élément repère, on dit je rentre à tel endroit parce que j'ai une petite dépression, une colline ou tel élément qui permet de nous caler. Ensuite, on peut faire une direction plus précise et plus courte de ce point jusqu'au poste. Venlariou, maintenant, que vous apercevez sur l'écran avec Teresa Yanosikova juste devant elle, qui s'est donc fait reprendre par Venlariou. 1.08 de retard pour elle sur le temps d'Evely. Ouais, Teresa qui avait fait une bonne qualif, hein, mais c'est des terrains qui ne sont pas complètement à son avantage. Et donc là, elle s'est déjà fait reprendre par Venla. Venla qui est un petit peu à la bourre. Là, on voit. Alors on là, ça va être intéressant puisque Simona Habersold, ouais, on voit, est en avance par rapport au temps de Kaasikou et alors, elles font manifestement le même choix, ouais, d'itinéraire. Alors là, attention, hein, si Simona s'est remis la tête à l'endroit, si elle c'est fait plus mal, de fautes, hein, et si en plus elle fait les bons choix, c'est intéressant. Oui, aujourd'hui, très intéressant. Ça peut être dangereux. Alors attention, la course est encore longue. Là, elle a fait que la première partie. On sait qu'ensuite, à partir du poste 6, on est dans une zone qui change au niveau de l'orientation, hein, au niveau technique. Et c'est des zones techniques qu'elle n'a pas très, très bien maîtrisées jusque-là. Donc la route est encore longue pour elle. Lina Strand, qui a été plutôt bien placée pendant un moment. Et malheureusement pour elle, ça va être très, très, très loin. Vous le voyez, hein, elle était autour de la minute sur la mi-course, et eh bien voilà, ouais, elle est à plus de 10 minutes, vous le voyez, ça ne pardonne pas. Alors sur ce terrain-là. C'est décevant pour elle, mais l'avantage des Suédois, c'est que quand il y en a une passe au travers, en général, il y en a d'autres derrière. 5 ou 6 derrière qui peuvent faire le match. Alors, pour revenir sur le Evely Kaasikou, l'Estonienne, hein, qui a le meilleur temps pour l'instant, d'après nos consultants techniques qui sont en coulisses, pas de vraie faute apparente sur le GPS, ça veut dire qu'elle a fait une course très propre. À voir derrière, eh bien, si le physique, elle est un peu en dessous physiquement de Simona Habersold, c'est un petit peu ce qu'on peut imaginer, mais en tout cas, manifestement, pas d'erreur manifeste au GPS, donc c'est quand même très 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 intéressant d'avoir ce retour. Et je remercie, ouais, Clément Fumet, Brieuviel, Eva Yurnikova qui sont derrière leurs écrans et qui nous aident bien sûr à commenter avec vous. À l'écran maintenant, Anna Wisniewska. Wisniewska, elle est un peu loin, mais pour revenir sur Evelina Kaasikou, ça fait quand même un moment qu'on la voit. C'est pas une perdrix de l'année. Petite perdrix de l'année, pardon. Et on l'a jamais vu vraiment réussir des grosses performances, mais bon, il suffit d'une course. Course d'un jour, hein. La course d'un jour, exactement, notamment à domicile. La planète s'aligne. Voilà, confiante. On ne sait pas pourquoi, mais tout se passe bien ce jour-là. Et alors, c'est sûr, elle est moins physique que les autres. Enfin, les meilleurs. Ouais, mais voilà, il suffit qu'il est voilà, un petit peu dans le flou. Si on voit juste toutes les meilleures de faire des fautes comme ça, un peu à l'image d'Isia en 2018, Isia avait fait une super course. Isia Bassé. On le rappelle. Elle s'était dit, oh là là, super, là je fais au moins top 15. Ben non, c'était pas top 15, elle avait fait podium. Donc pourquoi pas. Mais bon, ça veut dire qu'il faut quand même que les meilleurs derrière. Passe à côté, toutes un peu les unes après les autres. Il y a encore un peu de route avant de voir Evelina sur le podium. Andrin Badiamitson qui est derrière pour l'instant et qui est même bien derrière, hein, à plus de 2 minutes. Elle va être de Kaasikou, l'Estonienne. Des nouvelles en parallèle de notre Française sur cette finale, Cécile Calandry, qui malheureusement maintenant est pointée à un peu plus de 8 minutes au deuxième intermédiaire. Elle devrait arriver d'ici 6-7 minutes sur l'air d'arrivée et on verra si on peut avoir une petite interview avec elle. En tout cas, Cécile Calandry, malheureusement, course difficile pour elle aujourd'hui. Simona Habersold, maintenant qu'on attend. Là, ça va être intéressant puisqu'on le voyait. On l'a vu avec un gros début toujours de course. Toujours en avance, oui. Effectivement, elle a fait un énorme début de course. Elle a fait manifestement le bon choix d'itinéraire sur cet interposte 4-5. Donc ça, c'est intéressant. On va attendre de la voir passer. Simona Habersold, la Suissesse, la dernière partie, hein, de cette course d'Ossar 160. On nous regarde en Suisse romande, bien sûr. Alors que maintenant, on est avec Tove Alexandersson qui est loin. Non, c'est pas du tout Tove Alexandersson. C'est bizarre, Isbu, mais peut-être que Tove doit être devant. Elle doit être devant, effectivement. Le caméraman s'est fait larguer par Tove.
tout cas. Non, sinon, il ne nous annoncerait pas Tovey. Ah, Lisa Risbu, c'est bien ça. Donc, Lisa Risbu. Lisa Risbu qui est au deuxième pointage intermédiaire. Son écart, c'était seulement 24 secondes au premier intermédiaire. Donc, c'est intéressant. Un bon début de course, ouais. Donc, ça va être intéressant de voir si elle a réussi à maintenir ça jusqu'à ce TV2. On voit, c'est difficile de garder la trajectoire droite. Hein. On la voit un peu, ça flotte un peu. Elle serait, elle va être dans les mêmes temps peut-être. Ouais. On va voir. Elle a perdu un peu la direction là. Je pense qu'elle est un peu trop sur la droite, mais elle a la chance d'avoir une concurrente aussi devant. Son meilleur temps en l'année dernière au championnat du monde, sixième sur la moyenne distance, quatrième. Elle est devant. Elle est devant. 34 secondes. Mmh. Bon départ de course. En tout cas, on est même à mi-course hein, avec Lisa Risbu. Qui avait un peu de retard sur Kaasiku, et bien voilà, elle vient de prendre la tête au deuxième intermédiaire, alors que dans le même temps, c'était Simona Habersold. Voilà, on nous propose le replay de Simona Habersold qui vient de passer en tête au premier intermédiaire. Simona aurait rattrapé Marika Taini, du coup. Eh bien, effectivement, là, c'est sûr, c'est clair. Donc, oui, grosse course de Simona. Premier intermédiaire, Marika... hein. 14.05, ouais. Le meilleur temps. Oui, mais bon, oui, c'est... Marika aura du mal à se débarrasser de Simona. Donc ça risque d'être compliqué pour elle. Si, donc là c'est le classement final, on va dire, au premier pointage intermédiaire, puisque toutes les concurrentes sont passées. Simona Habersold, donc 14.05, Evli Kaasiku, vous l'avez vu, l'Estonienne qui est à l'arrivée, Sana Fass, Lisa Risbu qui, vous le voyez, vous l'avez vu juste il y a quelques instants, a amélioré le deuxième pointage intermédiaire. Donc ça va être intéressant de suivre la fin de Lisa Risbu et bien sûr, ouais, Simona Habersold. Sana Fast, elle, est à l'arrivée et est déjà quatrième maintenant à l'arrivée. Alors, il y a quand même deux grosses surprises là, aux deuxième et troisième places. Les autres, on les attendait. Il y a Andrine Benjaminsen qu'on attendait. Très très loin, Andrine. Et qui est là, qui est pas dedans du tout. Elle fait trop de fautes, elle enchaîne les fautes. Et puis Tove Alexandersen. Ça va pas pour elle. Derrière. Et voilà, on a des Suédoises, on a Simona Revanchard. Ben voilà, Tove. Mais je peux te dire qu'elle est très très loin, Mathieu. Mmh. On va voir son temps qui défile. Tove Alexandersen, très loin aujourd'hui, encore une fois. Malheureusement, elle n'arrive pas à... Malheureusement pour elle, ouais, elle est pas dans son assiette sur ce terrain. Oh là là, ouais. Ça va être quasiment 6 minutes de retard pour Tove Alexandersen. Énorme faute pour elle, certainement. On nous reproposera... ce qui s'est passé, vous le voyez, à 30 secondes, elle a fait que perdre du temps. Ouais, elle n'est pas à l'aise, on voit, c'est pas fluide. Elle ne peut pas mettre du gaz comme elle fait d'habitude. On dit sharp, on a l'habitude de dire, c'est-à-dire elle va pas, on sent qu'elle n'est pas droit sur les éléments du terrain qu'elle a anticipé. En tout cas, c'est sûr qu'elle a dû faire un... pas mal de fautes sur le début de course pour se retrouver là à plus de 6 minutes. 6 minutes et 18. Autant en longue distance, on a vu, elle avait été capable sur la fin de course, alors qu'on l'attendait plus trop, on n'y croyait plus trop, elle avait été capable quasiment de reprendre tout son retard. On voyait là, elle avait une 30 de retard sur Cassie. Ouais, là c'était encore pas la cata. Pas trop inquiétant, voilà exactement. Eh ben là, elle a pas trouvé la 11, elle est pas si. Non, probablement. C'est le GPS est décalé. La 12, et non, c'est... Oh là là, non, c'est ça, elle n'avait pas trouvé la 11, Mathieu. Elle n'avait pas trouvé la 11. Aucune idée. Voilà, on sait même plus. Vu comme elle balaye le terrain. Oh là là, quelle erreur de Tove Alexandersen. Non, c'était la 12, si, donc elle a bien pris la 12 et la 13. Ouais, le GPS est un peu décalé, mais vous voyez qu'il y a eu la 12, hein, qui est où elle est carrément revenue, qui est presque jusqu'à la 11. Bon, ouais, c'est pas le jour de Tove. Là, pour le coup, autant... Tu parlais de l'importance du mental, mais c'est aussi l'importance de la confiance. Quand on perd la confiance sur ce type de terrain, c'est infernal. On sait plus si les directions sont bonnes. Alors que là, on nous montre l'arrivée de Tone Bergerud. Ah, alors vous voyez Cécile Calandry là-bas au fond, qui arrive. Cécile qui arrive notre derrière. Notre Française est en troisième échelon là-bas au fond. Bergerud qui vient pour jouer la troisième place provisoire, hein, devant Sabine Auswirth, juste derrière sa compatriote Dirkhorn. On ne l'avait pas vu sur nos écrans, mais belle course pour Bergerud Lee, la Norvégienne, qui va venir prendre le troisième meilleur temps provisoire à l'arrivée. L'arrivée donc de Bergerud, et vous allez peut-être voir Cécile Calandry juste derrière. Alors Sana Fast, on l'a vu très énervée à l'arrivée. Et on peut le comprendre, ça veut dire qu'elle a fait des erreurs, alors qu'on a vu, elle était vraiment bien classée sur le début.
Par contre, Evelina Kasikou, elle a pas fait d'erreur. Donc ça, c'est vraiment la grosse cote. Mais jusqu'à quand son chrono va tenir? Effectivement, 37-07, c'est le temps à battre à l'arrivée. Les favorites, la plupart qui passent un peu à côté. Alors pour le moment... On attend Lisa Risbou la prochaine. Ouais. Et puis surtout Simona Bersol qui a montré qu'elle avait les moyens de passer largement devant. Mais encore faut-il faire une course propre, ce qu'elle n'a pas encore réussi à faire cette semaine. Donc Evelina Kasikou, dans son fauteuil de leader, doit commencer à y croire. Alors, des nouvelles, on va voir justement Venla Ariou, vous le voyez, en plus qu'il n'y a pas fait une grosse approche. Sur 4-5, c'était sur le choix sur 4-5, on sait qu'elle a forcément perdu un peu du temps sur ce choix-là. Et du coup, voilà, Simona, elle... À Bersol, qui maintient... Mène bien sa barque. Et vous voyez que Risbu, qui était derrière Kasikou, qui est passé en tête au deuxième pointage intermédiaire, elle est revenue à la pédale, comme on dit. Alors que Simona Bersol, pour l'instant, qui est toujours bien en tête avec quasiment maintenant presque une minute d'avance. Une minute sur le temps de Kasikou. Ouais, belle course de Simona Bersol, la mi-course. On est à mi-course pour elle. Venla fait pas les choix, fait pas toujours les meilleurs choix, mais elle est toujours là, parce qu'on l'a dit, elle est en jambe en ce moment. Donc est-ce qu'elle aura la capacité de revenir? C'est pas impossible, c'est toujours pareil. Il suffit qu'elle limite les erreurs d'ici la fin, et sa vitesse de course pourrait l'amener à jouer à nouveau devant, à l'image de ce que sait faire Tove Alexandersen d'habitude. Donc, alors que là, on est passé sur la course des garçons. Ouais, avec Kasper Fosser, que vous venez de voir, le Norvégien. On en reparlera bien sûr, on l'avait dit, Kasper Fosser qui est parti plus tôt. Qui est parti tôt, qui a raté sa qualif. On en parlera tout à l'heure. Mais là, on est bien sur la course des filles. Yalava qu'on attend, qui a fait une belle course jeudi. Elle a eu pendant longtemps le meilleur temps provisoire à l'arrivée. Une nouvelle finlandaise. Une jeune que je ne connais pas. Jeune finlandaise. Alors, si on nous la propose, c'est qu'elle a certainement fait probablement un temps plutôt intéressant. Je vais vous dire ça. On va voir son temps qui s'affiche. Eini Lialava. Allez, on va voir. On va certainement pouvoir avoir Cécile Calandry en interview. Eini Lialava. Ah, elle est relativement loin. Juste après Sarina Kiburtz. Donc, au-delà de la... La 8e, 7e et 8e place. Yalava. Bon, c'est intéressant en tout cas cette course, puisque Evlika Asikou est en train de s'installer, on dirait, pour un petit moment sur ce fauteuil de leader. On attend Lisa Risbu, la Suédoise, qui ne devrait plus trop tarder à débouler sur cette arena. On vous le rappelle, elle avait 34 secondes d'avance sur Evlika Asikou, et ensuite ça sera manifestement Simona Bersol qui pourra venir un petit peu déjouer tout ça, alors que Johanna Åberg, c'est un peu une course à élimination ce type de terrain. La dernière qui fait pas de faute finit en tête. Ouais, regarde Johanna Åberg qui est loin, plus de 3 minutes. Johanna qui avait bien attaqué. Allez, dès qu'on peut, Mathieu, on a un petit temps calme, on peut basculer avec Cécile Calandry en interview, puisque je crois que Christophe est avec elle. Eh bien, allons-y. Allons-y. Dès qu'on a en régie la possibilité, on envoie. On sera certainement en double écran. En tout cas, vous avez donc Johanna Åberg qui est loin, très très loin. Qui a perdu du temps sur cette partie de la course. Donc elle est plus dans le match. Mais Venla arrive à l'écran. Alors Venla, on l'a vu, elle a pas fait tous les bons choix. Si elle fait pas de faute, ça peut revenir. Ce sera tout l'enjeu pour elle. Voyons voir. On l'a vu, qui n'avait pas fait un super choix. Elle a perdu du temps. Plus de 2 minutes. Je vous rappelle, à ce deuxième intermédiaire, le meilleur temps, c'est toujours Evlika Asikou qui l'a. Non, c'est Lisa Risbu. Pardon, c'est Lisa Risbu. Alors, voyons voir ce qui s'est passé. Le voilà avec Christophe. Tu nous entends, Christophe? Est-ce qu'on a Christophe? Christophe, on a le son derrière. Si tu nous entends, Christophe, c'est à toi. Je vous entends très très mal. Ah, il y a du bruit. Allez, vas-y, envoie-nous une petite interview avec Cécile. On te laisse la main. Nous, on t'entend très bien. Je vous entends pas en fait. Tu peux, nous on t'entend. Attends, on va se déplacer. Tu peux envoyer quand tu veux l'interview. Vous voyez dans le même temps Lisa Risbu. Ouais, il me semble qu'on a vu une erreur de Lisa. Ouais, j'ai l'impression aussi, effectivement.
On a la double fenêtre, alors que Simona ouais. Abersold est tout. Ah, ah non, 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 c'est qu'elle repart. Non, c'est que la 11. Attention, la direction. Simona. Non, elle court. Elle court. Rige ou pas, je suis pas sûr qu'elle soit. Ça a l'air d'être c'est okay. jamais. C'est le GPS. Ouais, c'est jamais évident d'attaquer un poste comme ça quand on est plus. Peut-être qu'elle a fait une erreur, hein, Mathieu, puisque on est en direct là maintenant avec. Ah non, elle repart non, sur non, la 13. Elle repart elle sur la 13. Elle sur la 13 maintenant. En Christophe, si tu nous entends, c'est quand tu veux, c'est à toi la main pour une petite interview. J'y suis. Ouais, tout à fait. Je suis avec Cécile qui vient tout juste d'arriver de sa course. Cécile, tes premières impressions à chaud. Et bah, je suis pas 100% satisfaite de ma course. Je fais plein de petites erreurs. Notamment il y avait une zone bien verte au milieu de course où ouais, j'étais dans le flou total. Même quand j'essayais de me recaler, j'avais rien de bien net pour m'aider. Donc je suis plutôt mitigée. Après, il y a du bon aussi dans ma course. Il faut focusser sur le bon, on va dire. Donc le terrain, ça ressemble plutôt quoi à la qualification, à la longue? Alors moi, je n'ai pas couru la longue, donc ah oui, ça pas va. Trop... Comparé à ça, par rapport à la qualif, je dirais qu'il y avait des zones bien plus blanches, bien plus où on pouvait un peu plus courir. Courant. Ça reste une jungle un peu l'Estonie, donc il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut vraiment envoyer. Après, il y en a. Mais ouais, il y avait des zones bien vertes aussi et il fallait se battre. Merci okay, Christophe. Donc pas la meilleure course, super. Mais quand même du bon. Merci. Et puis maintenant, on va se préparer pour le relais, j'imagine. Ouais. Très bien. Merci Christophe, super, merci Cécile, merci Christophe, super d'avoir pu avoir l'interview. C'est bien de l'avoir en direct. Et en même temps, Simona Abersold, ouais, effectivement. Là, c'était vraiment intéressant. On a vu que Simona avait repris Marika au poste TV d'avant. Marika et là, Tegny, on a vu Marika Tegny arriver toute seule. Et là, voilà. Et donc, ça veut dire qu'elle est en train de mettre du gaz. Et Simona, et elle est regardez, hop, elle est encore derrière. Ouais, elle est derrière. Mais 46 secondes. Du coup, elle est largement en tête, hein, puisqu'on rappelle qu'elle a rattrapé Marika de 2 minutes, alors que Tove maintenant. Tove Alexandersson maintenant à l'arrivée qui va être très loin. De ses standards habituels. Ah ouais, elle va même pas faire top 10, hein, Mathieu. Elle va même pas faire top 10 ça, aujourd'hui. C'est sûr. Et on rappelle que d'habitude, elle prend le départ, elle gagne. Hein. Et là, ça va faire sa troisième course d'affilée de championnat en comptant le. Les championnats du monde. Le championnat t'as raison, monde, le sprint individuel. Qu'elle ne gagne pas. Et là, c'est pas que d'un peu. Hein. Elle va être revancharde sur le relais, hein, avec cette équipe suédoise qui va certainement être très, très, très revancharde demain. Elle était extrêmement déçue déjà après sa longue distance. Hein. On rappelle qu'elle a échoué à 17 secondes seulement du titre avec une course qui était vraiment pas bonne. Donc, elle était très déçue de sa performance. Et ben, j'imagine que c'est pas aujourd'hui que ça va s'arranger. Ouais. Ouais, là, on n'aura pas droit au petit coucou à la caméra. Non. C'est la soupe à la grimace hein, pour Tove Alexandersson qui sera au-delà du top 10. Alors on refait le point puisque vous avez vu donc Evla Kasikou toujours 37.07, c'est le meilleur temps provisoire à l'arrivée. On attend maintenant Lisa Risbu qui devrait plus tarder mais malheureusement j'ai l'impression a fait des erreurs. Lisa on a vu elle a fait des fautes sur la fin de course, elle va plus être dans le match mais par contre on attend contre, donc Simona Abersold. C'est vraiment intéressant cette doublette Marika Simona. On disait Simona avec une grosse course elle va ramener Marika près de la médaille, mais visiblement là c'est Marika qui est devant et qui fait sa course. Ouais, qui a une quinzaine de secondes d'avance. Ouais, hein, mais Marika. Elle est pas juste à suivre Simona et donc non, elle prend sa chance. Si elle fait une médaille sur cette course là, elle pourra dire que c'est vraiment elle le doit à personne parce que visiblement elle n'est pas juste à suivre Simona. Non, tout à fait. Et surtout qu'en plus, Marika Tegny, elle est au quatrième, au deuxième temps intermédiaire. Mais on a vu que Lisa Risbu s'était vraiment trouée sur la fin de parcours. Donc Marika qui joue pour une médaille. Hein. Oui, alors on ne l'a pas vu, mais au GPS, il semble qu'effectivement, Lisa a fait des erreurs sur la fin de course. Donc elle n'est plus dans le match. Alors que là, on avait Inga Dambé qui est vraiment la mamie du paddock, on va dire, qui est là depuis des années. Et Lisa qui arrive. La voilà, Lisa Risbu. Derrière Marie Olausen, la Norvégienne. Oh, qui sera loin, qui sera très très loin. Je ne suis même pas sûr qu'elle va jouer le podium finalement. Lisa Risbu qui était en tête au deuxième temps intermédiaire. Ouais. Elle sera loin, elle va être... ça va être compliqué. En tout cas, elle ne jouera pas le podium aujourd'hui puisqu'elle se fera battre. Hein. Elle se fera battre. Ouais. Elle va sûrement faire coup, le. Alors, on n'en a pas du tout parlé. Enfin, aussi, on en a un peu parlé, mais Anne Durkorn, avec ses 1 minute 50 derrière, pour le moment, ça tient. Absolument. Et il n'y en aura pas tant que ça qui vont passer devant au final. C'est clair. Donc, on l'a dit, hein, c'est des courses qui peuvent faire des écarts.
Mais là, elle est partie pour faire une bonne perf, Anne Bjørkan, qui est une jeune Norvégienne, hein, qu'on a surtout vue sur les formats urbains pour le moment. Donc, là, elles sont très serrées à côté, autour hein. des 3 minutes 48. Ah, là, elle s'en veut, forcément. Vous imaginez, elle a fait presque tout bon jusqu'à la fin. Le même temps que Sabina Ausvirt. Aïe, on va avoir son replay certainement, hein, mais là, franchement. Ah ouais. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marie Leosen. C'est difficile de maintenir, d'avoir une course proche jusqu'au bout sur ces terrains-là. Hein. Regardez, on en avait parlé de ces 3 derniers postes où on retombe dans des zones de végétation qui sont sales entre guillemets. Mathieu, en tout cas sur très dense. GPS, Marie Kateini serait derrière Kassikou, hein. Donc pour l'instant, la médaille d'argent, elle serait pour Kassikou, puisque la personne est en tête. Marika a eu du mal sur sa fin de course en longue. On va voir si elle a aussi un peu du mal sur la fin de... Oui, là, c'est vraiment la grosse, grosse perf d'Evelina. Je pense qu'il n'y a pas grand monde, elle compris, qui pensait être à pareille fête. Evelina, Kassikou. Aussi près du terme de cette course, c'est là... Allez, pour faire simple, il reste Simona Bersold et Marie Kateini qui peuvent jouer le podium. Venla Ryu qui est derrière et bien derrière pour le moment. Donc, là, on est en direct synchronisé. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a, Taini et Bersold qui sont en décalé. Si on était en vrai live, elles seraient probablement soit ensemble, soit relativement proches. Mais là, voilà, on vous en a déjà parlé plusieurs fois, hein, c'est quand on synchronise sur un coureur. Donc là, en l'occurrence, c'est sur Simona Bersold. Et à ce moment-là de la course, on voit où en sont les différents compétiteurs et compétitrices partis avant et après. Et en l'occurrence, Evelina et Taini, là, pour le moment, ça va jouer pour la deuxième place. Mais il n'y a pas grand monde d'autre. On voit Venla qui est derrière. Qui aura du mal à revenir. Qui ne veut pas regarder. Hein. Elle ne veut pas regarder ce qui se passe. Là, pour l'instant, c'est la grosse perf pour l'Estonie. Elle a tout donné, elle a besoin de récupérer. En tout cas, les Estoniens, vous voyez devant, se congratulent déjà parce que c'est sûr, ça sent bon pour la médaille. Et de toute manière, argent à minima, on dirait. Ce sera de loin sa meilleure performance, en tout cas. Allez, on va voir si Simona Bersold est en approche de cette balise numéro 17, vous le voyez, elle est en train de se recaler correctement. Elle est venue dans ce jaune, dans ce fameux jaune rayé. Kassikou qui n'en revient pas. Elle nous fait une Isia Bassé. Incroyable. Chez elle, à la maison, avec la médaille qui lui tend les bras. C'est beau, c'est beau de voir ça. Image. Très belle image. C'est beau, notamment parce que c'est de la course d'orientation et tout est possible. C'est difficile d'aller jouer devant. Ça fait des années qu'elle est là. On rappelle, elle a 29 ans. Elle en a fait des championnats et des championnats. Et bien voilà, il faut y croire tout le temps. Mathieu, la deuxième place qui est en train de jouer à l'intermédiaire avec Venla Ryu. Qui a rattrapé Johanna Åberg. Donc là, il faut regarder la tenue blanche derrière, la tenue finlandaise. Venla, elle est habituée des gros finishes, hein. Alors attention. Gros finish pour Venla Ryu. Vous l'avez dit, la championne d'Europe. Tu l'as dit, Mathieu, la championne d'Europe de jeudi qui est en forme. Et elle va venir signer le meilleur deuxième temps provisoire à l'arrivée, juste devant Dirk Hørn. La Norvégienne, donc Venla Ryu, la Finlandaise. Qui essaie de se battre jusqu'au bout. Mais... Et oui, chaque seconde compte. 1:23, voilà le temps de Venla Ryu. Le temps d'écart. Alors maintenant, 38-30, maintenant il reste Marie Kateini et Simona Bersold. Elle a fait le job comme elle a pu, on a vu c'était pas parfait, mais des courses parfaites il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui. Donc à voir, Evelina qui se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar. Les concurrentes supposées plus fortes qu'elle qui se cassent les dents sur son chrono, elle se dit mais c'est pas possible, jusqu'à quand je vais, jusqu'à quand ça va durer. Alors ça risque de durer encore 2-3 minutes, mais là, Simona, elle est quand même lancée sur les rails là, pour aller chercher cette médaille. Alors, parce qu'il ne reste quand même plus grand-chose. On voit, elle va déboucher sur la forêt blanche. Alors que là, on a la différence entre... Petite erreur de Marika Taini à la 17. Marika pour la médaille. Là, les deux vont se retrouver au coude à coude. Marika Taini n'avait toujours pas trouvé la 17. Donc... Ça semble compliqué pour Marie Kateini. C'est dommage aussi près de la fin, un peu à l'image de Lisa Risbu. C'est des. En toute fin de course, c'est forcément rageant, mais c'est évidemment aussi quelque chose qui arrive souvent avec la fatigue.
C'est difficile de faire des courses propres jusqu'au bout. Marie Cataigny, effectivement. Faute, on voit, elle a perdu quand même beaucoup de temps. Elle était en avance sur Venla. Et elle repart, elle repart bien derrière. Elle est derrière Kaasikou maintenant. Marie Cataigny, effectivement. Venla, Ryu et Teresa Yanosikova qui sont ensemble, qui débriefent. Venla, Ryu, deuxième à l'arrivée. Qui, ça sent bon la médaille pour Venla également. Alors que Teresa Yanosikova débrief, 12e place, vous l'avez vu, provisoire. Oh là là, Kaasikou qui se concentre. Et ouais, ce serait intéressant de. Ouais. Ça va être serré pour la troisième place. On voit qu'Anne Durkorn est à 1 minute 50. On sait qu'elle était partie, elle était partie juste devant Kaasikou. Kaasikou l'avait repris en course. Les deux ont couru ensemble. Ce sera intéressant de savoir en quoi cela a pu jouer sur la bonne performance de l'une et de l'autre. En tout cas, là, c'est sûr que Evelina, il faut qu'elle se pince pour y croire. Elle est là, clairement. À l'approche de l'arrivée, Simona Bersold, que l'on va voir débarquer. C'est aujourd'hui, mais elle, voilà, Simona a réussi à faire ce qu'elle n'avait pas encore réussi à faire jusque-là, une course propre. Et voilà, hein, quand les meilleurs font des courses propres, forcément. La nouvelle championne d'Europe que vous voyez sous vos yeux. Là, il n'y aura pas de. Simona Bersold, c'est sûr et certain. Simona Bersold qui va venir améliorer le temps de Kaasikou. Oui, elle partait en dernier, donc. C'est à peu près sûr. Voilà, donc c'est à peu près sûr, il n'y a plus personne qui pourra la. Qui pourra la battre maintenant. Simona Bersold, Suissesse qui vient confirmer sa forme du moment, elle qui a fait un énorme world game, tu le disais Mathieu. Ça fait plaisir pour elle, je pense, parce que vraiment elle était en difficulté sur ses premières courses des championnats et c'est, ouais, ça fait quand même plaisir de voir que les premier titre individuel pour Simona Bersold, championnat du monde et championnat d'Europe confondu, elle le sait, championne d'Europe Simona Bersold, la Suisse qui remporte une médaille et qui vient corriger, je dirais, le tir. Elle continue. Ouais, elle va vite voir si elle a toutes les balises. Ça, déjà, c'est la première chose. Voilà, vite vider pour être sûr. Et si on la voit sauter de joie, c'est que tout va bien pour elle. Ce serait sympa que la caméra arrive à suivre. Bon. Alors, on avait vu, alors pour rappel, hein, le dernier c'est tout de bon. Championnat. Championne d'Europe, Simona Bersold et Kaasikou qui va faire certainement médaille d'argent. Je pense que pour elle, ça vaut. Ouais, Marie Cataigny est annoncée bien derrière maintenant. Médaille d'argent pour Kaasikou. Incroyable, incroyable. Suisse, Estonie, Finlande. Voilà le podium de cette moyenne distance avec Marie Cataigny qui en termine et qui elle va être derrière. Elle va être derrière Venla Ryu. A pas grand chose, mais elle sera certainement derrière. Ouais, on avait vu. Et oui, ça y est, vous le voyez. Ouais. Donc deuxième médaille pour Venla. Elle va faire cinquième, Marie Cataigny. Elle va même pas faire quatrième, certainement. Mais elle est là. Les deux, on les avait cochés. Hein, et elles sont là à nouveau. Et à l'image de Venla sur la longue distance, Thierry nous en parlait. Quand on a la chance pour les autres filles que Tove passe un peu au travers, et il faut être là pour en profiter, et aujourd'hui c'est Simona. Et elle a vraiment mis en place les choses pour... On l'a vu, elle a fait une course solide, elle a fait les choix, elle n'a pas fait de faute. Donc là, rien à dire, elle mérite largement son titre aujourd'hui. Magnifique, effectivement, Simona Bersold, championne d'Europe, alors que Marie Cataigny, vous le voyez, prend la cinquième place. Simona Bersold, championne d'Europe de moyenne distance. Evely Kaasikou, vice-championne d'Europe, l'estonienne, moyenne distance. Et puis en troisième position, c'est Venla Ryu, la finlandaise, deux médailles pour elle en deux courses. Grosse, grosse performance de Venla. Championne d'Europe jeudi, médaille de bronze aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire que ces championnats d'Europe sont d'ores et déjà réussis pour Venla Ryu. Ouais, alors les Suédoises un peu en retrait aujourd'hui. Hein, effectivement, avec Johanna Åberg seulement, la meilleure perf. Meilleure Suédoise sixième. Alors quand les Suédois sont en retrait, ça fait quand même un petit podium top 6. Hein. Nous, évidemment, on s'en contenterait largement. Mais voilà, elles sont quand même moins nombreuses dans le top 10 que d'habitude. Avec quelques surprises, notamment deux jeunes norvégiennes. Tone Vigemur, elle est pas toute jeune non plus. Mais j'ai perdu son nom. En tout cas, Anne Durkorn, qui a fait une grosse course. Alors, est-ce qu'elle a couru avec Evelina Kaasikou sans doute. On les a vus ensemble, en tout cas, aux différentes caméras. Mais faudrait voir. Et t'as vu le résultat, devant, Mathieu, un top 30 pour Cécile, hein, 30e pile poil. Cécile Calandry, 30e. Voilà, c'est sur l'objectif. Elle n'avait pas forcément un objectif de place. Hein, c'est toujours le cas avec elle. On, on,
on espère qu'elle puisse sortir des grosses courses, mais pour le moment elle est vraiment en apprentissage. Hein. Par contre, c'est sur la manière que je pense qu'elle ne sera pas satisfaite. Parce que clairement, elle a fait. Bon, elle l'a dit, hein, elle a fait trop de petites fautes. Mais voilà, c'est sur des terrains comme ça, c'est pas la seule. Hein. Le replay de cette course avec, vous voyez, Simona Bersol qui a mené de bout en bout hein, la course. Ouais, elle a été solide, on l'a dit. Hein, on n'a pas vu sur ce qu'on a pu voir du GPS, c'était solide. Ouais. Et bah, Kaisiko aussi, hein, ça forcément, on sait, on l'a dit, elle est moins rapide que les autres. Donc pour elle, pas de surprise, hein, il faut faire une course parfaite, bien propre. C'est pour ça qu'on a appelé ça une course à la Isia Bassé. Hein, on me rappelle, Isia avait fait exactement ce genre de performance, c'est-à-dire en étant solide et avec des fautes des supposées filles meilleures qu'elle. Et là, ça a suffi pour Evelina. On voit la Venla. Venla qui fait une erreur à la 12. Une erreur à la 12. Et ce genre de petites fautes, eh ben, ça permet à Evelina, même avec une vitesse de déplacement moins importante, de prendre le large à chaque fois. Et des gros écarts hein, quand même, parce que finalement, sur une moyenne distance, on n'est pas forcément habitué à avoir 1 minute 30 d'écart entre la première et la deuxième. Il y a encore plus d'une minute derrière, 1 minute 20 entre la deuxième et la troisième. Tout à fait, mais c'était plus ou moins annoncé hein, sur ce type de terrain. Voilà, on a dit attention, c'est des terrains qui peuvent faire des écarts parce qu'il va y avoir des fautes. Allez, l'interview de Simona. And Simona, very emotional for you. Congratulations on your victory. How are you feeling right now? Thank you so much. yeah, it's great. I mean, when I was in the forest, it went all like planned. It was so smooth and felt like being in the flow. Then I made a mistake, I stood at the wrong control. Luckily, I checked the control number, and then I just didn't get it. And knew that I had to take my time, stand still. See what I did or like find out where I went, and that's what I did, and then found the control. It was hard to find the flow again, but then it just felt great to finish such a good race with only that one mistake. And yeah, I just heard that last time someone won was Simona in 2012, and it's really cool to make it. It's been a dream for me, and that it works out that well after a long distance that was terrible for me, that's great. And what have you been doing since the long distance to prepare for this middle distance today? Yeah, actually my long distance was really good. I kind of found the flow, then I made a big mistake and knew that it was over. But yeah, there were so many good parts, and I just took the good things with me and tried to avoid mistakes like the last one. And yeah, it worked out really well today. I had a great race plan, and yeah, I'm really happy that it worked out that well. Yeah, you can see it on your face smiling so much. Your first individual championship medal, I think. What does that mean to you? It means a lot to me. I mean, yeah, as I said, it's been a goal for me to win European champs and world champs since I was really, really small. I always looked up to those champions in Switzerland that ran so well, and in the last years it always worked really well, but there was always that last thing missing for the gold medal, and now it finally worked. Congratulations and thank you. Thank you so much. L'interview de Simona Abersold, Mathieu. Elle a été longue, mais je crois qu'elle avait, en plus on l'a vu, beaucoup d'émotions. Hein. Ouais, ce qu'on peut retenir là, c'est l'émotion. Elle a dit que tout s'est déroulé parfaitement sur le début de course. Hein. Elle avait vraiment ce qu'on appelle le bon flow. C'est-à-dire elle était dans sa bulle, tout se déroulait bien. Sauf qu'à un moment, elle s'est retrouvée à avoir sauté un poste. Alors je ne me souviens plus vraiment à quel endroit c'était, mais elle s'est trouvée un poste plus loin que ce qu'elle pensait. Et elle a mis un petit moment avant de réaliser ce qui se passait. Et derrière, elle a dit ça lui avait pris un peu de temps pour se remettre dedans. Mais voilà, visiblement, elle l'a fait pas si mal, parce que nous, en tout cas, de ce qu'on a vu du GPS, elle était vraiment devant tout du long. Ensuite, elle a rappelé que on lui avait rappelé que la dernière victoire d'une Suissesse, je pense que c'est sur un championnat d'Europe, du coup, c'était Simone Nili en 2012, donc ça commençait à remonter, et à l'évocation de ce souvenir, le fait qu'elle ait, voilà, l'émotion de se dire, voilà, je
Ouais, Simone Nigli, on sait, c'est une, en Suisse, c'est quand même c'est une figure de. Donc voilà. Ensuite, on lui a parlé la LD qui s'était pas forcément bien passée. Donc elle avait juste gardé ce qui était positif de la LD et on lui a rappelé que c'était son premier titre individuel. Elle a dit que jusque là, elle avait fait des bonnes courses, mais qu'il en manquait juste un petit peu pour gagner un titre et que aujourd'hui, tout s'était déroulé pour. Allez, pendant le podium avec Venla Hariu, on est en direct avec l'entraîneur féminine de l'équipe suisse, Baptiste Rollier, qui parle français en plus, donc c'est super pour nous de l'avoir à télé. À toi Christophe, petite impression de Baptiste et ce premier titre de Simona individuel, toute compétition confondue. Et donc Baptiste, quelle impression, quel sentiment après cette belle victoire de Simona aujourd'hui? Bah, c'était beaucoup d'émotions, là, les 10 dernières minutes de course, quand il restait encore 2-3 poses dans le vert, qui était encore difficile, là, j'étais un petit peu tendu, beaucoup plus qu'avant la course, puis que quand moi-même je courais. Et puis après aussi, beaucoup de bonheur à la fin, ça, c'est super pour Simona. Et c'est un résultat historique, puisque la dernière médaille remonte à quoi, plus de 10 ans. Oh là, je pourrais pas dire, je suis pas 2012, bon, effectivement, Simone Nigli, 2012. Alors, ouais, c'est historique, je pense, c'est aussi super pour Simona qu'elle a tourné un peu autour du pot là, les dernières années, et puis maintenant, ça le fait, c'est super. Et donc, vous étiez préparé pour ces terrains un peu plus physiques et de combat que l'Estonie? Ouais, bon, on savait à quoi s'attendre, quoi. C'est clair, on savait à quoi s'attendre. Toutes les consignes, c'était aussi les mêmes depuis le début de la semaine, la canif, la longue, donc il n'y avait pas vraiment de secret, quoi. Il fallait, après, le plus dur, c'est de mettre ça en application et puis pour 35 minutes, puis pas faire le contrôle, la confiance quand on est dans le vert, on ne sait pas trop où on est. Et puis ça, elle l'a très bien fait aujourd'hui. Ouais, donc, clairement, merci Christophe. Elle a réussi sa course. Ouais, elle a fait une bonne course. On a vu une fois, je pense qu'elle avait perdu un peu le contact. Et puis, je pense là, elle a aussi vraiment eu le contrôle d'elle-même et puis elle a pu réagir de manière très rationnelle. Et puis ça, c'était aussi une chose qu'il faut savoir faire ici parce qu'on ne peut pas toujours être sous contrôle et puis savoir être exactement sous la ligne. Merci Christophe, super, merci Baptiste, merci Christophe, merci pour cette interview, on essaye de vous faire vivre au plus près avec Christophe, notre envoyé spécial, vous vivez en même temps le podium donc de Simona Bersol, championne d'Europe, Evlika Sikou, l'estonienne vice-championne d'Europe et Venla Hariu, deuxième médaille en deux jours. Ouais, vous avez maintenant la proposition du classement général de la Coupe du Monde qui vous est présentée avec Tove Alexandersen en tête et Simona forcément qui tape un grand coup. Venla Hariu, troisième. En tout cas, c'est... Baptiste Rollier, on le sent presque ému comme Simona. Et voilà, c'est, comme tu dis, ça fait un moment qu'elle tourne autour. C'est vraiment super pour elle d'avoir pu remporter cette course. Ben c'est pas évident. On a quand même Tove Alexandersen qui est l'ogresse. Hein. Donc pour aller chercher des titres quand on court en même temps que Tove, ça peut prendre du temps. Et elle tournait autour. Elle est solide. Elle est jeune encore. Hein. Attention, hein, elle a encore beaucoup d'années devant elle. Tove en a un peu moins. Donc il y a des chances qu'à un moment Simona puisse aller en chercher des titres. Hein. Et on rappelle, ça a été l'ultra championne chez les juniors. Elle a eu 8 ou 9 avec médailles 8 titres, d'or. Hein. Ouais, 8 titres, ouais. Effectivement, chez les juniors. Et sa première aujourd'hui. Donc là, ça a pris un peu pour elle, un peu trop de temps à son goût. Mais voilà, parce que, comme je le rappelle, avec Tove, forcément, c'est difficile. Plus compliqué. Compliqué de gagner des titres. Donc les courses s'enchaînent et on va basculer sur la course homme. Maintenant, on refera un petit débrief, bien sûr, demain. En tout cas, c'était beau de voir son émotion sur le podium. Absolument, ouais, tout à fait. La course homme, Mathieu, avec un peu plus de 6 km, avec une boucle un peu plus grande chez les hommes. Mais en tout cas, on reste bien sûr sur les mêmes interpostes quasiment, avec ces choix décisifs qui sont proposés. Le tracé est à peu près identique, avec un début qui va être assez rapide. Ensuite, on a ce long choix 5-6 qui est à peu près le même que ce qu'avaient les filles. Ensuite, là, on va un petit peu plus loin. Pour chercher une bande de verdeux à travers deux bandes de coupe. Donc là, je pense que ça ne va pas forcément être cadeau pour les coureurs. Ils auraient peut-être préféré s'abstenir d'aller dans cette zone-là. Mais ensuite, on rebascule dans cette zone où les filles avaient beaucoup de postes. Là, on voit beaucoup de postes dans cette zone un peu technique, en allant un peu plus loin pour aller chercher la 13. Et ensuite, le retour sur l'aréna. Là encore, relativement équivalent en ligne droite à travers ces zones de végétation très denses. Et on a vu que c'était des postes qui pouvaient faire une différence jusqu'au bout pour la médaille. Hein. On l'a vu dans la zone du poste 19, la Marika qui a perdu du temps et probablement
sa médaille de bronze. Donc voilà, et les garçons devront être attentifs jusqu'au bout, évidemment, comme à chaque fois sur ce format. Alors, la liste de départ avec le premier qui partait, Maxime Roturier. On vous donnera son temps à l'arrivée dans quelques minutes. Et puis ensuite, tu nous as présenté un petit peu Mathieu avec bien sûr Casper Fosseur, un des grands favoris du jour, mais qui n'est pas en tête à l'arrivée. On va revenir dessus. Quentin Moulet, qu'on a suivi en avant-course. Nicolas Rio, la question du jour, est-ce que Nicolas est en forme ou pas? Mathieu Perrin, bien sûr, notre leader aujourd'hui, et Loïc Capberne, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs à arriver. Ouais, et ça sera peut-être notre première interview avec Loïc, ça serait super. Ouais, et Raphaël Maslia, donc, qui était le mieux classé des Français sur la qualification moyenne distance. Donc on a plusieurs Français là qu'on va suivre, en espérant qu'il y en ait au moins un ou deux qui arrivent à tirer son épingle du jeu aujourd'hui. Ça va pas être évident, on vous le cache pas. Le dernier départ de Tomáš Krivda hein, à 14h12 pour nous, c'était presque une petite surprise hein, Mathieu, de le voir là. En tout cas, il a vraiment bien réussi sa qualif, alors qu'on nous propose actuellement un replay des meilleurs moments du début de course. Magnodeli, on l'a vu arriver tout à l'heure en suivant la course des filles. Donc là, on a son départ. Vous dire que le meilleur temps à l'arrivée pour l'instant, ouais, c'est Emil Zvensk qui l'a en 39-10, mais il risque d'être amélioré d'ici quelques instants par Anton Johansson, le Suédois qui viendrait améliorer ce meilleur temps. Alors oui, on l'a dit, il y avait deux coureurs parmi les favoris avant ce championnat, donc Emil Zvensk et Casper Fosseur qui avaient raté leur qualif et qui se retrouvaient à courir tôt. Donc là, on a un des deux, Emil, qui est en tête, c'est pas une surprise. Donc le replay hein, qu'on vise, voilà, Magnodeli, le Norvégien qui a couru tout à l'heure et qui avait fait un premier temps provisoire, donc en 41-14 le temps de Magnodeli, alors que là c'est Emil Zvengs, c'est-à-dire le meilleur temps provisoire à l'arrivée pour le moment, qui nous est proposé, le Suédois Emil Zvengs. Emil Zvengs, voilà, qu'on a vu faire un 3/4 de longue distance vraiment costaud, il était en tête, il était solide. Et puis ça a commencé à se dégrader pour lui, il a commencé à enchaîner des petites fautes, il a perdu le rythme et puis il s'est un peu effondré et il est passé un peu à côté de la fin de sa course, au point de chuter en dehors des médailles et de terminer à la cinquième place. Et Miss Vance donc qui nous repropose donc sa course, voilà, et qui a... Lui aussi donc est déjà arrivé, donc on commence avec des replays des meilleurs coureurs sur cette première partie de course. Peut-être qu'on aura quelques images aussi de Casper, et pour comprendre pourquoi il n'est pas au niveau auquel on pouvait l'attendre. Ouais, en tout cas pas aujourd'hui effectivement pour Casper Fosser, le Norvégien que vous connaissez. Emil Zvengs donc qui a signé le meilleur temps tout à l'heure, mais il vient d'être amélioré hein, Emil Zvengs, par Anton Johansson, le Suédois, en 35-57. C'est le nouveau meilleur temps provisoire, 35-57, et je peux vous dire que le deuxième temps, c'est Loïc Capberne qui vient de le signer en 37-59. Casper Fosser, des images de Casper. Ouais, Casper qui misait beaucoup avec cette moyenne distance. Bon, visiblement, lui aussi, hein, il n'était pas vraiment sûr de sa technique sur ce genre de terrain. Il pensait avoir un peu réglé les choses sur la fin de sa préparation. Mais il avait dit aussi, il s'était rarement senti aussi peu préparé avant une grande échéance. Et ben oui, visiblement, il a encore un peu de boulot à faire pour se sentir complètement à l'aise et être compétitif sur les terrains estoniens. Casper Fosser a plus de 4 minutes 14 hein, du temps de Anton Johansson. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup hein, pour lui. Hein. C'est beaucoup. C'est énorme même. Oui, c'est même énorme, on peut le dire. C'est même énorme. 35-57, c'est le meilleur temps à battre, je vous rappelle. Restez bien avec nous, on devrait avoir Loïc Capberne, notre Français, qui vient d'en terminer avec le deuxième meilleur temps, 37-59, pendant qu'on nous repropose les replays de ce début de course chez les hommes. Ça sera bien sûr le moment d'avoir Christophe et Loïc en interview pour avoir ses premières impressions. Vous dire que Raphaël Massilla, lui, a fait un gros départ, mais a fait un bon début de course, mais une erreur derrière. Alors qu'on revoit Anthony Johansson. Qui a le meilleur temps à l'arrivée, voilà, 35-57. Ouais, c'est typiquement le genre de coureur qui d'habitude n'est pas sélectionné pour un championnat du monde, parce qu'on ne peut pas prendre tous les Suédois. Mais quand on lui donne sa chance,
il faut savoir la saisir et c'est ce qu'il a l'air de faire aujourd'hui. 35-57, c'est le meilleur temps. Et vous voyez, le deuxième meilleur temps, c'est Loïc Capberne de 02. Ça tombe bien, on est avec lui. Christophe, si tu nous entends, les impressions de Loïc, rapide pour avoir un petit peu son avis sur sa course avec le deuxième temps à l'arrivée. Ouais, d'accord. Effectivement, je suis avec Loïc. Là, alors Loïc, tes impressions sur cette course deuxième temps à l'arrivée, là, c'est top. Ouais, bah après c'est assez incroyable comme course. Enfin, après, moi, je voulais savoir où j'en étais au niveau CO. Du coup, je fais une début de course en essayant de poser ma technique, etc. Après, je fais une petite faute quand même où je vais taper le marais d'à côté au poste 3. Et puis là, je vois le Suédois Anton là qui me revient dessus en sortie 3 du coup. Et puis je me dis, putain, ouais, déjà. Là, du coup, je me mets un peu derrière et là, je me rends compte que ouais, c'est pas la même. Il avait un autre rythme et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Pour me remotiver, pas le lâcher tout de suite, rester derrière. Et ouais, il avait un flou incroyable. Et ouais, j'ai pas pu en placer une, quoi. Ouais, dès que j'ai essayé de regarder ma carte, j'étais direct en galère. Enfin ouais, il avait une énorme vitesse. Ouais, le mec, il savait ce qu'il faisait. Et donc ouais, bon, ouais, du coup, je me suis mis... ouais, la prépa sprint et prépa KO, elle a payé pour rester derrière. Je sais pas si je peux être fier de ma course, mais... On va dire que du coup, tu peux être fier du résultat, physiquement, quoi. C'est bien. Voilà. Mais après, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu de la qualif. Je fais ma place, il était derrière. On verra où ça mène. Mais ouais, c'est un peu bizarre pour une moyenne distance de la faire comme ça. Mais après, ouais, bon, du coup, je suis content. Hein. Enfin, bah, forcément. J'aurais décidément pu faire mieux. Bravo, Loïc. Très bien. Et puis, on peut dire que finalement, bah, c'est le métier qui rentre. Une belle leçon de CO. Alors. Ouais, bravo. C'est ça. Voilà. On va montrer ce qu'il fallait faire. Très bien. Merci, Loïc. Merci Christophe. Merci, Loïc. Bonne récup à toi, Loïc. Merci Christophe, on se retrouve un peu plus tard avec d'autres athlètes. Incroyable. Vous avez vu donc l'interview, c'était en plus la production, c'était pas voulu, mais en tout cas on le prend, la production qui nous a proposé le replay de Loïc en même temps avec effectivement cette course en parallèle de Anton Johansson, le Suédois. Bon bah c'est bien en tout cas quand même, ouais. Une belle leçon de CO, je sais voilà. Pas dit Mathieu mais c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le jeu, si on se fait reprendre. Je sais pas si on peut dire que c'est une course à montrer dans toutes les écoles de CO, mais c'est comme ça, mais voilà, c'est aussi ça, c'est la CO internationale. On part à 2 minutes, voilà. C'est pour ça que les qualifications sont importantes, qu'il faut pas passer à côté. Loïc l'a très bien dit d'ailleurs, ça nous donne une bonne place, alors qu'on voit à l'image on est avec Daniel Hoodman, le vétéran. Mathieu, tu aimes bien dire le recordman du nombre de médailles individuelles. Ouais, 28 il me semble. 28. Et toujours depuis un petit moment à la recherche de la 29e, et on sent que ça commence à être de plus en plus difficile. Compliqué pour et lui. Et pourtant, il est pas complètement loin, mais il navigue au mieux autour de la 10e place. Et une pour 24. Lui, ça va être compliqué d'aller chercher une médaille aujourd'hui encore. Une 24 de retard, effectivement, pour Daniel Hoogman sur le temps d'Anton Johansson. Alors, vous voyez, Joe Adorn, le pauvre, il nous fait des championnats catastrophiques, on peut le dire. Délicat. Il est passé cas. À côté délicat, jeudi. On va dire. Ouais. Donc, alors, l'Estonien. Voilà, oui, pour. Oui, vas-y, excuse-moi, Mathieu. Non, mais juste pour finir, en tout cas, voilà, ça fait partie du jeu. Il s'est fait reprendre. On sait que. Selon les caractéristiques des coureurs, selon le moment de course et tout ça, on n'a pas toujours le moyen de passer devant. Il aurait bien aimé, mais il pouvait pas, hein, tout simplement. Et en tout cas, bravo à Anton Johansson qui, visiblement, a été impressionnant, hein, pour que Loïc ait du mal à lire la carte en suivant. C'est que vraiment, il devait avoir trouvé un sacré flow, alors que Kenny Kivikas fait pas le départ idéal là. Oula, oui. C'est pris les pieds dans le tapis. Petite chute de Kenny Kivikas. Allez, la course se met en route doucement, effectivement. Je vous le rappelle, le meilleur temps à l'arrivée, c'est donc Anton Johansson, le Suédois, en 35 minutes et 57 secondes. Le deuxième temps, Loïc Capberne, notre Français, en 37-59, que vous avez connu, avec 2 minutes d'écart. Donc, ça veut dire forcément qu'il y a de la place. Un petit coucou à Stonky, qui n'est pas européen, mais comme c'est une Coupe du Monde, les concurrents des autres... des pays non européens peuvent bien sûr participer. Alors Aston, il est très jeune et il est quand même plus à l'aise sur les formats urbains. Ouais, bon, là, il fait un bon départ, voilà, c'est pas mal. On voit que c'est correct. On voit aussi Oli Oyanao, donc qui est là à plus 56 secondes aussi, ce départ. On attendait, ça m'intéressait de voir un peu ce qu'Oli allait faire. On sait qu'il est plus à l'aise sur la moyenne distance que sur la longue, et il avait fait une très bonne longue distance il y a 2 jours. Visiblement, le départ n'est pas idéal pour lui, mais ce sera intéressant à suivre. Mathias Kiburtz aussi à l'écran, hein, le Suisse, gros favori d'habitude, mais là un gros doute sur son niveau de forme, donc on voit qu'il était déjà un petit peu derrière. Max Peter, Baimer,
qui est pointé à un peu plus d'une minute au premier intermédiaire. On va voir ce que ça donne sur le deuxième. Juste de dire, Mathieu, que pour Anton Johansson, il n'a qu'une seule sélection à son actif. Et c'était en 2016 sur les championnats d'Europe. Et il avait fait 20e en sprint. Donc, te dire qu'aujourd'hui, c'est quand même une très, très belle performance. Bah, notamment, puisque comme je l'ai expliqué, il a été très peu sélectionné aussi. C'est vraiment difficile de rentrer dans cette équipe suédoise, vu le niveau. Et forcément, ils ont moins la chance de faire des résultats, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la chance de participer aux compétitions. Ah, c'est compliqué, hein. Regardez, là, Max Peter, il est... Ouais, c'est quelqu'un qui peut courir deux fois plus vite que ça, mais sur ces zones-là, il faut être précis et c'est compliqué. Donc on le voit là, avec déjà 1 minute 43 de retard. Alors que Mathieu Perrin à l'arrivée. Ah voilà, ça c'est sympa. Ça c'est intéressant. Mathieu Perrin, notre français. Aucune idée d'où il en est de sa course. Eh ben Mathieu Perrin, écoute, il est pas mal puisque il était pointé en troisième position. En tout cas, il se bagarre, ce qui est bon signe. Et il va signer. Eh bien, on aura deux Français au deuxième et troisième place en intermédiaire au classement, bien sûr, final provisoire à l'arrivée. Mais belle course pour Mathieu en tout cas. Elle est jusqu'au bout. Mathieu Perrin. On l'a vu à l'arrivée de la longue, il était un peu désabusé, il tirait pas sur les bras. Là, on voit, il se bat jusqu'au bout. Il a dû faire une course. Il a dû faire quand même une bonne course, hein, parce que Loïc est certes devant, mais on a vu que Loïc avait été un petit peu aidé, on va dire, par la très très bonne course de Johansson. Ce serait bien de l'avoir en interview aussi. Hein, on va essayer d'avoir effectivement Mathieu. Christophe est en train de se rendre dans la zone mix où il est posé, et puis on va essayer d'avoir Mathieu Perrin effectivement. Le départ à l'écran de Florian Ovald. Alors que tu parlais, tiens, Oli Oyanao, notre Finlandais. Ouais, le voilà. Alors ça va être intéressant parce qu'il avait seulement 50 secondes de retard au premier inter. Je ne sais pas si on peut dire notre Finlandais, mais en tout cas, oui, on rappelle qu'il a habité en France depuis le début de l'année. Là, il était sur Grenoble. Donc oui, effectivement, on le connaît bien et on a un œil particulier vous l'avez pour même sa vu performance. Au championnat de France en Corrèze, au mois de mai, où il est venu courir et il nous a même donné un grand coup de main puisqu'il filmait avec nous le championnat de France de sprint relais. C'était super. C'est vraiment un super gars, Oli. On espère pour lui en tout cas qu'il va faire une belle course. C'était mieux que ça au premier inter. Il a perdu un peu de temps sur le deuxième. Je ne sais pas si c'est un super gars au lit, mais en tout cas, c'est un super gars en forêt. l'entraîneur national, donc Thierry Georgiou, on rappelle, misait pas mal sur lui aujourd'hui. Bon, là, on voit que pour le moment, il est un peu derrière. Il est pas derrière, complètement mais bon, dans le, 1:33, pas complètement Mathieu, dans le match. Ça veut dire que c'est médaille d'argent pour l'instant à l'arrivée. Hein, 1:33, je rappelle. Le temps, le deuxième, c'est Loïc Cabernet à 2:02. Oui. Mais bon, je rappelle qu'il y a énormément de coureurs encore à venir. Bien sûr. Et que là, la densité est vraiment très, 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 très importante chez les garçons. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est nos trois Estoniens également, puisque Kenny Kivikas, que vous avez vu tout à l'heure, est parti. Et puis Laurie Sild vient de partir. Et Timo Sild, des frères Sild, que l'on connaît. Frères Sild, qu'on n'a malheureusement pas eu la chance de voir sur la longue distance, sans qu'on sache trop pourquoi. Alors, mon Estonien est un peu rouillé. J'ai pas eu le courage d'aller. Regardez sur les sites estoniens, probablement un petit peu malade aussi, hein, j'imagine, hein, parce que sinon ils auraient probablement couru la longue, d'autant que c'est des formats qu'ils aiment bien d'habitude. Mais ça promet un bon relais estonien quand même demain aussi, hein, parce qu'ils ont finalement ils sont vraiment trois hommes, les deux frères Sild et Kenny Kivikas. Il y a une belle équipe sur leur terre, ça sera intéressant de voir ce qu'ils vont faire demain. Complètement. Les choix d'itinéraire qui nous sont reproposés, avec vous voyez que Johansson a fait vraiment le choix bleu, hein, celui qui manifestement a l'air payant. Puisqu'on l'a vu chez les dames, c'est le choix de Simona Bersol, c'est le choix de l'Estonienne deuxième. Il faut savoir que les choix des filles et les choix des garçons, les choix payants ne sont pas forcément toujours les mêmes. Donc on verra si c'est... Mais en tout cas, chez les filles, ça semblait assez clair. Donc c'est possible que ce soit aussi le cas chez les garçons. On voit sur le choix vert, Alexander Kratov, dont on n'a pas parlé beaucoup, un Ukrainien, qui est vraiment un spécialiste des moyennes distances techniques. Qui avait été d'ailleurs sur le podium l'année dernière au championnat du monde en République tchèque, que l'on a vu faire deuxième Kratov. Ouais, et puis sur des terrains au championnat du monde en 2017, du coup il était aussi sur le podium derrière Thierry Georgiou, le dernier titre de Thierry. Donc voilà, c'est des terrains qui lui vont plutôt bien.
Vous venez de voir partir un des deux frères Sild, et c'était donc Timo Sild qui vient de s'élancer. Non, c'était Laurie Sild, pardon, c'était un replay du départ de Laurie Sild. Voilà. Ça fait quand même plaisir. On arrête la course. Voilà, on a quand même Antonio Hansson sous les 36 minutes. On rappelle le temps de gagne planifié de 33 minutes. Donc là encore. Encore de la marge, effectivement. Oui, mais quand même, ça veut dire quand même qu'on s'approche de courses qui sont solides et probablement de. Ouais, grosse course de la Guidras. Est-ce qu'on aura Mathieu alors? Oui, on va l'avoir. Il est en train de débriefer avec le coach. Vous voyez en parallèle l'équipe de France qui débriefe avec Marie-Violaine Palco devant nous. Mathieu Perrin qui arrive. Voilà. Marie-Violaine qui vient de dire au paparazzi, écartez-vous du milieu, monsieur. C'est ça maintenant qu'on fait de la télé française. On est obligé d'avoir. La télé n'attend pas. Et Albin Riedefeld au départ. Alors là, on attaque aussi les très très costauds. Hein. Il en reste plus beaucoup. Il en restera 4 à partir derrière. Effectivement, alors Timo Sild que vous voyez 5 exactement. 4. Timo Sild, Mika Kermula, Gustav Bergman et Tomáš Krivda. Et Tomáš Krivda qu'on attend peut-être un petit peu moins. Alors, intéressant à l'image. Ouais. Eskil Schineberg, vous l'avez suivi puisque c'était la médaille d'argent. Alors en même temps qu'on va voir son temps, on se connecte. Et champion du monde en moyenne distance il y a quelques années. Donc, un peu derrière. Et qui venait pour faire une médaille et qui est un petit peu derrière. À toi Christophe, avec Mathieu Perrin, notre Français, troisième temps provisoire pour Mathieu, ses impressions sur la course. Tout à fait, je suis avec Mathieu, tes impressions sur la course Mathieu. Ouais, c'était bien, hein. Franchement je fais une super course, pas de regret, c'était nickel. Franchement ouais, pas de regret, c'était vraiment la course que je voulais faire, après les courses un peu manquées, de la longue et même de la qualité, c'était pas ouf. Là franchement je fais pas de faute. Pas de faute. Je maîtrise mon truc. J'avais pas les jambes de feu, je sentais vraiment la longue quoi. Mais quand même une journée bien réussie quoi. Vraiment. Tu penses que ça veut faire une médaille? Non, médaille, non. Là après le monde, il n'y a pas les jambes. J'espère que ça peut faire un truc pas mal quoi. Peut-être top 15, top 10. Est-ce que c'est prometteur? Christophe, petite question dernière. Est-ce que c'est prometteur pour le relais pour demain quand même? Ouais, c'est prometteur pour le relais, pour demain. Ouais, c'est prometteur, surtout que je sais qu'en général, les enchaînements comme ça, ça se passe plutôt pas mal. Donc je pense que demain, les jambes, ça va être beaucoup mieux. Ça va être bien. Mais ça va être sympathique en relais, dans un terrain comme ça, avec du vert. Ah, exactement. Ça va être sympa. La balle. Ok. Merci. Merci Mathieu. Pas de problème. Merci Christophe, merci Mathieu. Merci à vous pour cette interview. Ouais, c'est sympa de teaser déjà sur le relais de demain. Moi, je suis très impatient, certes, mais bon, on a aussi une course là. Comme dit Mathieu, le relais top 15, ça va être terrible. Ça serait top. Et donc, du coup, effectivement, ça nous promet une belle course demain. On rebascule sur la moyenne distance avec Oleksandr Kratov. Justement, tu en parlais, Mathieu, il y a quelques instants. On va voir, puisqu'on est au premier intermédiaire. Et donc, on va être fixé sur son début de course. Alors qu'en parallèle, vous avez vu tout à l'heure Eskil Schineberg, le Norvégien, cinquième temps provisoire. Au deuxième pointage intermédiaire. Alors, Oleg, c'est un spécialiste de la course de nuit. Et on dit souvent que des terrains comme ça, avec une visibilité très basse, ressemblent un peu à ce qu'on peut faire de nuit. En fait, il faut être vraiment très très bon sur les directions. Et Oleg, il est pas mauvais à ce petit jeu-là. Un peu derrière donc, sur ce premier temps intermédiaire, ouais, une 51. Il est derrière. Bon, il est plus tout jeune. Il s'entraîne peut-être aussi un peu moins qu'avant. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup entraîné aussi avec les Français, donc c'est sympa de l'avoir à l'écran. Allez, là, ça va être intéressant puisque Mathias Kiburtz, qu'on attend de voir, lui qui n'a pas pu courir la longue distance, on l'a dit, malade, ouais. Ce qui reprend du poids de la bête. Gros point d'interrogation pour Mathias Kiburtz. Ça a l'air pas mal, ça a l'air dans les temps d'Antonio Hansson. On va voir, 28 secondes, vous le voyez au premier pointage juste avant. Et là, au poste télé, un petit peu plus d'écart maintenant. Alors lui, il a l'habitude de finir très très fort ses courses. Donc s'il n'est pas trop loin sur les premiers inters, attention. Quelques hésitations pour Mathias Kiburtz. Ouais, c'est pas le seul. On les a vus pas mal flotter en approche de ce poste là, les uns et les autres. Ce qui nous donne des images dont on n'a pas forcément l'habitude sur des grands championnats. Vous voyez, hein. Et là, il ne faut pas perdre. Il faut vraiment prendre le temps de faire le point, de revérifier la direction. Voilà. Ouais, il était pas loin, mais on voit, ils sont en difficulté, même en étant sur la bonne trajectoire. Ça joue à pas grand-chose, ils décalent un tout petit peu à droite, à gauche, et tout de suite, c'est le doute. Ils n'ont pas forcément senti dans quel sens ils se décalaient, il faut refaire le point.
Et, intéressant, ouais, la comparaison entre Kratov, Johansson et Kiburt, ouais, sur ce fameux 5-6. C'est probablement là que Oleks a perdu du temps. On a vu que la traversée était quand même... Alexander Kratov, effectivement, dans le vert là, qui est venu se tanker. Et allez, on voit vraiment la vitesse. Le petit point rouge, là, ça avance pas vite pendant que les autres peuvent bombarder. Et vous venez de voir la petite boulette de Kiburt, vous voyez en direct, hein, le petit écart là sur la gauche. Alors que là, Mika Kirmula, que on voit au départ, le Finlandais Mika Kirmula. Intéressant de voir ce qu'il va faire. Lui qui était presque. Il n'avait presque plus envie de courir il y a quelques jours. Il voulait arrêter la CO. Il voulait arrêter la CO, et ben on va voir. Il est là ce matin, alors que là, Gustav Bergman, maintenant à l'écran, l'avant-dernier parti. Alors voilà une question intéressante. Grosse interrogation. Est-ce que Gustav va enfin prouver que c'est le meilleur au monde en forêt sur des courses techniques, tout simplement, hein. Il est capable de réaliser des... Il part fort, en tout cas. Ouais, en tout cas, le couteau entre les dents, ça, c'est pas une surprise. Maintenant, est-ce que... Ça, lui, ce qui est compliqué, c'est que... il a vite tendance à douter et pourtant c'est le premier mondial, mais il a besoin d'être rassuré en permanence, et s'il a un mauvais signal en forêt, ça peut vite s'effondrer assez vite. Il l'a fait souvent sur des courses. S'il se fait rattraper, voilà, c'est la cata. S'il fait une faute derrière, il a un peu de mal parfois à s'en remettre. Donc si tout se passe bien pour lui, il peut écraser la concurrence et gagner enfin son premier titre. Mais pour le moment, on en est loin. Ça va être difficile de faire une course parfaite sur ce terrain-là. On parle de mental, je vous le rappelle. Je vous le rappelle, alors que là, Max-Peter Beymer sera derrière Mathieu Perrin dans les temps plutôt d'Emmy Svenks. Je vous rappelle, on parle de mental. Ne ratez pas demain l'avant-course à partir de 8h20. On a un sujet avec une interview spéciale du préparateur mental de Loïc Cabernet et Didier Basset. Ça va être super intéressant de parler de ça. Max-Peter Beymer qui en termine. Voir les petits drapeaux suédois derrière les drapeaux français. C'est beau. C'est beau. Vous dire que ça fait plaisir, effectivement. Ça fait vraiment plaisir. On prend. Et, non, mais ça veut dire que. Alors, on a vu pour Loïc dans des conditions un peu spéciales, mais en tout cas, ça veut dire quand même qu'ils ont fait deux grosses courses. Parce que là, on a des clients derrière. Hein. Max-Peter Beymer. Alors que Oli Oyanao va en terminer. Oli Oyanao, il va faire certainement sauter un peu du podium, nos Frenchies. Ouais, c'est pas impossible. Il a eu l'air de faire une course bien belle course. Propre sur au GPS. Effectivement, sur la fin, Oli Oyanao, qui va venir s'intercaler. Deuxième place pour Oli Oyanao, qui va venir éjecter Mathieu Perrin du podium et s'intercaler entre Johansson, le Suédois, et Capbern, le Français. Oli Oyanao, deuxième place pour le Finlandais, 1 minute 48 de retard sur le temps d'Anton Johansson. Anton Johansson, franchement, alors il y a beaucoup de Suédois, ils sont tous très talentueux, mais là il a dû faire une course de malade. Très très grosse course, effectivement. Parce que voilà, venir claquer Oli, il a fait des courses vraiment solides techniquement ces derniers temps. C'était sur certaines courses même le seul à pouvoir matcher Gustav Bergman par exemple. Et donc venir comme ça sur une course technique, mettre 1 minute 30 à Oli Oyanao, vraiment chapeau. C'est vrai, tu le disais Mathieu, que c'est intéressant ce que tu dis, puisque sur les dernières courses, on a vu Oli Oyanao, notamment en Suède, quasiment dans les mêmes temps que Gustav Bergman. Sur des parties de course, en tout cas, être capable de jouer avec Gustav Bergman sur son terrain en Suède. Donc on s'est dit, attention, ça monte la préparation de Oli. Ça peut jouer. Et bon, il est bien, hein, il fait une course solide, mais il est quand même loin de Johansson. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Là, je suis curieux de voir ce que vont faire les vraiment tout meilleurs face au temps d'Anton Johansson. Et à commencer par les prochains intermédiaires avec nos Estoniens aussi, que l'on va attendre. Flo Wald qui, d'habitude, tire bien son épingle du jeu techniquement. Mais là, on sait que ceux qui font le choix d'aller tout droit perdent rapidement du temps. On a vu Alexander Kratov faire un choix un peu comme ça et prendre 2 minutes sur ce choix 5-6. Donc Kratov est passé par le sud, Oval passe au milieu. Ouais, et un peu la même chose, dans la même idée d'aller un peu droit sous le trait en essayant de passer dans le vert 2, mais on voit que ça paye pas. Le dernier départ Tomáš à l'écran, Tomáš Krivda, le tchèque. Qualif. Alors oui, on en a déjà parlé 2-3 fois, notamment sur le format urbain. On sait qu'il a du gaz, mais pour le moment, je le vois encore. Difficilement être capable d'aligner une course parfaite sur ce genre de terrain. Retour avec Kenny Kivikas, l'Estonien, le local, qui est derrière. Retour du soleil, effectivement. Qui est derrière Kenny Kivikas, qui a fait manifestement
sur ce poste 4-5 maintenant que vous connaissez bien, le choix par le sud et donc qui aurait perdu du temps, on l'a dit, hein, Kratov qui a perdu plus de 2 minutes. Eh bien, Kvyat. Ouais, alors nous, en discutant avant la course entre nous, hein, j'avais dit, j'espère que la course ne va pas se jouer sur ce choix 4-5. pour le moment, on voit que ça fait quand même des grosses diffs. Hein. Donc, parce que voilà, en tant qu'orienteur, on n'a pas envie que la course se joue sur est-ce que je prends le risque de traverser le vert ou pas. C'est un choix qui ressemble un petit peu à ce qu'on a eu sur la longue distance, c'est-à-dire est-ce que je prends le risque de traverser la rivière ou pas, alors que c'est marqué comme un élément infranchissable. Là, le vert 2, c'est pas infranchissable, mais si on a un peu de chance, on va trouver une trace. Si on n'a pas de chance, on peut rester complètement tanké et perdre 2 minutes. Donc introduire un peu trop de facteurs chance dans un tracé sur une moyenne distance à mon goût. À l'écran, ça va être ça aurait pu être intéressant avec Florian Ovald. Vous le voyez qui était en avance il y a quelques balises et là, avec son choix tout droit, il a perdu beaucoup de temps. Florian Ovald. Bah, Oleg, ça avait perdu pas loin de 2 minutes. Ça risque d'être la même chose pour Florian. Effectivement, Florian Ovald, le Suisse, qui à un tiers de la course ne fait pas un super départ. Une 27 de retard. Bah, il a fait un plutôt bon départ. Ouais, mais au premier tiers, manifestement, il n'est plus. Ouais, voilà, mais sur seulement un choix. Et... Intéressant à l'arrivée. Eskil Schinneberg qui va en terminer. Eskil Schinneberg qui va venir jouer la médaille de bronze, certainement, puisqu'il va, il va dépasser Oyanao, mais il va être juste devant Loïc Capbern à quelques secondes, certainement. Troisième place provisoire, parce qu'on est encore assez loin des médailles. Là. Ah, ça va jouer à rien du tout entre Loïc et Eskil Schinneberg. Quelques secondes. Est-ce qu'il va se jeter derrière, comme Loïc sur le chaos sprint? Non, il n'y a pas besoin, il va être devant pour une petite seconde. Non, ou pas. Troisième ex aequo. 2-0-2, tous les deux. Troisième temps pour Schinneberg et Capbern. Mais il n'a pas sprinté, donné tout ce qu'il avait. Il a dû faire une petite faute à un moment et être un peu déçu, j'ai l'impression. C'est l'impression qu'il donne en tout cas à l'arrivée. Donc alors, vous voyez ce fameux choix 5-6 et le meilleur temps pour Loïc Capbern sur ce choix. Vous avez vu 5-0-1 juste devant Johansson avec en direct Laurie Sild. Probablement parce que les deux étaient déjà ensemble, Robin. Exactement. Et donc du coup le meilleur temps pour Mathieu, pour Loïc Capbern quand même, avec sur ce choix-là. Alors que là on a un Laurie Sild. Alors les deux ils sont. Moi je me rappelle jamais qui est qui. Ils ont 2 ans d'écart seulement les deux. Ils sont relativement proches en termes de performance. Et je serais incapable de dire, en les voyant, si on a Laurie ou Timo. Laurie Sild avec c'est Laurie. Un petit peu d'écart. Ouais, un petit peu en retard. Alors il me semble que Laurie c'est le plus jeune, si je me trompe pas. Exact. Et il me semble que 90, c'est lui quand même qui a la meilleure perf. Il avait fait un top 6 sur un championnat du monde, sur une moyenne de championnat du monde. Donc potentiellement, c'est peut-être lui qu'on attend un peu plus aujourd'hui. Mais les deux ont réalisé exactement le même temps sur leur course de qualification mercredi. Donc c'était marrant. C'est vraiment difficile de les départager au point qu'ils font les mêmes chronos sur leur course. Et Albin Riedefeld. Alors, où en est Albin? Qu'est-ce qu'il va nous faire, Albin Riedefeld? Il avait été hyper costaud sur la qualif, mais peut-être... j'ai l'impression qu'il n'en avait pas beaucoup gardé. Il avait fait une bonne course, mais en mettant pas mal de gaz. Ah, il va être pas mal... certainement dans les temps de Johansson, à voir. Non, il est déjà derrière. Hein. Oui, on sait il a juste de passer derrière à l'instant, donc on va voir. On sait que là, il y a un petit moment de forêt avant de retomber dessus. Bon, on a perdu le caméraman de forêt là, qui est parti sur un autre coureur, donc on ne va pas l'avoir tout de suite. Mais en tout cas, oui, c'est un bon départ pour Albin. Quasiment dans les mêmes temps, effectivement, pour Albin Riedefeld, avec une 16 secondes exactement de retard par rapport à Anton Johansson. Très bon départ pour lui, très très bon départ pour Albin Riedefeld. Ah, pour l'instant, c'est mitigé. On ne sait pas ce que ce temps de Johansson vaut. Est-ce que c'est vraiment la meilleure perf du jour? Est-ce que pour l'instant, chacun est un peu derrière? On sait que c'est une course énorme. Belle course. La question, ouais, c'est est-ce que ça va suffire comme pour Evelina et Mathias Kiburtz qui lui. Alors voilà, si les favoris à l'image de Mathias font des fautes. Et là, vous voyez déjà l'écart qu'il y a entre Kiburtz et Johansson. Une petite faute en approche de 10. Plus de 2 minutes. Anton, il a pas attendu. Pour voir, lui, il continue, il fait sa course.
au premier pointage intermédiaire. Ça, c'est les temps. Vous voyez, hein, il y en a nombreux dans la minute, mais derrière, derrière, ça a perdu du temps. À l'image de Mathieu Perrin, qui était 49 secondes derrière le temps de Anton et qui est à 2 minutes 48 à l'arrivée. Ouais, et puis avec une bonne course. Avec une bonne course, exactement. Donc Anton Johansson a vraiment été super costaud. À ce pointage intermédiaire, on n'attend plus que 4 athlètes. Timo Sild, Mika Kermoula, Gustav Bergman et Tomáš Krivda. On n'a pas vu Ruslan Glebov, hein, qui est un costaud. Ah bah le voilà, une 37 de retard. 37. Donc il est un petit peu derrière aussi. Qui est-ce qu'on a d'autre encore derrière? On va attendre de voir les derniers partants. Hein, c'est surtout, ce que je viens de te dire, hein, Timo Sild, Mika Kermoula et Gustav Bergman. Et Tomáš Krivda, bien sûr. Anton Johansson qui est là sur la chaise de leader. 40 men has finished. Il attend un peu, voilà, tranquillement. Evelina Karasikou va aller chercher sa médaille, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors nous sommes avec Timo Sild maintenant. Voilà le grand frère. Alors comment il est par rapport au petit frère et surtout comment il est par rapport à Anton Johansson. Timo Sild à l'image. Dans la coupe qui permet de voir cette zone. Le caméraman est derrière, on va voir les images. Oh, il a l'air tranquille. Hein. Bonne course effectivement, bon début de course pour Timo Sild. Hein. Sur le tempo, c'est marrant, on a l'impression qu'il est... Il est en gestion. En gestion, ouais, tout à fait en contrôle dans cette forêt si particulière, ça se réouvre un petit peu. Il a l'air d'être bien. Il est bien sur ce premier poste TV. Ah, il est sous la minute. Hein, Mathieu Perrin, sous la minute. C'est correct. Bon, on va voir. C'est correct. Très correct. C'est ce qu'il faut sur un début de course. Hein, faut... Alors qu'on revient sur Oleks. Oleksandr Kratov au pointage intermédiaire numéro 2. Malheureusement pour lui, on a vu, il a perdu beaucoup de temps sur son choix à travers la végétation. Donc probablement que ça va être compliqué pour lui. On voit déjà 2 minutes 40 de retard. Oui, il va être loin, effectivement, Oleksandr Kratov, l'Ukrainien. Oleksandr Kratov, alors qu'à l'arrivée, c'est Daniel Hubmann. Daniel Hubmann, le Suisse. On l'a pas vu, on ne sait pas trop où il en est, mais... Probablement c'est pas, pas la grosse course, effectivement. Au-delà de la 8e place, quasiment, oui, il sera au-delà de la 8e place. Daniel Hubmann. Nos deux petits Français, là. C'est pas mal, hein. Ça reste toujours, je vous rappelle, hein, Loïc Capbern qui est toujours 3e ex aequo et Mathieu Perrin, 5e. Intéressant. Il y a quelques leaders qui commencent à sauter. Il en reste 10 à arriver derrière Daniel. Hein. Ouais, donc pour Loïc, c'est top 15, c'est sûr. Ouais. Donc on est pas mal. Alors, on est pas mal. On n'a pas évoqué en avant-course. On avait eu Charlie au téléphone. Charlie Boischu, l'entraîneur de l'équipe Charlie de France. Charlie Boischu qui annonçait une course très ouverte, évidemment. Et sur qui dit course ouverte, dit course où tout est possible. Ben, on l'a bien vu avec Evelina Kalasikou. Hein. Et donc il avait anticipé en disant si un de nos coureurs peut arriver à sortir la grosse course le jour J, pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc il m'avait parlé d'un... Il avait très envie qu'au moins un des coureurs puisse aller chercher un top 10. Ça pourrait des bases comme ça. Hein, alors que c'est intéressant puisqu'on voit que Bergman lui a fait le choix d'aller droit. Et là, c'est incroyable. Ça va faire du dégât c'est à l'arrivée. Incroyable parce que voilà, je vous avais dit, j'espère que la course ne se jouera pas sur ce choix 5-6. Et pour l'instant, Gustav Bergman derrière. C'est la course à élimination. Tous ceux qui ont fait ce choix-là, ils sautent des places à la médaille, hein. Non, là on suit Mika Kermoula. Maintenant on est avec Mika Kermoula qui est un peu derrière. Il est derrière, hein, qui lui aussi a du débours. Il est derrière, mais bon, il était déjà une minute au poste 5. Et là il a reperdu encore un peu de temps. C'est fou comme ce petit poste 5-6, on voit, hein, il y en a qui perdent jusqu'à 15-20 secondes sur un tout petit interposte. Ouais. Mika Kermoula, 1-26 de retard. Et oui, hein, comme tu dis, c'est une course à l'élimination, on dirait, hein, pour l'instant, puisque Gustav Bergman, manifestement, qui n'est pas dans le coup pour l'instant, il aura perdu du temps. Il est très très fort techniquement sur des zones techniques, hein, comme il y a plus loin dans la course, autour du poste 12-13. Mais voilà, sur un choix 5-6, là, on n'est pas sur des techniques classiques. C'est,
c'est faut avoir un peu de nez, faut tu parlais. C'est pas un choix très typé moyenne distance. Et bon, il y a des même les meilleurs là se font pas mal avoir sur ça en essayant quand même de rester près du trait rouge. On sait qu'en moyenne distance, les coureurs ont tendance à privilégier hein, d'aller chercher le trait rouge pour faire un minimum de distance. Mais voilà, sur un trait rouge qui traverse une telle zone de verdeux, et ben on voit c'est pas payant. Il faut avoir la lucidité de se dire non, je vais chercher le choix qui enroule. Ruslan Glibov, à l'écran, le solide ukrainien. 1,53 de retard sur ce deuxième pointage. Je vous rappelle que Anton Johansson, le Suédois qui a le meilleur temps à l'arrivée, a tous les meilleurs temps provisoires, hein, au premier, deuxième et à l'arrivée. Mais franchement... C'est pas mal, hein. Ça sent bon, hein. Ça sent de mieux en mieux là, pour lui. Allez, Bergman, voyons voir. Il va nous faire mieux qu'Evina. Bergman là, qui avait un peu de temps, eh bien, il est derrière, 47 secondes, voilà, 47 secondes... au 7e, et bien voilà, il a perdu plus d'une minute hein, sur ce fameux poste à poste. Ouais, il a perdu 5-6. Il a perdu moins que les autres. Donc il est quand même encore dans le match, lui. Il est sous la minute. Et alors est-ce qu'il va être en capacité avec surtout qu'il attaque là la zone qui lui correspond mieux au niveau technique. Intéressant, donc, Mathias Kiburt maintenant. Et Mathias, intéressant, mais intéressant de voir qu'il est très très loin. Effectivement, Mathias Kiburt, il est pas là aujourd'hui. Il sera pas là aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas le grand Mathias Kiburt qu'on connaît. Ouais, il avait fait une bonne course au World Games en juillet, mais derrière ça a été compliqué pour lui et. Voilà, alors là, les Suisses, heureusement, ils ont Simona aujourd'hui, mais sinon, pour le moment, le championnat côté, est compliqué pour eux. Ouais. Ouais, ils passent à côté. Ouais, ça nous permet de voir que Quentin Moulet, à ce moment, était aussi dans ces eaux-là. Dans le même temps que Mathias Kiburt. Ouais. Allez, à l'arrivée, Aston Kay. Aston Kay, l'Australien. On va voir un petit peu le spécialiste urbain. Ah, il est loin, évidemment, c'est pas une surprise. Et donc, je vous rappelle, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a toujours un Français, troisième, Loïc Capbern, troisième ex aequo sur cette ligne d'arrivée, avec Mathieu Perrin, cinquième, deux Français dans le top 10 pour l'instant. Mais sur les tout meilleurs qui s'élancent à la fin, on a vu, Gustave est un petit peu derrière, on n'a pas de nouvelles de Thomas, Mika, ça semblait pas dingue, les frères Sild Thomas sont Krivda, là, mais Mika un petit peu derrière. Effectivement, les frères Sild. On a Albin Riedefeld. Le voilà, c'est Albin Riedefeld, effectivement. Donc on voit que là, il est un peu derrière, mais il est quand même à la bagarre là. Donc c'est intéressant. Est-ce que ça va être le premier vraiment à pouvoir venir jouer et matcher la course d'Anton Johansson? Ouais. Anton, il a été incroyable. Hein. Ouais, ça file droit au poste, ça s'arrête pas. Et là, Albin fait une toute petite virgule. C'est Riedefeld qui fait une petite virgule. Albin Riedefeld, oui, pardon. Et puis on voit tout de suite Anton reprend un peu le large, donc ça veut dire qu'il était vraiment sur un tempo incroyable. Belle course. Alors effectivement. Loïc nous l'a dit, hein, il a eu la chance de voir ça en étant en première loge, hein, parce qu'il était avec Anton pendant sa course et il disait c'était incroyable de voir sa vitesse. Effectivement, ouais. Alors intéressant puisque Noval, là ouais, il a réussi à reprendre du temps. Ouais. Premier, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu un coureur sous la minute. Venir quasiment sous la minute, il va passer légèrement, mais il n'est pas encore au radio. Quand on sait qu'Anton Johansson a fait une super course derrière, ça va être compliqué, hein, puisque une minute sur le deuxième intermédiaire. Il est bon sur ce genre de terrain, hein, donc il faut se méfier de lui, mais voilà, pour venir jouer bagarrer avec Anton Johansson, là, il faut sortir quand même la course. Hein. Et ce serait une sacrée surprise là. Vraiment, on disait que la course était dubitatif. On disait que la course était ouverte, mais ouverte parmi un nombre de prétendants, d'outsiders vraiment importants, mais qu'on avait listé. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas mis Anton Johansson dedans. Et Florian Novald, est à côté de son poste. Ah, stop, pas évident en plus avec le caméraman qui vous suit derrière, le stress qui monte. Vous voyez que vous n'êtes pas loin, il y a le caméraman, mais en même temps, mais vous n'êtes pas sur le poste. On voit bien avec ces images-là. Vous voyez ce mur de végétation, eh bien, limite, on n'arrive pas à savoir si le terrain monte ou descend. Oui. On n'a pas. C'est vraiment difficile de s'appuyer sur les éléments
qu'on a noté sur la carte. On se dit, tiens, je vais passer à tel et tel élément. Mais une fois qu'on est sur le terrain, les éléments, il faut vraiment être dessus pour les voir. C'est terrible. C'est terrible. Les grosses secondes qui. Mais là, on sent, hein, comme tu dis, ouais, Mathieu, c'était intéressant de voir qu'il était dans un petit flanc. Il faut se battre avec la végétation. On voit pas très bien. Et en plus, voilà, c'est crado. Donc le recalage, il est d'autant plus coûteux qu'il se fait sur une zone qui court pas bien. On sait pas dans quelle direction aller pour aller trouver un élément pour se recaler. Ah là, c'est bon, on a en direct l'illustration de comment passer perdu à côté de sa course. Il n'était pas loin, hein, il était juste du mauvais côté de la colline, hein, grosso modo. Mais on reverra. La comparaison, voilà. Revoir, du coup. On va revoir. Je vous rappelle, la balise télé, c'est la balise numéro 16. Donc voyons numéro voir. 16 ou 15, non, c'est 16. 16, c'est le poste contrôle, ouais. Farone va le regarder, il tourne là à côté. Ouais, c'est ça, il était juste du mauvais juste côté. Juste à côté, quoi. Tac, le petit sommet, et il trouve. Et voilà, en regardant au GPS x10, ça a pas l'air d'être terrible, mais quand on est en course et qu'on est dans sa situation, là c'est terrible, hein, mentalement. Et vous voyez qu'il était à la bagarre avec le même temps que Oyanao, donc c'est-à-dire pour la deuxième place, hein, et là il se retrouve plus d'une minute derrière, donc ça veut dire qu'il a même dépassé le temps de Loïc Capberne, par exemple. Allez, là, ça va être intéressant. Albin Riedefeld, au deuxième pointage intermédiaire. Alors, lui, c'était le seul qui pouvait matcher. Eh bien, il vient de matcher avec. Attention. On ne s'enflamme pas, mais bon. On est à la balise, effectivement, on est à la 15. Il est dans les chronos, vous voyez, il était à 15 secondes, 16 secondes, 19 secondes. Combien ça va faire? Là, je me rappelle plus combien il y a de temps pour aller jusqu'au radio, mais en tout cas, lui, il est dans le tempo, lui. Ouais, et puis là, il a l'air d'être solide. Hein. Solide, il traverse, il mange la forêt. Ben, en tout cas, on voit pas les hésitations qu'on a pu voir chez certains autres, où ça flottait un petit peu en approche. C'est là où faut être bon sur la direction et faut être confiant dans cette direction-là. Il a repris un peu de temps, plus que 6 secondes. Là, en tout cas, sur ce poste, on voit c'est propre. Quoi. C'est magnifique. C'est sharp, comme je disais avant. Albin Riedefeld, donc deuxième au pointage intermédiaire, vous l'avez vu, qui vient de s'intercaler entre son collègue Anton Johansson et... Oli Oyanao, alors qu'à l'arrivée c'est Alexander Kratov qui sera loin, très loin même maintenant, puisqu'il sera derrière Mathieu Perrin, vous le voyez, cinquième, derrière Max-Peter Beimer, le Suédois. Et alors c'est pas très loin non plus, je te trouve un petit peu dur avec eux. 3 minutes en moyenne distance, on a l'habitude que ce soit plus serré que ça quand même. Aujourd'hui, pour l'instant il y a une 48 d'écart entre le premier et le deuxième. Ça dépend des terrains. Je rappelle, Thierry avait déjà gagné avec 1 minute 47 d'avance. Donc, et voilà, 1:48 pour l'instant entre le premier et le deuxième. 3:24 pour Kratov. 3:24 pour le Kratov. De retard, ce qui le place donc à la 8e place. 2:37, je crois même, en Suisse, en middle en 2003. Mais Thierry était vraiment là, il était vraiment au-dessus du lot. On peut le dire. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Anton Johansson. Ce qui montre la perf d'Anton Johansson aujourd'hui. C'est incroyable la course qu'il a fait. Laurie Sild. Alors les frères Sild. À l'écran. Laurie Sild, l'Estonien. Laurie là, place. C'est derrière. Ça va être difficile de revenir jouer devant. Il était dans les mêmes temps qu'Oyanao. Hein, ouais. Mais faute à la 12. Voilà, exactement. Voilà. On voit en comparaison avec Oli. Encore une fois, hein, on l'a répété souvent. Hein, c'est un petit décalage en approche. On n'est pas loin, mais là, il faut être vraiment précis sur les approches pour aller chercher son poste. Sinon, tout de suite, c'est des grosses secondes qui s'envolent, encore plus sur ce terrain-là, parce que voilà, la visibilité, le recalage difficile. Et course à élimination, voilà, celui qui fait le moins de fautes. Intéressant ce deuxième intermédiaire, hein, puisque je vous rappelle qu'à l'arrivée, c'est Anton Johansson qui est en tête et Oli Oyanao au deuxième. Albin Riedefeld qui vient de passer et Miss Vengs, qui a sauté. Les Suédois sont un peu passés à côté, mais là pour le moment, les Suédois ils sont costauds. On en a quand même 4 dans les 5. Au deuxième intermédiaire, Anton Johansson et Albin Riedefeld qui jouent la médaille avec seulement 6 secondes d'écart. Et puis les deux petits drapeaux français. Hein. Et puis Loïc Capberne et Mathieu Perrin, tout à fait. Donc Loïc Capberne toujours 3e à l'arrivée pour le moment. On espérait pouvoir avoir des Français à la bagarre pour le top 10. Alors tiens, pour le moment c'est le cas. En direct, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, Johansson, ça va être vraiment intéressant parce que là on a le match, hein. il est là le match. À la 16, je vous rappelle, ils n'ont que 6 secondes d'écart. Ouais. Hein. Riedefeld, 6 secondes d'écart sur Johansson. Il est en train de prendre un petit peu de l'avantage, mais on sait qu'Anton Johansson a fait quasiment la course parfaite. Donc ça veut dire qu'Albin, lui aussi, doit être parfait jusqu'au bout. Et là, à ce point-là de la course, GPS pour Riedefeld. Ouais. Mais
Ou alors il est dans le vert, tanké de chez tanké. Non, 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 c'est parce qu'on arrive à un moment où il va être en live. Mais ça veut dire qu'il n'a plus que le retour à faire. Il lui reste. Là, il souffle. Là, ces minutes-là, elles sont terribles. Elles sont à la fois. Ouais, elles sont super, hein, parce qu'évidemment, il vaut mieux être à sa place qu'au fond de la tente après une course ratée. Hein. Mais évidemment, là, c'est vraiment dur pour les nerfs. Il est en train de s'assurer une médaille, on dirait, hein, effectivement. Alors que Oli Oyenao, lui, est deuxième, bien accroché. Alors, on va voir si Almin Riedefeld. Là, c'est à l'arrivée, hein, le provisoire à l'arrivée. Deux Français dans le top 5 pour l'instant. Il en reste pas beaucoup, hein, c'est quand même super intéressant. Ouais, il reste plus grand monde à l'arrivée. Hein. Et puis, vu ce qu'on voit sur la course, on va attendre. Bon, Tomasz Krivda, on a. Pas de nouvelles de Thomas. Qui est passé avec une once de retard au premier intermédiaire. Et puis maintenant, on va attendre Gustav Berman, hein, qui avait seulement 47 secondes de retard. Donc au deuxième intermédiaire, ça va être intéressant. Antonio Hansson qui parle avec Ole Böström, un coach de l'équipe, un ancien coureur qui a eu des très bons résultats pour les Suédois, notamment en longue distance. Donc, Alors Mathieu, je fais le point. Il reste donc Gustav Bergman, Timo Sild qui était dans le match à moins d'une minute, hein, au premier intermédiaire, et Tomasz Krivda. Timo Sild. Ouais. Ça, ça va être intéressant. Timo Sild, qu'on attend, qui avait 53 secondes de retard au premier inter. Sur Radio 2, on va voir son temps s'afficher pour savoir s'il est encore dans le match ou pas. Plus trop. Ouh là là, plus loin pour Timo Sild, effectivement. Donc, plus loin. Eh bien, un autre prétendant, hein, qui passe alors, derrière. On a vu Laurie qui faisait une faute sur le poste 12. Là, on voit que Timo aussi est un peu décroché. Donc, ça va être compliqué. On n'aura pas de deuxième surprise estonienne aujourd'hui. Ouais, effectivement. Et Laurie Sild et Tommy Sild sont derrière. Alors que Ruslan Glibov en termine à la 10e place pour avec son collègue Olex. Les deux. Top 9 provisoire, mais ça va reculer un peu. Mathias Tiburt, on a vu que c'était pas forcément sa journée. Alors est-ce qu'il a complètement récupéré de ses soucis physiques? Visiblement pas, parce qu'il a vraiment lâché là sur la fin. Alors est-ce qu'il s'est aussi dit bon, c'est pas mon jour, je me préserve parce que demain on peut encore tenter quelque chose? Non, pas compliqué. Hein. Non, pas trop. Alors oui, on en met moins sur la fin, mais. Ouais, forcément, il a dû lâcher un peu. On voit un petit coucou à la caméra quand même. Alors que Gustav Bergman, on se pense, parce qu'il n'y avait que quelques secondes d'écart. Mais ouais, et puis là, c'est vraiment les tout derniers à partir. Donc là, on est vraiment dans le money time. Qui a repris Mika Kermula. Qui partait 2 minutes devant. Donc ça doit être un retour positif pour lui. On a dit qu'il avait besoin de retour positif en course. Donc ça c'est quelque chose qui peut l'aider. On voit qu'il est dans le match. Gustav Bergman. Il n'est pas encore revenu, mais il a perdu du temps un petit peu. Ouais, mais il en a repris aussi. Donc, il a fait un peu le 47-35, ouais, tout à fait. Alors, à combien il était au dernier pointage? Ouais, il en a repris, mais pas 24. Il a repris un peu de temps. Pas énormément, mais bon, là, il est quand même. Il est quand même dans le match. Hein. Ouais, tout à fait. Donc ce serait pas mal d'éviter un triplé suédois quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, pour l'instant, parce que là, pour ça le moment, part comme ça. Hein, pour le moment, là, c'est quand même. Les Suédois là, sont costauds sur cette moyenne distance. Alors là c'est intéressant. Albin va chercher le chemin. On n'en a pas Riedefeld, vu. On n'en a pas vu le chemin pour la 20. Albin Riedefeld, ouais, qui va chercher. Qui fait un choix, alors qui n'est pas très suédois, mais. Est-ce que c'est payant? Ouais. On approche. Légèrement. Il était déjà légèrement devant. Il est peut-être, il a gagné peut-être un petit peu, mais. Effectivement. En tout cas, c'est pas un choix que les Suédois ont l'habitude de faire. Et ils aiment bien quand même aller proche du trait rouge. Parce qu'ils ont des terrains qui sont pas aussi denses en végétation. Donc ils n'ont pas de besoin d'aller chercher comme ça des choix sur l'extérieur. Enfin, loin du trait. Donc il est malin, Albin, là. Avec Kenny Kivikas qui en termine, l'Estonien. Ouais, une course solide pour lui, hein, à domicile. C'est un bon coureur, mais c'est pas un prétendant à la médaille habituellement, donc probablement une bonne course pour lui.
Florian Hovald maintenant à l'arrivée. Florian, on l'a vu, hein, il a fait un peu le yo-yo, il a fait un choix qui n'était pas terrible, mais il était quand même revenu. Ah, il est solide, hein, il est là quand même. Hein. Alors il va passer derrière Mathieu, nous ça nous arrange, hein, tant qu'à faire. Voilà, on voit, il était bien parti, et puis ce fameux choix 5-6 là dans le vert lui a fait du mal. Et, il a jamais pu revenir complètement aux avant-postes. Florian Hovald, derrière Mathieu Perrin, ah, vous le voyez. Une nouvelle place pour lui autour du top 10. Hein. Le Suisse Florian Hovald, alors que derrière on attend, hein, dans quelques instants Albin Riedefeld, puisque on attend, hein, il avait 6 secondes de retard au dernier attentat. Le voilà, et bien il suffit d'en parler. Albin Riedefeld qui va venir. Ah, ça doit être costaud. Ça. Il est solide, non. Il est solide, et oui, oh là 15 secondes. Il avait inversé la tendance, et il a 35 secondes pour arriver. Ah, il me semble bien grosse que, course. Il me semble bien que c'est. Et on se dirige bon pour l'instant sur au moins un doublé suédois, voire mieux. Albin Riedefeld qui est en train d'appuyer sur la course et qui va venir prendre le meilleur temps provisoire en 35 minutes et 40 secondes. Le nouveau meilleur temps, Albin Riedefeld. Est-ce que ce sera le champion d'Europe? Eh bien, seul Gustav Bergman, Gustav, hein, peut ça. Venir le battre. Il n'y a plus que Gustav. Et oui. Et donc on part peut-être pour un triplé suédois. Albin Riedefeld, Anthony Hansson, ça c'est sûr. Ah, il peut être content de lui. Hein. Ouais. Et il a souvent été en position de faire des bonnes courses, mais mentalement, il a souvent eu des difficultés à aller au bout. Et là, on voit, c'est un soulagement pour lui parce que, malgré des capacités, il est toujours passé un petit peu à côté des courses de grand championnat. Et là, ça sent quand même très très bon pour lui aujourd'hui. Alors voilà, il reste Gustav qui, on l'a vu, était sur plutôt un bon momentum. Hein, l'impression qu'il était capable d'aller regagner un peu de temps sur la fin. On va voir si c'est le cas, mais les deux Suédois qui se congratulent. Anthony Hansson. Anthony peut être content, je veux dire, il y a peut-être cru, hein, quand même. Il y a peut-être cru. Ah, il va faire médaille, c'est sûr. Mais voilà, d'argent. Ouais, médaille d'argent. Et puis, est-ce que ça sera argent ou bronze? En gros, hein, Gustav Bergman peut venir encore le détrôner. Passer à la GEC, hein, donc c'est à ce moment-là qu'on sait si. Non, on ne le verra pas. On a vu Simona qui s'est précipitée à la GEC pour être sûre d'avoir bien tous les poinçons. Alors Tomáš Krivda, pour le moment on ne l'avait pas encore eu Tomáš, c'était le dernier assez lancé. Et voilà, il est un peu en retard. Alors faire une très bonne qualif c'est bien, mais faire une trop bonne qualif des fois, voilà, il n'y a personne du coup. Ouais, je pense qu'il aurait préféré être juste un peu moins bon en qualif et avoir des coureurs derrière. 5 Suédois. Il est tout seul en forêt. 5 Suédois dans le top 6. Loris Hild qui en termine. Alors Loris Hild, ça va faire des courses solides pour les Hild, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient sans doute à domicile. Donc Loris, le plus jeune des Hild, celui qui est un peu plus fort en moyenne distance d'habitude. Mais on les a vus, les frères Hild, faire des erreurs aussi. Hein. On a parlé de l'avantage de courir à domicile. Bon, ça garantit pas des courses sans erreur non plus. Hein. Notamment quand on est à la limite. Hein. Là, on donne tout et une erreur est vite arrivée. Et là, ouais, ce sera pas. 13e pour Loris Hild. Pour aujourd'hui, pour les Hild. Allez, c'est pas compliqué. Il reste exactement 2 minutes à Gustav Bergman pour arriver au pré-warning. Donc, c'est-à-dire 3 minutes pour l'arrivée. Voilà, c'est les 3 minutes les plus longues pour Albin Riedefeld. Est-ce que Gustav a réussi à inverser la tendance? On l'a vu gagner des petites secondes entre les différents radios. Mais Albin et Anton étaient encore devant. Est-ce qu'il va arriver à faire une fin de course canon pour aller coiffer ses deux collègues sur le podium? On va le savoir. Assez vite. Ouais, là, on voit. Le comparatif. Il était plus très loin. Il se rapprochait. Maintenant, il y a le retour où on sait il faut traverser des zones de vert, il faut se battre. Albin a été un malin, je pense, en allant chercher le chemin. On a vu que sur les deux longs choix, ça avait quand même payé. Alors, voyons voir, effectivement. Bergman toujours un petit peu derrière Johansson et Riedefeld. Riedefeld qui c'est sur ce poste-là, Riedefeld, tu nous dis, qui est passé par la gauche. Là, il en avait marre du vert, il a dit allez, c'est fini. Je prends le chemin. Qu'a fait Gustav Bergman? Je vais chercher l'extérieur. Tout droit. Et Bergman, lui, c'est plutôt un coureur à aller chercher la ligne. Ouais. Eh bien, on dirait que ça a payé pour Riedefeld.
Riedefeld, ouais, puisque Bergman est toujours derrière. On a surtout l'impression que Gustav Bergman n'arrive pas à revenir sur Anton. Sur le temps d'Anton Johansson, effectivement. Ouais, ça sent quand même... On est en direct avec Gustav Bergman, que vous voyez en violet. Ça sent le triplé, ça je pense que à part... bon là, Gustav, il lui reste ce poste 20. Il n'est pas à l'abri d'une faute, mais on voit il est quand même bien calé là, sur la direction. Il va arriver au petit marais à l'entrée du cercle. Derrière, ce sera quasiment terminé pour lui. Hein, le poste 21 est l'arrivée. Là, pour eux, c'est vraiment c'est cadeau hein, ça, pour des coureurs élites de leur niveau. Donc, on voit mal comment on pourrait échapper à un triplé suédois aujourd'hui. Là, effectivement, ça a l'air de partir fort. Et vous voyez Oyanao, hein, qui est troisième actuellement. Qui est bien voilà, sur son temps comparatif, il est bien derrière. Donc Bergman a plus d'une minute d'avance hein, sur Oyanao. Donc effectivement. Ah, mais c'est bien pour Oli. Hein. Ouais, quatrième, c'est Oli, solide. Ouais, hein. Quatrième, c'est bien. C'est bien, c'est bien, effectivement. Et puis du coup, on a nos petits Français hein, aussi qui seront bien placés. Et pour l'instant, top 5 pour Loïc, top 7 pour Mathieu. On va attendre, il y a encore Kirmoula qui peut s'intercaler, mais ça sera top 10 pour nos deux Français. Hein. Alors ouais, Mika, on l'a vu, hein, il était avec Gustave. Il me semble encore sur le radio d'avant, donc probablement il devrait être bien classé à l'arrivée aussi. Mais là, ouais, là les dés sont joués, les carottes sont cuites. Riedefeld qui s'impose et qui est donc officiellement le champion d'Europe. À faire la fin de course canon qui. Il aurait dû faire pour rattraper ses collègues. Et toujours pas de médaille, toujours pas de titre de champion hein, pour Bergman. Toujours pas de titre en compétition internationale comme ça. Ouais, bon, c'est beaucoup de médailles, mais pas de titre. Ouais, il se satisfera peut-être quand même, j'imagine, de cette course. Parce que sur on l'a vu, hein, il y a quand même beaucoup de très bons coureurs qui sont passés à côté. On peut pas partir complètement confiant sur ce genre de course, sur ce terrain-là. Donc... Allez, voilà, Gustav Bergman qui va venir certainement prendre la médaille de bronze. Le temps va nous le et Kirmoula, confirmer. Qui n'est plus là. Alors, est-ce qu'il est devant, est-ce qu'il est derrière? Nous, ça nous intéresse directement pour savoir la place de nos Français. Ouais, effectivement. Alors, on va attendre puisque Kirmoula est annoncé aussi. Donc, on va juste suivre la fin avec Bergman qui va venir prendre la troisième place. Ça, c'est officiel. Ça sera donc un triplé suédois et Kirmoula qui est devant. Et donc Kirmoula va prendre la 7ème place, c'est-à-dire qu'il est derrière Loïc. Oui, mais devant Mathieu. Et devant Mathieu. C'est ça. Juste devant Mathieu, une trentaine de secondes devant Mathieu. Mathieu Perrin. Gustav Bergman, médaille de bronze pour le Suédois. 37 secondes, c'est un triplé Suédois. 3 Suédois en 37 secondes, rendez-vous compte. Albin Rindefeld, champion d'Europe. Anton Johansson et Gustav Bergman. Oli Oyanao qui fait donc 4ème. Alors que là, c'est la 5ème place pour Loïc Capbern. Énorme perf de Loïc Capbern. Alors effectivement, il a été aidé par Anton Johansson, mais c'est la CO, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais on peut pas dire énorme course, c'est énorme résultat. Énorme résultat en tout cas. Résultat. Énorme résultat. Il a marqué des gros points en Coupe du Monde. Et voilà. En tout cas, il a montré, il a pris une leçon de CO en direct en suivant, en montrant ce que c'était que d'être à cette allure-là. Parce que là, Anton Johansson, c'est sûr, c'était vraiment impressionnant la course qu'il a faite. Magnifique, effectivement, mais en tout cas derrière Mathieu Perrin, place de Loïc, mais Mathieu Perrin, lui qui fait 8ème. Donc Loïc Capbern. Ça par contre, c'est une grosse perf aussi. Et lui, il a couru tout seul. Loïc Capbern, 5ème ex-aequo avec Eskil Schinneberg, Mika Kirmoula, 7ème et Mathieu Perrin, 8ème. Et on a notre top 10. Les deux Français dans le top 10, effectivement, avec le top 10 qui vient se compléter par Max-Peter Beimer et alors on attend Thomas Krivda qui peut encore peut-être le jouer. Sinon, pour l'instant, c'est Florian Ovald, le Suisse. Top 10, voilà le chrono qui est le temps intermédiaire, pardon, le temps classement final qui nous est proposé. Ah, c'est bon, triplé suédois. Triplé suédois. On va voir qui est-ce qu'on va pouvoir avoir en interview. Soit on peut avoir l'entraîneur de l'équipe de France. Ah, ce serait sympa d'avoir le coach, ouais. Ouais. Soit on peut avoir Charlie, soit. Alors on avait un moment Oli, mais on n'a pas pu le passer. Oli Oyanao, Thierry, pourquoi pas, on va voir. On va tenter de voir ce qui nous est proposé. Ouais. En tout cas, Christophe, notre fin limier sur place à la recherche d'un coureur à interviewer ou d'un coach. Ou d'un coach, tout à fait. En attendant, on va avoir le récapitulatif avec le GPS qui nous sera
proposée. Puis, alors pour les Estoniens, Loris Hild, Timo Sild, Kenny Kivikas, pardon, 17e, Loris Hild, Ralf Street qui fait une 12e place. Les deux Kasper Fosser 18 hein, ouais, là, c'est, là bon. C'est quand même le... la douche froide pour lui ouais, je pense, c'est... Hein. Là je pense qu'il doit être vraiment déçu hein. Il venait pour le titre sur cette moyenne distance. On a Mathias Kiburs aussi qui est très très loin, mais on l'a vu des circonstances quand même atténuantes pour lui hein. Tout, une bonne partie de l'équipe suisse en sale état avant cette moyenne distance. Alors le replay qui nous est proposé ouais. entre les 4 ah, ça va être intéressant, mais je pense que c'est vraiment le tempo qu'il a mais on va voir, il a, on va voir où ça s'est joué. Parce que d'entrée de jeu, hein, il a une vitesse de course supérieure, il prend des risques. Je pense qu'il est, il devait quand même être à la limite hein, techniquement. Il a... Mais voilà, c'est un peu comme on a dit avec Evelyne Kasikou, c'est la course où tout se goupille bien. Et pour lui, ça a dû être vraiment une agréable en forêt, là, quand on sent qu'on a le, ce qu'on appelle le flow, hein, où tout se goupille bien, tout arrive comme on s'y attend. Ouais, ça, c'est des sentiments qui sont incroyables. Et je suis à peu près sûr qu'il a ressenti ça en forêt, parce que regardez un peu l'avance qu'il arrive à prendre, il devait avoir un rythme incroyable en forêt. Et il a fallu batailler dur hein, pour Albin hein, pour aller chercher son collègue. Et pour le moment on voit, il n'y a pas d'erreur, c'est propre, c'est sous le trait, il n'y a pas d'hésitation. Serré, une course très serrée effectivement, avec Oyanao qui s'est laissé ensuite derrière détaché un petit peu, mais là une petite hésitation de Gustave Bergman. Bergman, ce qui lui permet, alors qu'il était en train de revenir. Et là c'est vraiment sur le, ouais, sur cette partie là, vraiment en fin de course, où Albin arrive à garder un peu plus de vitesse par rapport à Anton Johansson, qui a peut-être baissé un petit peu de pied là, mais pas tant que ça hein, parce que Gustave lui n'arrive pas à lui revenir dessus, donc c'est vraiment Albin qui a réussi à maintenir une vitesse élevée jusqu'au bout. Restez bien avec nous, on aura donc Charlie Boischu en interview en direct d'ici 5 minutes à peu près. On attend l'interview d'Albin Rindefeld, le vainqueur du jour, alors que Thomas Krivda en termine, le dernier à partir. Et bah c'est, va... quand même, c'est une bonne course. Hein. Juste derrière Mathieu Perrin. Alors, juste derrière Mathieu Perrin qui va. Ouais, et oui, va derrière. Juste derrière Mathieu Perrin qui fait donc 8e. Ah, je pense que c'est une bonne course pour Thomas parce que là, il a vraiment couru tout seul. Et bon, il est jeune, il est un peu moins costaud en forêt. L'interview d'Albin. D'Albin Rindefeld. Albin, congratulations on your victory. Tell us about your race. It was a very good race. I felt from the beginning that I had really good speed today, but I saw the course and realized that this will be really technical, so some small hesitations, but I managed to avoid the big mistakes and then in the end just pushing everything I had, so it was a very, very good race. And how happy were you about the execution of your race? We see a tough terrain, many big runners losing time out there. How were you able to do it so well? I think I realized that it was going to be tough, so I tried to, like I said, slow down a little bit for the technical parts and take some safe routes around a little bit to just be extra safe. So I think maybe it wasn't the best on each leg, but then in the total, I think it was a good strategy. And did you have a good feeling out there that you could be running for a medal? Yeah, I felt like it's always hard to say, but I focused on this race for a really long time, and I knew the shape was really good from the qualification, and then I know I can be up there when I have a good race, so yeah. And this is your first international senior medal at a championship individually. How is that? I don't know. It's hard to describe. I've been dreaming about this for so many years, and now taking the last step up to the medals, it's amazing. And three Swedes on the podium today. Why do you think the Sweden are so good today? I think we had really good preparations, and we have pushed each other like in the last sessions here, and also I know this kind of really technical orienteering, it suits us well, both me, Anton and Gustav, so yeah, and then we just had a good day. And there are relays coming out tomorrow. Do you think we should look out for Team Sweden tomorrow? No, I don't. Yeah, of course. Yeah, I think we will have actually like two or three really, really strong teams, so it will be a big fight, but relay is always it's always something special, so we will see. Thank you and congratulations, Albin. Thank you. L'interview donc d'Albin Rindefeld, nouveau champion d'Europe, première médaille pour lui en individuel, seulement sa deuxième
international. Mathieu, je te laisse faire le petit débrief et puis ensuite on retrouve Charlie Boischu, l'entraîneur de l'équipe de France, dans 3 minutes. Oui, je vais essayer d'être rapide, j'y arrive jamais, mais bon. Oui, il nous disait qu'il a fait une bonne course, il sentait qu'il avait une bonne vitesse. Par contre, il a réalisé au fur et à mesure de la course que ça allait quand même être... que ça allait être quand même difficile techniquement, que ça pouvait être piégeur. Donc il a eu quelques petites hésitations, mais pas de grosses erreurs, et il a pu pousser jusqu'au bout. Par contre, quand il a réalisé que ça allait être dur, là où il a été bon, c'est qu'il a réussi aussi à ralentir sur certaines zones, donc voilà, à alterner un peu les allures. Quand il sentait que ça pouvait être piégeur et technique, il avait la capacité de ralentir, et de faire quelques choix aussi qui n'étaient pas forcément sous le trait, hein, comme on l'a vu. Donc je pense qu'il pensait que c'était pas forcément toujours les meilleurs choix, mais que ça lui a permis de pas faire de fautes, d'éviter les grosses fautes. Donc on lui a demandé s'il sentait que c'était une course pour la médaille. Il dit que c'est évidemment difficile à dire quand c'est en course, mais ouais, il savait avant la course qu'il pouvait jouer la médaille. Il sentait pendant la course que ça allait vite. Donc et puis bon, c'est son premier titre, hein. Il disait que c'était un rêve depuis des années, donc c'était pour lui extraordinaire, et il a dit que tous les Suédois s'étaient bien préparés et que ce type de terrain technique aussi allait bien aux caractéristiques des coureurs suédois. Et pour le relais de demain, bah, évidemment, oui, les Suédois seront là, même si, comme il le dit, bah, un relais c'est un relais et tout peut arriver. Merci Mathieu pour cette traduction d'Albin Rindefeld, le nouveau champion d'Europe de moyenne distance. Et on bascule tout de suite avec Charlie Boischu, notre entraîneur de l'équipe de France. Christophe, c'est à toi. Petite analyse à chaud avec la 5e place de Loïc, la 8e de Mathieu Perrin, et puis Cécile Calandry qui fait top 30. Bah, tout à fait, donc avec ces bons résultats des Français, 5e, 8e et un top 30 aussi pour Cécile. Donc ton analyse, Charlie. En tout cas, une satisfaction, clairement, d'avoir ces deux top 10. Alors, il y en a un qui profite clairement de circonstances, on ne va pas se mentir du tout. Mais la perte de Mathieu est énorme. Leur résultat est très, très bon. Et surtout dans la manière, quoi. Il a maîtrisé son sujet de A à Z. Il a été lucide. Il ne se sentait pas bien physiquement du tout aujourd'hui. Et il s'est d'autant plus focalisé sur son boulot. Des fois, on a un peu des pensées négatives à cause de ça. Et là, ça a été le contraire. Ça l'a donné le petit coup en plus pour rester mobilisé tout du long. Donc, énorme satisfaction d'aller valider ce top 10. On aurait presque même dû être un peu mieux sans les circonstances. Mais bon, du coup, c'est Loïc qui va chercher le diplôme pour lui. Et le bilan est très positif avec ça. Après, Cécile a un beau top 30 aussi, donc c'est bien, c'est une bonne performance d'ensemble. Voilà, puis on peut aussi être satisfait, je pense, du résultat de Quentin Moulet, qui doit faire pas loin d'un top 30. 33e, ouais, je crois. 33, ouais. C'est sûr que ça vient confirmer sa belle longue, surtout. On sait qu'il est à peine moins à l'aise sur l'AMD, mais là, il fait encore une course stable. Là aussi, je dirais, surtout la manière, quoi. Le résultat est intéressant, mais manière, c'est top. Merci demain, Christophe. Je ne sais pas si tu vas pas nous dévoiler la compo de l'équipe encore. Ouais, on commence à y réfléchir tout juste, donc ça va être délicat. Bon, après, on voit là, il y en a qui ont quand même bien performé ces deux jours, donc ça sent bon pour eux. Mais non, surtout, on a reparlé de maîtrise technique déjà pour cette course, de choses qu'on sait faire à Clermont, notamment des choses comme ça. Ça peut être un relais ou hyper ouvert demain. Et si on joue sur nos points forts, ça peut être intéressant, mais il va falloir rester lucide là-dessus. Ok, donc merci Christophe. On sera là, super. Sera là pour supporter l'équipe de France. Merci Charlie. Merci Charlie. Merci Christophe. Merci à vous pour l'interview. On suit du coup le podium avec le triplé suédois. Vous le voyez, Albin Rindefeld, Anton Johansson, et médaille de bronze à droite pour Gustav Bergman. Ouais, solide les Suédois, mais comme l'a dit Albin, hein, c'est des, voilà, sur les courses techniques, les Suédois ils sont là. J'aimerais pas être l'entraîneur pour faire la composition du relais de demain là, du coup, hein. Parce que il y a quand même une sacrée densité. Comme on dit, problème de riche, hein, quand même. C'est sûr. C'est sûr. Je pense qu'il doit quand même être satisfait, évidemment, de voir que même les jeunes, hein, c'est surtout Anton Johansson, hein, parce qu'autant les deux, Albin et Rindefeld et Gustav Bergman, franchement, on les avait cochés. On avait dit attention, là, sur ce genre de terrain, on les attend, ils seront là. Mais alors Anton Johansson, lui, on l'avait pas coché du tout.
Et ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est vraiment beau, à l'image de, enfin à l'image de bien mieux hein, forcément, mais pour nous, notre satisfaction du jour sur la course de Mathieu, on disait, on l'espérait capable d'aller chercher un top 10, il le fait. Et puis, avec la manière. Voilà, avec vraiment une course solide. Ça, c'est de bon augure pour la suite. Et évidemment, Loïc a fait une super place. Mais voilà, c'est comme on l'a dit, c'est pas forcément à montrer dans toutes les écoles de course d'orientation. Mais ça fait partie du jeu. Voilà, c'est le jeu des qualifications. Il a été très lucide aussi. Il l'a dit. Hein. Mais voilà, je pense que la performance à mettre en valeur est quand même plus celle de Mathieu, tout à fait. Qui vraiment en faisant une course seule est capable maintenant de jouer avec les meilleurs, et c'est ce qu'on attend de lui. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il est talentueux, qu'il a cette capacité à arriver au plus haut niveau. On l'a vu chez les très jeunes, on l'a vu chez les juniors. Maintenant, on prend le temps de lui laisser passer les derniers caps qui lui permettent d'arriver à ce très haut niveau aussi chez les élites. Mais voilà, on le voit, il passe les marches les unes après les autres. Et ça, vraiment, c'est sympa à suivre. On l'a vu, il avait fait un très bon relais au championnat du monde en République tchèque. Hein, là, on voit les images derrière nous. C'était vraiment super de voir ça, de le voir capable de réaliser ce genre de choses. Et sur une course aujourd'hui, il peut rivaliser avec les 10 meilleurs mondiaux, et c'est vraiment super. On revient donc sur le plateau avec, on a vécu une moyenne distance vraiment d'anthologie, on peut le dire, en tout cas une très belle moyenne distance avec des résultats féminins, le premier titre pour Simona Abersold chez les Suisses. Ouais, beaucoup d'émotions, la surprise pour Evelina Kasikou, là encore beaucoup d'émotions. L'Estonie, bien sûr. Donc ça, c'est sympa à voir, hein, quand on a des filles qui s'investissent comme ça pour ces courses-là et qui arrivent le jour J à tout mettre en place, et voilà. On voit ce que ça déclenche chez elle, hein, et pareil pour les garçons, évidemment. Tony Hanson nous sort une course venue de je sais pas où, et c'est beau à voir, parce que voilà, on a les meilleurs mondiaux, mais il y a toujours moyen en course d'orientation, en faisant le jour J la course parfaite, de venir s'immiscer comme ça parmi le gratin mondial, et voilà, ça doit donner des idées à nos Français. On analysera en fin de journée, bien sûr, pour vous, à cette moyenne distance, pour pouvoir faire un petit débrief à froid, bien sûr, demain matin. En attendant, on peut aussi vous donner l'ensemble des résultats des Français sur cette finale A. On l'a bien dit, donc Loïc Capberne, 5e, Mathieu Perrin, 8e. Cécile Calandry, donc notre Française, qui intègre ce top 30. Et pour le reste des Français, Quentin Moulet, 33e. Charlie Boischu l'a bien dit, ça confirme sa belle perf. Ouais, voilà, il est là, il s'est bien préparé sur ses terrains, et même sur la moyenne distance, qui n'est pas sa course préférée, il fait quand même 33e, c'est solide. Et puis voilà, Cécile, une course qui est moyennement maîtrisée, je pense qu'elle n'est pas très satisfaite d'elle, et ben c'est quand même un top 30. C'est quand même un top 30, donc, effectivement. Bon, c'est quand même à noter. Il nous reste donc trois Français qui participent à cette finale. Maxime Roturier, qui a fait 40e, Raphaël Massilla, 43e, que vous avez vu passer derrière Charlie Boischu, et Nicolas Rio, 52e. Forcément, déception pour Nicolas. On ne savait pas trop où il en était. Il est pas vraiment dans le coup. Voilà, il est, on peut dire, en reprise. Hein. Voilà, il a eu des soucis au genou pendant longtemps. C'est encore un peu tôt. C'est un peu trop tôt pour lui. C'est encore un peu tôt. Son objectif, il nous l'a annoncé en interview, c'est le championnat du monde, bien sûr, 2023. Et du coup, il est effectivement, comme tu le dis, en pleine reprise. Mathieu, oui, une deuxième course qui vient de se terminer. Oui. On a vécu des belles émotions. Bah, on s'est régalé. On est vraiment pas loin. On a un petit podium, mais on n'est vraiment pas loin d'un podium pour les Français. Demain, c'est le relais. Alors, sans trop dévoiler, bien sûr. Alors, on ne connaît pas encore, vous avez compris, la composition de l'équipe masculine. L'équipe féminine, on vous la donnera demain également. En attendant, rendez-vous à 8h20 demain matin pour les leftos. Demain matin, 8h20 en direct sur 8 Mont Blanc et 100% outdoor. J'espère. Et bien sûr, moi, j'espère. Si le réveil sonne. Avec une belle avant-course, on vous a promis un vrai sujet avec le préparateur mental de Loïc Capberne, justement. Et on va revenir sur cette histoire de kick et ce qu'il a peut-être su faire encore une fois aujourd'hui, finalement, garder la roue. Bref, c'est comme ça. Et puis ensuite, bien sûr, l'avant-course avec la présentation de nos équipes de France et un super relais qu'on vivra demain. Forcément matin. Un super relais. Les relais, on le sait, hein, c'est les courses les plus sympas à suivre. Il y a du suspense, ça va être terrible. Moi, j'ai hâte.
Eh bien, écoutez, on vous attend. Nous, on a tous hâte de suivre demain cette dernière épreuve des championnats d'Europe de course d'orientation. 8 Mont-Blanc, 100% outdoor. Rendez-vous 8h20. Soyez au rendez-vous. En attendant, bonne récup à tous et à demain. Salut Robin, bye salut bye. À tous.